19h23, on est en direct dans Face à Baba, c'est le quatrième numéro de cette émission. Et merci à Valérie Pécresse d'être là, on dirait. Comment ça va Valérie? Ça va bien. Valérie, on devait se voir le jeudi 3 mars, malheureusement on a dû annuler. À cause de la guerre en Ukraine. Exactement, on est heureux de se voir aujourd'hui. On va être en direct, vous connaissez le principe de l'émission. Il y aura des gens qui seront contre vous, il y aura des gens qui seront plutôt avec vous, voilà, ou même des gens qui sont même contre vous mais qui ont envie de débattre. Hein, voilà, on va débattre, voilà, dans la joie et la bonne humeur, j'espère. Est-ce que ça va en ce moment? Bah, c'est un combat. C'est un combat. Hein. Je sais que vous faites de la boxe d'ailleurs. J'aime la boxe, mais j'en fais plus parce que j'ai une hernie discale. Hein, alors voilà. Ouais, c'est normal. Faut arrêter. On s'était rencontré un combat de boxe la première fois. J'ai une immense admiration pour Estelle Mosley. Exactement. Souleymane Sissoko. Exactement. Deux grands champions. Alors c'est vrai que c'est un combat. Tony Yoka. Oui, c'est vrai. Voilà, on les embrasse. Merci. Valérie Pécresse, c'est. Vous savez, ça ressemble à la politique, la boxe. Bah oui, mais vous vivez une aventure. C'est fou. Vous sortez des primaires, une dynamique incroyable. Et là, c'est vrai qu'on sent que la campagne est longue. Qu'est-ce que vous vous dites actuellement? Aujourd'hui, on a à moins d'un mois du premier tour. Vous êtes une battante, vous y croyez à fond, vous dites « je vais y arriver ». Ouais. Moi d'abord, je dis aux Français, ne vous laissez pas voler cette élection. Parce qu'aujourd'hui, on nous explique que finalement, ben, parler de la France, ça ne sert à rien. Il y a la guerre en Ukraine, donc aujourd'hui, on n'a plus le droit de poser les vraies questions. Là, donc, vous reprochez au président de la République de ne pas assez débattre avec les autres candidats? Ah ben, ils sont où les ministres du gouvernement, là, ce soir? Alors, Il est où le président de la République dans les débats? Il était sur le 1945 d'M6. Oui, tout seul. On embrasse nos confrères. Ah ben oui, oui, il choisit ses interlocuteurs, il choisit les journalistes. Il viendra nous voir, on ne sait pas. Bah, s'il vient nous voir, vous viendrez en face. Écoutez, en tout cas, aujourd'hui, je note qu'aucun ministre du gouvernement n'a accepté de débattre avec moi. À moins que ce soit déguisé en Adrien Quatennens, non, je vous le dis, non. Non, il n'est à moins qu'il y ait un ralliement qui se prépare, mais là, je ne crois pas. Non, mais au-delà de ça, moi, je vous dis, il y a un premier tour. Aujourd'hui, les sondages donnent le président, les 60 derniers sondages, même plus, donnent le président au deuxième tour, quoi qu'il arrive. Après, c'est vrai qu'il y a cette deuxième place que tout le monde brigue. Vous, aujourd'hui, est-ce que, déjà, vous ne devez pas débattre avec Marine Le Pen, déjà battre Marine Le Pen, battre Jean-Luc Mélenchon, battre Éric Zemmour, c'est ça aussi. Parce que le président, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est Nadal à Roland-Garros dans les sondages. On se dit, il est en finale et on attend de savoir qui va être en finale face à lui. Vous, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous avez une chance d'être en finale? Alors d'abord, moi, j'ai toujours été une surprise. Ah. Toute ma vie, j'ai été la surprise. J'ai été la femme qu'on n'attendait pas. Ouais. Ma première élection, c'était contre un général qui s'appelait Philippe Morillon. Il était le favori dans les sondages et on disait, et moi j'étais la gamine. Et il allait toller la gamine. Ensuite, il y a eu Claude Bartolone, je ne sais pas si vous bien vous souvenez, sûr, c'était les régionales en Ile-de-France. Bien c'était sûr. Plié, le match était plié. C'était plié. Et donc voilà, et ce n'était pas si plié que ça finalement. Oui. Ensuite, il y a eu la primaire de la droite. Alors la primaire de la droite, Cyril Hanouna, je ne sais pas si quelqu'un m'avait vu venir, mais ils n'étaient pas nombreux. Et puis maintenant, il y a cette présidentielle. Alors justement, cette primaire de la droite, Valérie Pécresse. Vous avez gagné la primaire, et moi, ce que je me suis dit, c'est vrai qu'elle a déjà gagné la primaire. Est-ce qu'il n'y a pas eu une décompression? Vous avez dit, j'ai gagné déjà la primaire, et après, forcément, c'est comme les qualifications hein, dans un grand tournoi, et derrière, il fallait faire la campagne. Est-ce que vous n'avez pas eu une petite décompression après cette victoire? Même vous, vous dites que vous étiez une surprise. Alors, c'était pas tout de suite après. Juste après, j'ai fait l'union. Ouais. C'était très important, hein, de Xavier Bertrand à Éric Ciotti, Michel Barnier, Philippe Juvin, rassembler la famille. Et c'était très important parce qu'on est de toutes les sensibilités de la droite. Et il fallait qu'on soit tous ensemble. Donc, juste après, il n'y a pas eu de décompression. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai eu un petit coup de fatigue en janvier, je le reconnais. Je le reconnais bien volontiers, c'est parce que moi, j'ai fait les régionales, la primaire de la droite. Exactement. Et j'enchaîne sur la présidentielle. Mais pourquoi j'y vais? Pourquoi j'y vais? Pourquoi j'ai cette énergie? Pourquoi je suis remontée sur mon cheval? Pourquoi aujourd'hui, je me bats? Parce que je pense que le projet que je porte pour le pays, c'est le bon. Parce que je pense qu'il faut remettre de l'ordre. Parce que je pense que la montée de la violence, ça suffit. D'ailleurs, j'ai vu que les Dalton étaient sur votre plateau. Là. Vous avez dit que vous les attraperiez une fois aussi. Si j'étais Darmanin, là, à la sortie du studio, il y aurait eu un policier pour venir leur demander des comptes là, sur le paintball et la préfecture. Il y en a un déjà qui sortait de prison, hein, juste là. Ceux que vous avez reçus, c'est ceux qui ont tiré sur la préfecture ou c'est pas eux? J'ai une très bonne nouvelle sur les Dalton. Enfin, j'espère qu'ils vont vraiment tenir leurs promesses. Ils m'ont juré qu'ils ne feraient plus aucune de mes actions. Voilà. Ils me l'ont dit tout à l'heure, ils m'ont dit,
on n'en fera plus. Vous devriez devenir curé, vous. Eh ben, écoutez, ben, déjà, je vais vous dire. Ou juge, ce serait pas mal. Voilà. Non, mais vous verrez, on en reparlera quand vous serez présidente, peut-être, vous verrez. Et moi, je crois à la réinsertion. Ah, voilà, à la deuxième chance. Je crois à la deuxième chance. Oui. Mais je crois aussi que quand on casse, on répare, vous voyez. Alors, j'espère qu'ils vont réparer. Et quand on attaque une préfecture, je sais, ça, on leur a dit que c'était pas bien, je vous le dis, et on espère qu'ils vont réparer ça et qu'ils vont faire des bonnes actions, parce qu'ils en avaient fait certaines qui avaient été bien vues d'ailleurs à Lyon. Pour revenir à vous, Valérie Pécresse, j'ai envie qu'on vous connaisse un petit peu mieux ce soir. Vous êtes, il y a tous les candidats, il y a Fabien Roussel qui est là aussi ce soir, on a eu Yannick Jadot la semaine dernière, et il y a aussi quatre monstres de notoriété en face de vous. Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Éric Zemmour qui était plus connu comme journaliste éditorialiste, Marine Le Pen. Vous êtes dans cette bataille, et c'est vrai qu'on ne vous connaît pas comme on les connaît eux. Aujourd'hui, vous avez une notoriété qui est moindre, de ces quatre monstres, et vous allez chercher cette deuxième place. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on vous connaisse un peu mieux. J'ai envie aujourd'hui, moi, de voir la Valérie Pécresse que j'ai vue au bord du ring, voilà, qui était sympathique, qui parlait à tout le monde. Je suis rentré chez moi, je dis, je ne connaissais pas Valérie Pécresse. Elle est vraiment sympathique. Et tous les gens me disaient, tu as vu, il y a Valérie Pécresse, regarde comme elle est sympa. Et c'est vrai qu'on a envie que ce soir, vous tombiez le masque. On a envie de voir une Valérie Pécresse, la vraie Valérie Pécresse. Est-ce que vous avez été vous-même, dans les différentes émissions que vous avez faites, et lors du premier meeting que vous avez fait, est-ce que vous êtes senti à l'aise? Est-ce que vous êtes dit, c'est vraiment ma place? Est-ce que c'est vraiment moi? Non, je pense qu'au Zénith, j'ai pas trouvé mon ton. C'est ça. J'ai voulu faire un meeting comme un homme. Ouais. Et en fait, je suis pas un homme. Et donc, après le Zénith, j'étais déçue, évidemment. Bien sûr. J'ai trouvé que les critiques étaient injustes, mais il y avait aussi plein de défauts dans le meeting. C'était votre première. C'était mon premier très très grand meeting. Bah oui. Et dans ces cas-là, vous savez, moi je pense que dans la vie, il y a deux attitudes. Quand on trébuche, on peut rester à terre ou on peut se relever. Et je pense que quand on veut présider la France, il faut avoir une capacité de se relever. Et il faut avoir la capacité de remonter sur le cheval tout de suite. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Et quatre jours après, au Canet, il y avait 3000 personnes. Et j'ai dit, on va tout changer. Ouais. J'ai pris mon micro et j'ai dit, je vais le faire a cappella, devant 3000 personnes, sans discours, sans notes. Et les types, ils étaient là, ils étaient en train de se dire, c'est la deuxième lame du rasoir Gillette, là. Ouais, c'est ça. Deuxième meeting à 3000 personnes, là, voilà. Et là, a cappella, et sans notes, et avec mes mots. Tout de suite, j'ai eu le sentiment d'être monté sur le cheval. C'est ça. Et d'avoir été vous-même. J'ai été moi-même, mais surtout, j'ai trouvé mon style. Parce qu'en fait, le problème de ces présidentielles, c'est qu'il faut fendre l'armure. Et mon armure à moi, elle est épaisse comme ça. Elle est épaisse comme ça parce que j'ai une famille, parce que j'ai pris plein de coups dans ma vie politique, parce qu'il a fallu que je les protège, donc j'ai mis une armure comme ça. Et à un moment donné, il faut l'ouvrir. Et c'est vrai que ceux qui ont plus d'expérience que moi, qui ont déjà fait des campagnes présidentielles, ils savent qu'il faut fendre l'armure. Moi, j'ai eu un petit peu de mal, j'ai mis du temps. Et maintenant, on n'a plus que 3 semaines. Exactement. Et donc, c'est le moment. C'est pour ça que je suis là. C'est comme un match de foot, c'est jamais fini une élection. Ça peut tourner. En plus, là, ce sont des sondages. Aujourd'hui, Valérie. Les sondages, ils se trompent tout le temps. Hein. Vous dites, oui, ils se sont toujours trompés. Ce sont. Oh. Ah, au régional. Vous voulez que je vous raconte? Sur la présidentielle, ils se trompent moins. Ah, au régional, Oui, le Front National devait gagner combien de régions déjà? Oui, je sais, non, mais ça, on a déjà parlé. 4, 5. Mais je vous dis, sur la présidentielle, ils se trompent rarement. C'est. Baladur-Chirac? Je vous raconte? Non, Baladur-Chirac, je m'en rappelle. Ah, je vous raconte, parce que moi j'étais Chirac. Non, c'était. Avec Nadine, on était toutes les deux Chirac. Non, mais pas 3 semaines, Valérie. Pas 3 semaines. Mais attendez, et là. 3 semaines. Et Baladur, il était favori dans les sondages. Il était favori à 3-4 mois de l'élection. Non, jusqu'à la mi-février. Attendez, mais. Il n'y avait pas la guerre en Ukraine non plus. Oui, bien sûr. Vous croyez que les Français, d'ailleurs, les Français qui nous écouteraient, qui sont vraiment dans la présidentielle là? Moi, vous voyez aujourd'hui, ils pensent sécurité, ils pensent immigration, ils pensent école, ils pensent santé, ou ils pensent juste prix de l'essence et guerre en Ukraine? Moi, je vais vous dire, les Français qu'on voit souvent sur le plateau, là, ce qui revient à chaque fois, c'est pour l'instant, je n'ai pas trouvé mon candidat. Je n'ai pas trouvé celui qui fait que je vais voter pour lui par adhésion. Aujourd'hui, énormément de monde vote, voilà, par élimination. Bah non, ce ne sera pas lui, ce ne sera pas lui, ce ne sera pas lui, ce ne sera pas lui. Et je dis souvent, j'ai cette formule, je n'ai pas envie qu'on se retrouve au deuxième tour, un Macron face à l'abstention. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que les Français, je vous dis, il y a beaucoup,
Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'indécis. Aujourd'hui, Valérie Pécresse, vous avez dit quelque chose il y a un instant. Vous avez dit, il faut que je trouve aussi ma place. Et il y a pas mal de gens qui vous reprochent de prendre un petit peu ici, de prendre un petit peu là, de prendre là. Enfin, d'être un peu middle. C'est ça, sur différents sujets. Ils disent aussi que vous êtes un peu, voilà, c'est la continuité d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là ? Ah bah, je dis que je suis complètement en rupture avec Emmanuel Macron. La preuve que je suis complètement en rupture, c'est qu'il m'a quand même envoyé 5 ministres pour me faire battre au régional. Parce qu'il sait que ceux qui peuvent prendre sa place, c'est la droite républicaine. Pourquoi nous ? Bah, c'est simple, parce qu'on a un programme à la fois très ferme sur l'ordre, la République, l'immigration, la sécurité, mais en même temps, on va faire toutes les réformes qu'il n'a pas faites pour le pays. Et il sait qu'il ne les a pas faites. C'est pour ça qu'il ne veut pas débattre. Il sait qu'il n'a pas fait la réforme des retraites pour sauver les retraites. Il sait qu'il n'a pas fait la réforme de l'État qui permettrait de baisser les impôts, de créer des emplois en France. Il sait qu'aujourd'hui, il s'est trompé sur l'énergie nucléaire, qu'il s'est trompé sur l'agriculture en disant on va faire de la décroissance agricole, on va produire moins d'agriculture alors qu'on a besoin de nourrir la planète aujourd'hui. Il sait qu'il s'est trompé sur tous ces sujets-là. Il ne veut pas venir nous le dire en face. Il sait que l'école est la plus inégalitaire. Vous pensez vraiment que c'est bon ? Il sait qu'il y a des Français, 5 millions de Français qui n'ont plus de médecins traitants. Valérie Pécresse, je le dis à chaque fois, aucun président sortant n'a débattu avant le premier tour. Donc pourquoi il le ferait, lui ? Alors, c'est vrai et c'est faux. En général, quand vous êtes président sortant, vous venez voir les Français et vous dites, écoutez, voilà, j'étais un bon président. J'ai un bon bilan. Voilà mon bilan, regardez, j'ai fait baisser l'insécurité, j'ai fait baisser l'immigration, regardez, l'école va mieux, regardez, comme ça va mieux avec moi. Bah lui, il fait pas ça, il présente pas de bilan. Il présente un programme, pendant 3 heures, pas de vision, il va chercher des idées chez tout le monde, et puis il dit, voilà, j'ai fait un programme. Ben non, je suis désolée, il remet pas de l'ordre, il n'y a rien sur l'autorité, les réformes, réforme des retraites, ok, une réforme. Même quand il copie mon programme, il le copie mal. Par exemple, moi j'ai dit, quand on touche le RSA aujourd'hui, il faut qu'on ait 15 heures de travail en contrepartie, parce que voilà, moi j'aime pas l'assistanat, je veux qu'on remette les bénéficiaires du RSA dans l'activité, je veux qu'on les réinsère. Bah, lui il dit, ah oui, moi je vais faire pareil, mais ce ne sera pas obligatoire. Si c'est volontaire, c'est pas tout à fait la même réforme. Pour revenir à ce débat, j'ai eu la même discussion avec Marine Le Pen la semaine dernière. Si j'étais à la place du président de la République, je ferais exactement la même stratégie. Je vois aujourd'hui, je suis sûr d'être au deuxième tour. Aujourd'hui, je suis sûr de rien du tout. Oui, pour l'instant, je caracole en tête dans les sondages. Pourquoi je vais prendre un risque ? Et c'est ça. Alors, et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent on va voter Macron parce qu'il n'y a rien d'autre à côté ? Alors d'abord, je vous réponds. Vous savez, à un moment donné, les Français peuvent s'exaspérer. Ils peuvent s'exaspérer de la non-campagne. Ils peuvent se dire, finalement, il y a des candidats qui ont du courage, qui y vont. Il y en a un en face de moi, Fabien Roussel. Il y a des candidats qui ont du courage, qui y vont, qui ont un projet vraiment différent du mien, différent de Macron. On va aller lire leur projet. Et finalement, Macron, qui croit qu'il est réélu, bah, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça parce que nous, on n'aime pas quand les sondages nous dictent le résultat de l'élection. Nous, on est des Français libres. Et les Français libres, eh ben, ils lisent les programmes. Et les Français libres, ils lisent les professions de foi. Et à un moment donné, ils se disent, c'est le destin du pays qui se joue. Et finalement, est-ce qu'on veut encore 5 ans de Macron ? Ou est-ce que finalement, on n'est pas content des 5 ans de Macron ? Et peut-être qu'ils vont se poser cette question. Et c'est pour ça que je suis venue dans votre émission. Ah, ça, c'est pour qu'ils se posent cette question. C'est pour qu'en m'écoutant, ils se disent, mais finalement, la réponse à nos problèmes, c'est elle qui l'a. Alors, on va accueillir dans un instant Marion Maréchal, qui est notre première invitée. Mais juste avant, j'aimerais qu'on parle de 2-3 minutes de vous. Hein. Vous dites que vous êtes une enfant précoce. Vous dormiez en classe, il paraît. En fait, au début, ouais. Au début, j'étais une enfant précoce. Oui. Et donc, je m'ennuyais en classe. C'est ça, c'était trop facile pour vous. Bah, en fait, les enfants précoces, il faut savoir que, en fait, il faut les nourrir. Oui. Si on ne les nourrit pas, en fait, ils s'étiolent. Donc, ouais, j'avais des difficultés. Et quand on s'est aperçu que j'étais précoce, on m'a fait sauter une classe. Vous avez eu votre bac à 16 ans. Après ça s'est super bien passé. Mais les troubles de l'apprentissage de l'enfant, c'est des sujets très importants à l'école. Il faut repérer. Il y a ceux qui sont hyperactifs, il y a ceux qui ont des troubles 10, et il y a les enfants précoces. Et il faut les repérer très jeunes. Le bac à 16 ans. C'est pour ça que je veux réformer la médecine scolaire, d'ailleurs, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire. On en reparlera, vous parlerez de tout ça, vous parlerez de votre programme. C'est vrai que bac à 16 ans, c'est fort. Moi, à 16 ans, j'étais en CM2. J'ai pas toujours été bon élève. Non, c'est vrai, moi, en CM2, on prenait pour le prof déjà.
à 20 ans environ, là, c'est plus compliqué, vous êtes victime d'une agression sexuelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé, Valérie? Alors, j'avais 22 ans. Et en fait, c'est quelque chose dont j'ai mis du temps à parler. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une espèce de stress post-traumatique, on dit maintenant. C'est pareil que c'est le mot à la mode. Et en fait, ce qui fait qu'on n'en parle pas. Donc, un jour... En fait, cette agression, ça a été quoi pour moi? Ça a été la fin de l'insouciance. J'étais insouciante. Voilà, j'avais 22 ans, je portais des jupes courtes, je me méfiais de personne, j'avais confiance. Voilà. Et un jour, j'allais voir un copain et je rentrais dans un immeuble et j'ai ouvert la porte avec le code à un type qui était derrière moi. On est rentrés ensemble dans l'immeuble. Et c'était un immeuble qui n'avait pas l'ascenseur, donc j'ai commencé à monter dans l'escalier et il m'a sauté dessus dans l'escalier. Et j'ai hurlé. Et coup de bol, comme j'allais voir un ami, l'ami m'attendait. Et c'était un vieil immeuble et on entendait tout dans le vieil immeuble. Il m'a entendu hurler, il a ouvert la porte. Et il s'est précipité et le type a détalé, il s'est enfui. Mais donc il s'est rien passé, c'est rien de dramatique, rien de terrible. Simplement, le choc de me dire, l'autre en face de moi, ça peut être un agresseur, ça peut être un mec qui veut me violer, quoi. Vous sentez ému quand vous en reparlez? Ouais, parce que j'en ai jamais parlé à la télé comme ça, vraiment. J'en ai parlé un peu vaguement, mais voilà. Voilà. Mais parce que je sais que beaucoup de femmes, beaucoup de filles ont vécu ça, vivent ça. Que beaucoup, comme moi, n'ont pas osé en parler. Parce que moi, j'ai pas osé porter plainte. Et ce dont je m'en veux maintenant, c'était il y a longtemps, hein. C'était il y a 30 ans. Mais je m'en veux maintenant, parce que je me dis, peut-être que le type, il a recommencé. Mais à l'époque, j'ai fait le blackout. J'ai voulu tourner la page de ça. J'ai plus voulu en parler. Il s'était rien passé. J'ai voulu tourner la page. Et je pense qu'il y a plein de femmes qui réagissent comme ça. Ah, c'est ça. Et donc, quand je suis devenue présidente de région, il se trouve que j'ai la responsabilité du métro. Et dans le métro, il y a plein d'agressions. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse des campagnes pour dire aux témoins, aux victimes, portez plainte. Voilà, brisez l'omerta, n'ayez pas peur. Parce que c'est vrai qu'elle est dans un commissariat pour raconter ça. Il m'aurait dit quoi? Vous aviez une jupe courte? Vous lui avez ouvert la porte? Pourquoi vous lui avez ouvert la porte? Moi, j'avais peur de la façon dont j'allais être reçue aussi dans le commissariat, si on allait me prendre au sérieux, etc. Dans les commissariats, je vous dis, prenez vraiment au sérieux ce genre d'agression. Maintenant, oui. Avant, il y avait un hashtag qui s'appelait double peine pour les femmes victimes de violences. Mais aujourd'hui, vraiment les choses ont changé. Moi, j'ai fait faire un audit de tous les commissariats qui a été demandé par la préfecture de police. J'ai une association qui travaille pour la région Île-de-France et on l'a fait pour la région. Et il faut le faire dans tous les commissariats de France. Aujourd'hui, il faut que ces femmes soient reçues. Et moi, je demande dans mon programme qu'il y ait une juridiction spécialisée, c'est-à-dire des juges spécialisés pour les violences faites aux femmes, et que dans les 72 heures, on puisse prendre des mesures. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a encore beaucoup trop de violences faites aux femmes. Alors, vous êtes entrée à l'ENA, vous terminerez deuxième de votre promo. Franchement, c'est un parcours parfait. Et vous apprenez le japonais, vous partez vendre des spiritueux, des caméscopes et des liqueurs à Tokyo. C'est fou, ça. Je suis partie apprendre le japonais. Et pour payer mon voyage, j'ai envoyé des lettres à plein d'entreprises en leur disant, écoutez, je pars au Japon pour suivre des cours de japonais. En fait, j'aimais un peu l'aventure. Hein. J'avais fait du russe. Vous avez fait du japonais. J'avais envie de voyager, envie de découvrir le monde. Mais il fallait aussi financer. Et donc, c'est Moët & Chandon, les champagnes. Alors, je vais devoir citer d'autres champagnes. Pardon. Champomy. Bon, zut. Voilà, merci. Bon, une grande marque de champagne. Oui. Une grande marque de champagne qui m'a répondu. Alors, je suis allée chez eux à Épernay. Et ils voulaient vendre un mélange de cognac et de champagne aux jeunes japonaises parce qu'elles aiment le champagne mais elles aiment les cocktails sucrés. Donc ça s'appelait de la petite liqueur. Je vous rassure, à la fin de mon étude de marché, puisque j'en ai fait boire à des japonaises pendant 2 mois et demi, à la fin de mon étude de marché, j'ai conclu qu'il n'y avait pas de marché pour la petite liqueur. Oui. C'était trop sucré et ça ne marchait pas. Il fallait le boire vraiment bien glacé et c'était pas terrible. Moi, cognac, champagne... Ce que je retiens de ça aussi, c'est que vous parlez japonais. Est-ce que vous pouvez dire juste en japonais
je serai la prochaine présidente de la République française. Alors, je vais vous dire, je l'ai appris. Oui. Mais aujourd'hui, je ne le parle plus du tout. Alors, je peux simplement faire quelque chose qui impressionne toujours les Japonais, c'est que je peux lire du japonais. Alors, si on fait un discours, vous me donnez un truc. Non, non. Et de l'autre, et j'ai fait un discours comme ça à l'université de Tokyo quand j'étais ministre. Et tous les Japonais ont cru que je parlais japonais. Donc ils sont tous. Non, je ne le parle plus. Et d'ailleurs, je vais même vous faire une confidence. Mon fils, qui aujourd'hui est un lecteur fan de manga. Le Clément ou Baptiste ? Clément. D'accord. Qui est un fan absolu de manga. Aujourd'hui, je me suis aperçu que de temps en temps, il parle mieux japonais que moi. C'est-à-dire qu'il apprend les expressions japonaises avec les mangas. Donc, il me met des gomen nasai et des hirashaimase toutes les 5 minutes. Mais donc, lui, il commence à. Il y a un petit quelque chose quand même. Il y a un bel accent. Vous avez 3 enfants, Valérie, Baptiste, Clément et Émilie. Est-ce que c'est compliqué de gérer une campagne présidentielle et de gérer sa vie de famille? Parce que c'est vrai que c'est très très prenant. Alors, je dois avouer que le fait que le nid soit vide. Oui. C'est-à-dire que les 3 soient partis cette année de la maison, c'est fini. C'est vraiment important parce que ça me permet de me donner vraiment à 120% dans la campagne. Parce que j'aurai aujourd'hui encore des enfants petits. Moi, je ne sais pas comment Marion Maréchal fait, mais je veux dire, la vie politique, c'est dur quand on a des enfants petits. Parce qu'il faut vraiment tout concilier. Moi, je me suis inventé, à certains moments, des rendez-vous extrêmement importants, avec des gens extrêmement importants, parce qu'en fait, il fallait que je me dépêche de courir à la librairie acheter des stylos feutres pour ma fille qui avait malheureusement oublié ses stylos feutres et il fallait qu'à un moment donné, j'aille les chercher. Donc, voilà. Vraiment faire de la politique pour une femme, c'est encore plus dur. Alors, je sais que maintenant, il y a des nouveaux pères qui font ça très bien et qui assument le partage des tâches. J'ai d'ailleurs vu que dans certains programmes, même nos hommes politiques parlent d'égalité salariale et d'égalité. Sûr. Moi, j'ai le partage des tâches, ça a été dans l'ADN de mon couple pendant 28 ans. Hein. Alors, si vous êtes élu président de la République, j'en ai parlé avec Marine Le Pen la semaine dernière, elle m'a dit, moi, je n'aurai pas de premier homme. vous en avez un. Est-ce qu'il va arrêter de travailler ou bien est-ce qu'il va continuer ses activités? C'est une question qui est très importante. Ah oui, bien sûr. Parce qu'en fait, mon mari, il est cadre dirigeant dans une grande entreprise internationale. Et en fait, c'est pas compatible avec le fait d'être époux d'une présidente de la République. Parce que aujourd'hui, quand on est dans le secteur privé, on peut pas avoir sa femme qui est présidente de la République. Donc ça veut dire qu'il est prêt. Vous en avez déjà parlé tous les deux? Bien sûr, on en a parlé ensemble. Et il est prêt à y renoncer. Par amour pour moi. Voilà. C'est bon. Valérie Pécresse est avec nous ce soir. Il est 21h40. Mais je dis quand même qu'il a une passion dans la vie, c'est l'écologie, parce que voilà, c'est sa grande cause. Et que donc, si je suis président de la République, il se consacrera à des activités d'intérêt général dans le domaine de l'écologie. Ah, tiens, petite question d'ailleurs. Vous avez vu que le président a dit qu'il n'excluait pas, s'il était réélu, que vous soyez une de ses ministres. Vous diriez oui. Mais attendez. Ça. Il paraît qu'il a fait sa thèse sur Machiavel quand il était tout petit. Ouais. Il l'a bien appris. Hein. Je pense qu'il a tout appris, puis appris par cœur. Non, mais attendez. Ça, c'est des fadaises. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est juste essayer de démotiver l'électorat de droite, c'est-à-dire une majorité des Français, qui ont envie, enfin, que l'ordre revienne dans le pays, qu'il n'y ait plus de violence dans les rues, qu'il y ait plus d'immigration incontrôlée, qu'enfin, on lutte contre l'islamisme, qu'on remette de l'ordre à l'école, qu'on répare les services publics, qu'on fasse les réformes, qu'on redonne du pouvoir d'achat, qu'on revalorise le travail. Enfin bref, il y a un électorat aujourd'hui français qui a envie de cette politique-là, une politique de droite, vraiment. Et lui, il essaye de se faire passer pour ça. Mais c'est la contrefaçon. Il y a eu cette rumeur, Valérie. Carl Zéro, vous vous souvenez, Carl Zéro? Bien sûr, bah oui. Méfiez-vous des contrefaçons, monsieur Hanouna. Alors, juste, Valérie Pécresse, il y a eu cette rumeur, à un moment vraiment persistante, qui disait de toutes les façons, Valérie Pécresse, qu'elle soit présidente ou pas, il y a déjà eu un arrangement avec Emmanuel Macron, elle sera son premier ministre. C'est ça aussi, fadaise. Mais vous savez pourquoi ils le font? Pourquoi, dites-moi? Parce que je suis la femme à abattre. Parce qu'ils savent que ni Éric Zemmour, ni Marine Le Pen ne peuvent gagner cette élection. Marine Le Pen, ça fait la 8e fois qu'un Le Pen se présente. Non, mais oui. Donc si les Français en voulaient, elle aurait gagné. D'ailleurs, si Marion Maréchal n'est plus avec sa tante, c'est qu'elle-même, elle n'y croit plus. Elle va nous en parler dans un instant. Elle n'y croit plus. Allez.
pour l'instant... Bah, si elle y croyait, elle serait restée. Oui, Valérie Pécresse, pour l'instant, c'est Marine Le Pen, d'après les sondages persistants, qui est au deuxième tour. Mais arrêtez de croire les sondages, non, mais je Cyril, les crois parce que Hanouna, Marine Le Pen, voyons. Je vous... excusez-moi, Valérie Pécresse, oui ou pas, voilà. Valérie Pécresse, les sondages sur la présidentielle à 3 semaines ont rarement changé. Est-ce que dans vos équipes, est-ce que vous sentez une démobilisation? Est-ce que vous sentez que dans vos équipes, on se dit c'est mal barré, on est passé de 19 à 10 ou pas du tout? Mais d'abord, je vais vous dire un truc. Il y a Nadine Morano qui est sur ce plateau. Bonjour Nadine. Et il y a un certain nombre aussi de mes proches qui sont là, Hotman, Florence, ouais. Et d'autres peut-être derrière moi aussi. Farida, j'ai vu. Mais... Nous, on y croit tous et on est à fond. Et s'il y en a qui ne sont pas courageux et qui lisent trop les sondages, eh bien, ce n'est pas grave, on fera sans eux. Vous savez, ce n'est pas comme ça que ça se gagne l'élection. L'élection, ça se gagne dans le cœur des Français, dans le cœur de chaque Français. Donc, c'est le cœur de chaque Français que je veux toucher ce soir. Et c'est pour ça que je suis chez vous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui vous regardent. Et ils ont du cœur. Et qu'ils ont du cœur. Voilà. Marion Maréchal va être notre première intervenante ce soir. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'elle vient sur un de mes plateaux aussi. Marion Maréchal, face à... Valérie Pécresse. Merci Marion Maréchal d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Bah non, ça va. Alors, on va pas vous garder trop longtemps. Parce que voilà, vous êtes. Non, mais c'est vrai. Ça va, je suis pas malade, hein, je vous rassure. Si le bébé arrive, vous me demandez, je peux intervenir. Ça y est, vous avez tout ce qu'il faut, le matériel et tout. Ne vous inquiétez tomber pas. Tomber enceinte, voilà. C'est pas tomber malade. Oui, c'est ce que j'ai dû expliquer à mes collègues députés quand j'ai eu mon troisième enfant. Oui, mais voilà. Et Marion Maréchal, merci en tout cas d'être là. Vous avez rejoint Éric Zemmour. Oui. À la surprise générale. Enfin, plus une surprise à un moment, mais à la surprise générale. Pourquoi Éric Zemmour? Bah parce que je me suis retrouvée sur le plan des convictions. Avant tout, je pense que personne, il n'aura échappé à personne que j'avais des divergences de lignes, de stratégies depuis longtemps avec le Rassemblement National. Et d'ores et déjà, je les exprimais quand j'étais à l'intérieur du mouvement. Et que je vois en Éric Zemmour l'incarnation finalement de ce rassemblement à droite que j'appelle de mes voeux depuis longtemps. Je le vois d'ores et déjà dans ses équipes, je le vois dans son potentiel électorat. Je le vois également en potentiel s'il est qualifié au deuxième tour. Et bon, pour toutes ces raisons, je crois que c'est là où je devais être et où je crois à la victoire. Et est-ce que vous avez des nouvelles de Marine Le Pen? Vous, ça ne vous regarde pas. Ah si. Bah non. Bah elle était là la vous, semaine dernière. Vous, votre grand-mère, elle va bien? On se dit tout maintenant. Le dîner de Noël, ça va, ça s'est bien passé? Non, ça ne vous regarde pas, c'est mes histoires personnelles. Donc ça veut dire oui? Comment? Ça veut dire oui. Ah, bah vous en déduisez ce que vous voulez, mais je ne vais pas parler de ma vie familiale et personnelle ici. On parle de politique. C'est d'abord un sujet politique, c'est pas une histoire de famille, là, le sujet. Alors, donc, vous avez rejoint Éric Zemmour. On va parler de quelle droite pour quelle France. C'est le thème, puisque vous êtes toutes les deux de droite, mais pas tout à fait la même. Ce que dit Valérie Pécresse, la droite, c'est moi. Éric Zemmour et Marine Le Pen se sont disqualifiés par leur complicité avec Vladimir Poutine. Ça, c'est quelque chose que vous reprenez très souvent, Valérie Pécresse. Et Marion Maréchal, Éric Zemmour a cette capacité à rassembler à droite. Il a brisé ce fameux cordon sanitaire de la droite qui empêchait la victoire. On est parti sur ce thème parce que c'est vrai qu'il y a trois très gros candidats à droite. Et c'est vrai qu'à un moment, il n'y en aura qu'un qui sera qualifié. Donc là, c'est le moment de savoir quelle droite vous allez choisir entre la droite de Marion Maréchal, Éric Zemmour, et celle de Valérie Pécresse, qu'on a vu celle de Marine Le Pen la semaine dernière. Marion Maréchal... Dites-moi, pourquoi il faut choisir pour vous Éric Zemmour plutôt que Valérie Pécresse? Non, bah pour une raison simple, et d'ailleurs j'aimerais pouvoir vous interpeller, madame, à ce sujet-là. Et moi je vous rassure, je ne suis pas du tout dans une logique de combat de boxe, ce n'est pas l'idée que je me fais de la politique. Donc je pense qu'on a des vraies divergences, vous les assumez et je les assume, donc c'est l'occasion justement d'en parler aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à ce titre, on vous parlait à l'instant de la phrase d'Emmanuel Macron, alors je veux bien entendre de sa part une forme de stratégie, mais c'est vrai qu'on a un certain nombre d'indices, comprenez, qui créent une forme de trouble, à la fois sur le fait que vous aviez dit le 16 mars qu'il avait repris une grande partie de votre programme, même si vous avez ensuite un peu changé le discours de ce point de vue-là. Il y a dans vos équipes au sein de LR aujourd'hui des gens qui d'ores et déjà se projettent dans des alliances avec Emmanuel Macron. Vous aviez vous-même appelé à voter pour lui en 2017. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une forme d'ambiguïté que je vois bien que vous souhaitez lever. C'est pour ça que je vous pose la question très directement parce que je n'ai jamais vraiment entendu la réponse. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous n'appellerez pas à voter Emmanuel Macron dans tous les cas de figure si vous n'êtes pas qualifié au second tour?
sans me faire la réponse habituelle, s'il vous plaît, mais de toute façon, je serai qualifié, donc la question ne se pose pas. Parce que je pense qu'il y a un besoin de clarification, c'est simplement ça. Mais Madame Maréchal, cette question, elle ne se pose pas. On peut pas, mais on ne peut pas aller dans une élection en pensant qu'on n'est pas qualifié au second tour. Vous savez, n'est pas possible, ça n'existe pas, c'est pas psychologiquement possible. Les Français qui m'écoutent aujourd'hui, ils se demandent, est-ce qu'elle va être au second tour? Est-ce qu'elle a la volonté? Est-ce qu'elle a l'énergie? Est-ce qu'elle a la carrure? C'est ça qui se pose comme question. C'est pas, qu'est-ce qu'elle va faire si elle perd? Franchement, c'est une vraie question, Marion Maréchal, parce qu'il y a une ambiguïté ou un reproche qui peut vous être fait, pourquoi vous le clarifiez pas, tout simplement? Il y a plein de candidats qui ont répondu à cette question, moi-même j'ai dit, voilà, si Éric Zemmour n'était pas qualifié... Vous comprenez que ça donne le sentiment de, vous voyez ce que je veux dire, de ne pas vouloir, de vous échapper, c'est ça qui est un peu problématique. Alors, je vais vous dire, on m'a posé cette question plusieurs fois dans plusieurs élections, c'est ça que je vous la repose, y compris au régional, quand on me disait que je n'allais pas gagner, etc., aux législatives, etc. À chaque fois, on me pose cette question, jamais je n'ai répondu à une telle question. Donc c'est pas parce que c'est vous qui me la posez, c'est pas parce que c'est aujourd'hui, Non, j'ai pas de problème, je prends juste note que vous ne pouvez pas répondre, d'accord. Non. En revanche... Je comprends pas pourquoi, parce que je vois pas pourquoi vous qui passez beaucoup de temps, et je le conçois, parce que je le partage, à dire que le bilan d'Emmanuel Macron est dramatique, que c'est un mauvais président pour la France, que justement votre candidature se justifie en réponse à Emmanuel Macron, je comprends pas pourquoi vous pouvez pas tout simplement dire « jamais je voterai pour Emmanuel Macron ». Enfin, ça devrait être naturel. Mais c'est parce que je vais le remplacer. Dans tous les cas de figure. C'est parce que je vais le remplacer. Ah d'accord. Et c'est moi qui serai... Mais oui. Valérie Pécresse, ce que dit Marion Maréchal, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose tous. Après, voilà, si les cas de figure, si par exemple, voilà, c'est comme là les sondages le disent pour l'instant, c'est Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Quelle que soit la personne, si vous le combattez, je voterai face à Emmanuel Macron. Ça me paraît. Écoutez, on verra le jour venu qui sera en face d'Emmanuel Macron, et je vous dis que ce sera moi. Et je vous dis que je serai la surprise du deuxième tour. Vous l'avez déjà fait une fois. Pour leur faire une demande. Je vous le dis. Bon, mais peut-être qu'on peut passer à autre chose. Parce que moi, je voudrais vous interpeller. Non, mais c'est intéressant. Parce que je voudrais vous interpeller sur une ligne de fracture, quand même. Oui, il y a une vraie ligne de fracture. Vous voulez l'interpeller sur quoi ? Entre Macron et moi. Entre Macron et moi. C'est pour ça que tout nous oppose. La vision de la France. Pourquoi ne pas clarifier ? La vision de la France. Lui, il voit une France communautarisée. Moi, je vois une nation indivisible. Lui, il dit il y a des cultures en France. Moi, je vois une seule culture française. Il veut déconstruire l'histoire de France. Et moi, non plus. Valérie Pécresse, Marion Maréchal, c'est un soutien d'Éric Zemmour. Donc, parlons d'Éric Zemmour. Moi, j'ai un problème. C'est vrai, je le dis. J'ai un vrai problème avec Marion Maréchal et son mentor Éric Zemmour. Un vrai problème. C'est leur proximité aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Quand vous avez dit, vous avez dit que vous l'admiriez, que vous l'enviez, que c'était un géostratège phénoménal. Je crois même que vous avez dit que vous aviez envie de déjeuner, vous aimeriez déjeuner avec lui. Alors ça tombe bien parce qu'il se trouve que moi j'ai déjeuné 3 fois avec lui quand j'étais ministre, avec Vladimir Poutine. En effet. Et je le connais. Je le connais, j'allais dire politiquement. Et je sais qu'une seule chose, c'est qu'il ne respecte que le rapport de force et il ne veut pas le bien de la France. Il veut une France à genoux, il veut pas une France debout. Et quand il envoie les milices Wagner en Centrafrique ou au Mali pour déstabiliser nos troupes et nos hommes, je peux vous dire que c'est pas un ami de la France qu'on a en face. Et moi, quand on est ami ou fasciné par Vladimir Poutine, on est décrédibilisé pour présider la France. Alors, laissons Marion Maréchal vous répondre. Première réponse à votre question précédente. Je vais répondre, j'attendais juste que vous... Allez-y Marion Maréchal. Non, simplement, moi je pense que c'est un procès un peu facile à faire à rebours, parce qu'en réalité, il n'a jamais été question de complicité ou de soumission, et je pense que tout le monde peut admettre aujourd'hui que le Vladimir Poutine qu'on a en face de nous n'est pas le Vladimir Poutine il y a quelques années. D'ailleurs, vous me parlez de mentor, vous, votre mentor, c'est Jacques Chirac, je ne me trompe pas. C'était il y a 6 mois, Et Jacques Chirac lui a remis la Légion d'honneur. C'était avant la guerre en Ukraine, il me semble. Jacques Chirac lui a remis la Légion d'honneur. La Légion d'honneur. Donc vous voyez bien que les choses ne sont pas si simples. Vous-même, vous aviez reçu en tant que ministre, vous aviez posé. Nicolas Sarkozy lui-même, à de très nombreuses reprises, a dit qu'il ne fallait pas diaboliser la Russie. Il ne fallait pas diaboliser Vladimir Poutine et accepter le dialogue entre, d'un côté, l'Union européenne et la Russie. Moi, je n'ai pas dit autre chose. Donc je trouve que c'est un peu facile aujourd'hui de venir, utiliser cet argument pour expliquer qu'il y aurait les mauvais patriotes français et les bons patriotes français. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Aujourd'hui, Éric Zemmour, d'ailleurs, est très clair dans sa condamnation de la Russie, dans sa volonté de maintenir le dialogue. Et surtout, ce dont j'ai du mal à comprendre dans ce reproche, c'est ce qu'il induit. Ça veut dire que vous, demain, si vous êtes élu président de la République, on est d'accord que vous allez garder
le lien avec Vladimir Poutine. Vous allez continuer à discuter avec lui, vous allez continuer à avoir une, comment dire, une démarche diplomatique à son égard pour pouvoir défendre les intérêts de l'Union européenne et de la France, je ne me trompe pas. Des relations diplomatiques, bien sûr. On est totalement d'accord. Mais comme la France avait des relations diplomatiques avec Staline, et ça n'empêchait pas de le traiter comme un dictateur. Parce que c'est un dictateur, vous êtes bien d'accord que Vladimir Poutine. C'est pas moi qui lui ai remis la Légion d'honneur, c'est votre mentor. Oui, enfin, excusez-moi, à une période où c'était pas le même Vladimir. Ah oui, bah donc vous admettez cela, d'accord. Madame, non mais est-ce que vous admettez que c'est un dictateur aujourd'hui, là? Parce que Éric Zemmour ne l'admet pas, il refuse de dire le mot dictateur. Est-ce que c'est un dictateur? Mais oui, mais moi j'ai pas de problème. Si vous voulez, on peut se battre sur les mots si vous voulez. Non, non, c'est un régime autoritaire dans lequel les libertés sont pas respectées. Donc moi j'ai aucun problème avec ça. C'est un dictateur? Non, mais c'est. Si vous voulez, c'est un dictateur, si ça vous Alors fait c'est un dictateur. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc vous avez changé d'avis sur lui. C'est que non, j'ai pas changé d'avis du tout. J'ai dit que parce que vous me parlez de l'histoire de ce dîner, on peut en parler si vous voulez. Moi, j'avoue qu'avoir l'occasion de savoir ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine, ça m'intéresse. J'ai pas dit que je souhaitais être sa meilleure amie ou aller en boîte de nuit avec lui. C'est pas le sujet, si vous voulez. Non, mais bon, parce que là, c'est pas un très bon danseur. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais si vous voulez, une fois que vous êtes allé sur ce terrain sémantique, parce que vous faites comme les journalistes de gauche, vous adorez vous battre sur les mots. Une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce que vous en concluez ? Ah, venant de l'extrême droite, c'est énorme. Je suis pas d'extrême droite. Qu'est-ce que vous en concluez, madame ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en concluez ? C'est-à-dire que demain, en tant que président de la République, vous n'allez plus discuter avec tel ou tel régime parce que c'est un régime autoritaire ou un régime dictatorial. Le souci, c'est que si vous faites cela, vous comprenez bien que votre agenda va s'alléger. Parce que malheureusement, la plupart des pays du monde, fort malheureusement d'ailleurs, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique ou dans d'autres régions du monde, sont des régimes qui ne respectent pas les démocraties, les principes démocratiques tels qu'on les connaît. Voilà, donc moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'on peut se positionner sur des postures morales, donner des leçons aux autres, expliquer que ce sont des traîtres à leur nation. La réalité, c'est qu'il y a un enjeu de réalisme et de réalité qui nous oblige aujourd'hui à vouloir chercher la paix et garder le dialogue. Voilà, s'il vous plaît, c'est tout. Valérie Pécresse et Marion Maréchal. Je peux quand même répondre. Vous allez répondre là-dessus, mais je vais vous dire un truc. Les téléspectateurs ce soir, ils ont surtout envie de savoir quelle droite est la droite d'Éric Zemmour, quelle droite est la droite de Valérie Pécresse. Oui, mais c'est quand même important. Je vous dis, ce qui est le plus important, c'est ça pour les Oui, mais ce qui est important, c'est quand même de savoir qui défend les intérêts de la France. Ma droite, c'est une droite qui défendra toujours les intérêts de la France. Quand il y a des milices qui arrivent en Centrafrique et qui disent du mal de la France, parce que vous savez que la France n'a jamais été aussi impopulaire en Afrique qu'aujourd'hui. Et ça, c'est une faute. Et c'est d'ailleurs un vrai problème du bilan d'Emmanuel Macron. Parce qu'on n'a pas su mettre en place une vraie politique de co-développement de l'Afrique que moi j'appelle de mes voeux et que je ferai si je suis présidente de la République. Je reprendrai l'aide au développement et on fera vraiment une priorité pour l'Afrique. Parce que le destin du continent africain et le destin du continent européen sont liés et que si on est impopulaire en Afrique, eh bien aujourd'hui ce sera vraiment quelque chose qui sera très dommageable à la France. Donc les milices Wagner que Poutine envoie, mais il y a aucune ambiguïté qu'est-ce qu'il fait là-dessus, qu'est-ce qu'elles font les milices Wagner? Eh bien elles font des campagnes d'information contre la France. Et quand Emmanuel Macron est allé à Moscou, il a laissé Vladimir Poutine faire une conférence de presse et il a laissé dire sans rien dire que les milices Wagner n'étaient pas financées par Moscou. Eh bien, moi, président de la République, je ne laisserai pas dire à Vladimir Poutine qu'il n'abîme pas les intérêts de la France en Afrique. Non, mais c'est pour merci. Ça. Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais la réalité, c'est que vous auriez maintenu le dialogue. C'est pour ça. Marion Maréchal et Valérie Pécresse, s'il vous plaît. C'est un dictateur, mais vous auriez maintenu le dialogue si vous étiez président de la République. Un rapport de force avec une puissance qui essaye d'abîmer aujourd'hui, les intérêts français. Merci à vous deux. Merci à toutes les deux. J'aimerais, s'il vous plaît, Marion Maréchal et Valérie Pécresse. Ça y est, on a abordé un sujet. S'il vous plaît, on n'entend rien. On est d'accord. On comprend rien de ce que vous dites. Excusez-moi. On comprend rien de ce que vous dites. Et je vous le dis, les Français, ils aimeraient bien passer maintenant à quelle est la différence entre les deux droites, c'est la droite d'Éric Zemmour et la droite de Valérie Pécresse. Je sais que vous êtes passionné, mais là, c'est vraiment. Je sais. Non, mais c'est vrai. Mais c'est très bien. Mais c'est vrai que là, on a besoin de savoir, et c'est ça la vraie question aussi qu'on se pose ce soir. Marion Maréchal, pour vous, est-ce que Valérie Pécresse, c'est une droite molle? Bah, c'est une droite que j'ai du mal à identifier, c'est vrai, avec laquelle on a des vraies divergences de points de vue. Je pense que là-dessus, on peut s'accorder avec des marqueurs forts, notamment, qui divergent. Il y a aussi des points de convergence, on ne va pas se les renier totalement non plus. Alors, c'est vrai que j'ai face à moi, vous venez de le dire à l'instant, quelqu'un qui reprend la terminologie de la gauche pour me qualifier d'extrême droite. J'aimerais bien savoir en quoi je suis une femme d'extrême droite, très sincèrement. Mais bon, ça, je pense que c'est une posture habituelle qui vous permettra demain, d'ailleurs, d'appeler à voter Emmanuel Macron au second tour si Éric Zemmour est qualifié. Alors, en quoi vous n'êtes pas une femme d'extrême droite?
Bah, si vous voulez, vous savez ce que c'est que l'extrême droite, je pense quand même. Oui. L'extrême droite, c'est quand même des régimes totalitaires qui se raccrochent à ceux du XXe siècle avec des idéologies très particulières. Et j'ai pas le sentiment, dans ce qu'on défend aujourd'hui, qu'on ait un quelconque lien avec non seulement la méthode de gouvernement qui est défendue, mais les idéologies qui s'y attachent. Donc c'est extrêmement insultant. Et je pense que c'est une posture facile. Et c'est précisément parce que la droite dite républicaine parlementaire tient ce genre de discours, qu'elle a perdu le pouvoir depuis maintenant 10 ans, qu'elle a permis à des gens comme Emmanuel Macron d'être élu, et peut-être, et je ne l'espère pas, réélu, parce qu'elle a jeté l'opprobre, elle a contribué à jeter l'opprobre sur des idées patriotiques, nationales, de souverainisme, en jetant l'opprobre sur ceux qui la défendaient à l'époque. Valérie Pécresse. Moi, Marion Maréchal dit qu'elle n'est pas... J'ai une question toute simple. Et je suis d'extrême droite. J'ai une question toute simple. Je vous répondrai quand vous aurez répondu à ma question toute simple, vous verrez. Est-ce que pour vous, islam et islamisme, c'est la même chose, comme dit Éric Zemmour? Alors, vous savez, Madame Pécresse, parce que si islam et islamiste, c'est la même chose, alors on n'a vraiment pas les mêmes idées. C'est extrêmement intéressant, c'est marrant que vous alliez sur ce débat-là, parce que manifestement, celle qui confond les deux, c'est vous. Parce que c'est vous qui fréquentez des associations radicales proches des frères musulmans, du type l'Union des associations musulmanes du 93, qui allez dans des écoles coraniques où il y a des jeunes filles voilées, qui rencontrez Mohamed Enish, qui était le recteur de la mosquée de Pantin, qui a été engagé, vous le savez, dans l'affaire de Samuel Paty, et qui a d'ailleurs été écarté à ce titre, et on a fermé la mosquée à ce titre-là. Donc manifestement, c'est vous qui faites cette confusion et qui, semble-t-il, faites preuve d'une certaine compromission à leur égard. Vous êtes même allé là-bas, d'ailleurs, rencontrer M. Enish pour dire, si je ne m'abuse, que vous étiez favorable au port du voile à l'université. Voilà. Bon. N'importe quoi. Mais je vous répondrai. Je peux vous répondre. Donc ça, c'est pas Monsieur Enish, c'est pas vous. Non, mais attends, je peux vous répondre. C'est pas vous avec les fillettes voilées, ça. Je peux vous répondre. Ah, vous avez amené des documents. Ah oui, j'ai amené des documents, monsieur. Ah oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Madame Pécresse, la fois dernière, a dit que c'était faux déjà à plusieurs reprises, et donc je voulais pas. Ah non, mais attendez. Si, dire c'est faux. N'avez pas de photo de moi, j'espère. Ah, si, mais c'est un dossier en dessous. C'est pas le même dossier. Alors Valérie Pécresse. C'est pour plus tard. Non, mais d'abord, évidemment, c'est tout ça est une manip. Comme une autre. Madame, c'est pas une manip. Non, je vous explique. Non, mais pardon, là, je vous ai pas interrompu. Mais je vous ai pas interrompu, c'est des faits. Je vous ai pas interrompu. Donc, j'ai été la première femme politique à demander la fermeture de la mosquée de Pantin après l'assassinat tragique de Samuel Paty. La première, en disant la mosquée de Pantin a eu une responsabilité dans les appels à la haine, elle doit être fermée. J'étais la première. Le deuxième, c'était Manuel Valls. Vous regrettez d'avoir rencontré Monsieur Enish alors ? Monsieur Enish, j'ai coupé tous les ponts avec lui. D'accord. En 2015. En 2015, nous sommes en 2022. C'est vous qui confondiez parce les que deux, non, attendez, parce que je me suis rendu compte que cette personne qui était à l'époque l'interlocuteur officiel de toute la classe politique, président de la République, ministre de l'Intérieur, parce qu'il présidait, comme vous l'avez dit, une association qui était l'association des musulmans de Seine-Saint-Denis. Moi, je suis élue de Seine-Saint-Denis. Voilà. Le siège de ma région, il est en Seine-Saint-Denis, dans un département qui est un département compliqué où il y a beaucoup de sujets. Et M. Enish était le président de cette association. Le sujet, c'est pas est-ce que je suis allée le rencontrer. Parce que, comme vous le disiez pour M. Poutine, quand on est président de la République, on parle à tous les Français et on les rencontre tous. Il y a une grande différence, Madame Pécresse. Mais attendez, je grande peux... différence pardon, entre madame, madame, avec... je finis. Ou discuter avec finissez, Valérie Pécresse, finir. Finissez. Allez-y, allez-y, je répondrai après. Je l'ai rencontré à une époque où il était une personne qui était un interlocuteur officiel. Quand je me suis aperçue que cette personne jouait double jeu, et vous savez comment je m'en suis aperçue ? Je m'en suis aperçue parce qu'ils ont monté une cabale contre moi, en essayant de me faire dire le contraire de ce que j'avais dit. Parce que le sujet, ce n'est pas est-ce que je suis allée les rencontrer, c'est qu'est-ce que je leur ai dit le jour où je les ai rencontrés à ces représentants du culte musulman. C'était pour le port de Je leur ai dit non, non. Ah, je si, leur ai dit, dit ça. Même droit, même devoir, la loi est au-dessus de la foi. Et ce qu'on a demandé à nos compatriotes chrétiens et juifs dans le passé, on doit pouvoir le demander dans les mêmes termes à nos compatriotes musulmans, c'est-à-dire d'inscrire leur culte dans les lois de la République. Il y avait beaucoup de journalistes ce jour-là et ils ont eu l'honnêteté d'écrire exactement la vérité, c'est-à-dire ce que j'avais dit ce jour-là. Donc, c'est ça, Madame Le Pen. Mais si vous voulez, je vous enverrai l'article parce que moi, je ne suis pas venue avec les articles de journaux. Non, non, mais donc, je vous enverrai l'article je sais que vous qui explique exactement mais ce que j'ai dit ce jour-là je pense quand je suis allée. Et c'était
une rupture de jeûne, c'était à la salle Notre-Dame du Blanc-Ménil. Voilà. D'accord. Alors, Marion, je pense qu'il y a quand même une grande différence, excusez-moi, parce que vous faites une comparaison avec la Russie et l'association officielle donc, de l'UM du 93, mais entre d'un côté être chef d'État et être contraint par la force des choses de pouvoir dialoguer avec des régimes, y compris qui nous déplaisent pour défendre les intérêts de l'Europe et de la France, et se rendre volontairement à la rupture du jeûne d'une association dont on savait déjà à l'époque qu'elle était proche des frères musulmans. Mais non. Et voilà, et en faire le choix et aller faire des déclarations de l'ordre de celles que vous avez faites à l'époque, les présidents de la République et les ministres de l'Intérieur, tout le monde venait dans cette association. C'est pas une excuse, mais madame. Le sujet. Vous savez qu'il y avait des compromissions avec l'islamisme, non, mais malheureusement. Je n'ai tellement eu peu de compromissions avec l'islamisme que j'ai été à l'origine, avec Jean-François Copé, de la loi sur l'interdiction de la burqa dans l'espace public. J'ai ensuite, quand j'ai été élu présidente de région, fait voter une charte de la laïcité pour que jamais dans ma région, il y ait un euro de subvention qui aille à une association avec des ennemis de la République. Et je vous rappelle d'ailleurs que le Front National, à l'époque, vous en faisiez partie, a refusé de voter cette charte de la laïcité. Valérie Pécresse, je voudrais revenir sur un point, on a éludé. Pour vous, Marion Maréchal est d'extrême droite ? Moi, ce que je comprends que Madame Maréchal, elle veut que l'extrême droite et la droite fusionnent. Voilà. Eh bien, moi, je lui dis non. Pour moi, il y a un cordon sanitaire. C'est mon histoire. C'est quoi la ligne à ne pas franchir ? Le général de Gaulle l'a tracé. Ensuite, Jacques Chirac. On a un cordon sanitaire entre la droite et l'extrême droite. On n'a pas la même nature. Mais elle ne m'a pas répondu sur ce qu'a dit Éric Zemmour. Est-ce que islamisme et islam, c'est la même chose ? Moi, je lutte contre le totalitarisme islamiste et je lutte pied à pied. J'ai mis en place, là encore, toujours dans ma région, et je le ferai pour la France, des lanceurs d'alerte dans les clubs sportifs pour repérer les signes de radicalisation. Et je vais présenter une loi constitutionnelle aux Français pour permettre de lutter encore plus contre l'islamisme, donc, et notamment aller consulter des sites djihadistes, par exemple. Ce sera un délit. Les terroristes islamistes qui sortent de prison, ils auront des peines de sûreté, de rétention à leur sortie de prison pour plus être un danger pour autrui. Et puis, je vais permettre dans cette loi aussi que la radicalisation puisse être une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la fonction publique et dans les entreprises, parce qu'elles en ont besoin. Je lutte pied à pied. Il y a une question de Marion Maréchal. Oui, concrètement, Madame Le Pen, quelle est votre question ? C'est ça ce que je fais. Non, alors, j'ai une question, parce que vous dites Marion Maréchal, vous refusez de... Elle vous a appelé Madame Le Pen. Hein. Oui, bon, Madame Maréchal. Moi, j'ai pas de problème, hein, dans tous les cas, les deux me vont, mais je m'appelle Madame Maréchal sur mon nom civil. Une chose, parce que vous expliquez, donc je suis pour allier la droite et l'extrême droite, mais j'aimerais savoir du coup qu'est-ce que vous pensez du fait que votre propre bras droit, Éric Ciotti, ou le chef de la délégation LR au Parlement européen, en l'occurrence François-Xavier Bellamy, ou d'autres sénateurs de type Étienne Blanc, ont expliqué que s'il y avait un deuxième tour Emmanuel Macron, Éric Zemmour, ils voteraient pour Éric Zemmour sans hésitation. Donc je ne comprends pas, est-ce que ces gens sont d'extrême droite ? Est-ce qu'ils sont dans la compromission avec l'extrême droite ? Est-ce que vous pourriez me répondre là-dessus ? Moi je ne veux pas, vous êtes pour moi... Vous êtes la division de l'extrême droite. Voilà, il y a l'extrême droite, c'est Marine Le Pen, et il y a vous qui avez divisé votre propre famille, qui avez quitté votre tante. Et donc, je comprends pas. Zemmour, c'est l'extrême droite, mais Zemmour veut la fusion. Il veut que la droite et l'extrême droite. Donc, il est complice. Éric Zemmour, il est au milieu de Marine Le Pen et de vous. Il est complice de l'extrême droite parce qu'il va finir par s'allier, il va finir par voter Marine Le Pen. Mais donc Éric Ciotti, il va voter Marine Le Pen. Éric Ciotti a tort alors. Éric Zemmour va voter Marine Le Pen. Éric Ciotti a tort. Moi, j'ai des alliés qui pensent pas forcément tous comme moi. Voilà. D'accord. Mais le sujet n'est pas le sujet. Ils sont pas d'extrême droite. Ils sont de droite. Ils sont avec moi. Et d'ailleurs, c'est avec moi qu'ils travaillent. Donc, conclusion, nous ne sommes pas d'extrême droite. On a avancé là-dessus, au moins. J'ai dit que vous étiez complice de l'extrême droite parce que ce que vous allez faire, c'est vous alliez avec Marine Le Pen si jamais elle est au deuxième tour. Éric Ciotti vote pour des gens complices de l'extrême droite, potentiellement. Je ne sais pas, c'est lui qui. Donc, vous, Marion Maréchal, vous étiez donc à l'extrême droite. Et donc, j'ai jamais été à l'extrême droite. Non, mais quand vous étiez. Je ne considère pas que même le Rassemblement National soit aujourd'hui d'extrême droite. D'accord, parce que là, c'est ce que vous venez de dire toutes les deux. Vous avez dit, il y a l'extrême droite. Ah non, je ne dis pas du tout ça. C'est le Rassemblement National. Et au milieu, il y a Éric Zemmour, et après, il y a Valérie Pécresse. Je ne dis pas du tout ça. Je dis, est-ce que Éric Ciotti, qui appelle à voter Éric Zemmour au second tour face à Emmanuel Macron, est d'extrême droite ? Donc, Marion Maréchal, il n'y a pas d'extrême droite en France. Ah bah en tout cas, elle n'est pas au Rassemblement National et elle n'est pas chez Éric Zemmour, ça c'est absolument certain. Elle est où ? Excusez-moi, bah il y a sûrement... Ah bah attendez, non mais c'est n'importe quoi, on entend...
Mais alors, moi, je vais vous dire, le sujet madame, aujourd'hui. Vous êtes en train de dire que les millions d'électeurs du Rassemblement national et d'Éric Zemmour sont potentiellement donc des gens d'extrême droite. C'est ça que vous êtes en train moi, de dire. Moi, je parle pas aux électeurs. Ah oui, donc les gens qui votent la même chose. Les électeurs français, ils sont en colère. Mais leurs représentants, ils sont en colère et ils peuvent avoir envie de voter pour l'extrême droite. Mais c'est l'extrême droite. Voilà. Et c'est l'extrême droite. Assumez-le. Vous insultez. Assumez qui vous êtes. Mais pourquoi je suis. C'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Excusez-moi. Pour vous, d'être ce que vous êtes. D'être d'extrême droite, oui. Excusez-moi, c'est une insulte. Alors, je sais pas pourquoi. Maintenant, parce que quand on vous appelle Le Pen, c'est une insulte. Mais quel rapport avec l'extrême droite Quel rapport entre. Excusez-moi, mais. Entre Marine Le Pen et l'extrême droite. Entre Jean-Marie Le Pen et l'extrême droite. Qui sont quand même étonnantes. Ah, vous n'êtes pas d'extrême droite. Madame, non, je ne suis pas d'extrême droite. Mais on peut y en parler 25 minutes si vous voulez. C'est que et est-ce que islamisme et islam, c'est la même chose? Je vais vous répondre. En disant cela, vous insultez des millions d'électeurs. Voilà, je vous le dis. Et je pense que si aujourd'hui, la droite que vous représentez est aussi disqualifiée au-delà du bilan qui a été le sien pendant 40 ans, c'est aussi parce que précisément, vous reprenez ces postures morales de la gauche et vous êtes dans l'insulte permanente. Excusez-moi, si. Parce que vous pouvez pas prendre les gens pour des idiots en disant, excusez-moi, je finis là-dessus, en disant, ah mais les électeurs, en fait, ils sont pas contents. Ils sont très très en colère, donc ils votent pour des gens totalement infréquentables, mais en fait eux ils sont totalement fréquentables, c'est juste qu'ils sont un peu idiots et qu'ils comprennent pas trop ce que disent leurs représentants. Pardon, mais c'est extrêmement insultant pour eux. Mais c'est pas du tout ce que je leur dis. Ce que je leur dis, c'est que les vraies solutions pour la France, c'est nous qui les avons. Parce que vous allez diviser les Français, vous allez dire préférence nationale, ça marchera pas, vous allez dire, vous nous dites immigration zéro, immigration... Allez-y. C'est ça. J'aimerais qu'on parle de l'immigration zéro. Immigration zéro, et ça marchera pas. Donc vous allez diviser les Français, vous allez prendre des solutions qui vont amener à l'impuissance. Moi, mes solutions sont les bonnes. Mes solutions, c'est celles qui vont permettre de limiter l'immigration incontrôlée avec des quotas migratoires, avec un donnant-donnant avec les pays d'origine, où je dis aux pays d'origine, vous reprenez vos clandestins, et si vous les reprenez pas, c'est zéro visa de regroupement familial, zéro visa étudiant, zéro visa de travail. C'est ça la solution qui marche. Aujourd'hui, le sujet, c'est pas de diviser les Français artificiellement, de semer la discorde. Réguler l'immigration, c'est au contraire reprendre le contrôle des frontières. Et c'est la droite, en tout cas que je représente, mes solutions qui sont les bonnes. Marion Maréchal. Je le dis à tous ceux qui sont tentés de voter pour vous parce qu'ils attendent ces solutions concrètes pour lutter contre l'immigration incontrôlée. Marion Maréchal, ou pour remettre de l'ordre dans la rue, pour remettre de la sécurité avec les peines planchers que je propose. Alors, juste, c'est intéressant que vous rebondissiez sur ce terme d'immigration zéro parce que, vous le savez, le terme d'immigration zéro, c'était un terme qui était utilisé au moment des états généraux de l'immigration en 90, au moment de la convention RPR-UDF. Et à l'époque, il y avait Alain Juppé qui tenait un rôle non négligeable, Alain Juppé que vous aviez vous-même soutenu d'ailleurs à la primaire de la droite, et il était assumé par cette droite d'aller vers l'immigration zéro. Alors depuis, évidemment, on sait ce qu'il est advenu, il y a eu une succession de renoncements et de non-application de ses promesses, mais ce qui me surprend, c'est que vous soyez gêné par ce terme. Pourquoi ? Parce que l'idée de l'immigration zéro, elle est très simple en fait. C'est tout simplement de réduire l'immigration partout où elle peut être réduite, et de faire en sorte qu'il y ait, à l'issue du quinquennat, plus de départ que d'entrée. De départ, pourquoi? Et je vois pas en quoi cela vous choque, puisque vous dites, je sais pas en quoi c'est diviser les Français, que de vouloir leur dire aujourd'hui que tous les fichiers S pour radicalisation étrangers n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Ça, que c'est, je l'ai déjà dit. Que d'où les délinquants... Oui, bah alors dans ce cas-là, en quoi c'est diviser les Français? Que tous les délinquants et criminels condamnés étrangers n'ont pas vocation à rester sur le territoire, que les 25% de détenus étrangers dans nos prisons n'ont pas vocation à rester sur le territoire, et que même, je vais aller plus loin que vous, et on va peut-être parler de la priorité nationale, c'est intéressant, c'est un vrai sujet de clivage, et je pense qu'on l'assume toutes les deux. Sur le fait que les personnes de la même manière qui ont des titres de séjour qui arrivent à expiration ou qui n'ont plus d'emploi de manière durable sur le territoire n'ont pas non plus vocation à rester sur le territoire. Je vois pas en quoi tout cela revient à diviser les Français. C'est simplement un contrôle et une régulation drastique de l'immigration, et c'est ce que disait votre propre mouvement dans les années 90. Alors, et c'est ce que disait Alain Juppé dans les années 90. D'abord, moi je reprends tout ce que disait mon mouvement gaulliste, le RPR, dont vous ne pouvez pas vraiment vous prétendre l'héritière, parce que quand on réhabilite l'État, on ne peut pas... Je n'étais pas gaulliste, vous n'êtes pas leur héritière, moi je suis leur héritière. Je reprends exactement ce que disait Charles Pasqua à l'époque, c'est-à-dire plus de droits
du sol automatique, mais on demande la nationalité française à 18 ans et on fait la preuve de son assimilation parce que la nationalité française, c'est précieux et ça se demande. Mais la vraie différence entre vous et moi, c'est que moi, je pense que la France, elle se choisit, elle se mérite, elle s'aime, mais je veux pas l'immigration zéro, je veux l'immigration contrôlée. Je dis pas aux étudiants étrangers, vous viendrez plus en France. Je dis pas qu'il y aura plus d'immigration de travail. Boris Johnson, il a essayé, hein. Il a essayé en Angleterre, il a tenu 3 mois, il n'y avait plus personne pour conduire les camions. Donc le sujet aujourd'hui, c'est des quotas par métier, par pays. Et je revendique de dire que tous les pays ne posent pas les mêmes problèmes. Et qu'on a aujourd'hui des pays avec lesquels on a des très très bonnes relations, il n'y a aucun problème migratoire avec. Et il y a des pays avec lesquels on a des problèmes. Le Mali, par exemple. Le Mali, nos soldats, 58 soldats morts qui ont payé le prix du sang au Mali. 58 soldats et... les Maliens refusent de reprendre leur clandestin. Ben, on dira zéro visa pour le Mali. Voilà, parce qu'on ne peut pas à la fois payer le prix du sang, aider au développement du Mali, avoir le Mali qui reprend zéro clandestin et leur donner des visas. Mais ce n'est pas la même chose, le Mali et d'autres pays qui ne posent aucun problème, qui, eux, jouent complètement le jeu. Donc, moi, je ne crois pas à l'immigration zéro comme vous. Et j'ai entendu Éric Zemmour. Alors, vous avancez un peu masqué, Madame Maréchal, si je peux me permettre. Je ne sais pas s'il faut vous appeler Le Pen ou Maréchal, mais Madame Maréchal, elle avance masquée. Alors, ce soir, c'est Marion Maréchal. Hein. Maréchal. Un peu d'extrême droite, et de temps en temps, pas vraiment. Alors, Marion Maréchal, on a... Je ne veux pas répondre à ça parce que je trouve ça tellement juste, absurde. On avait convenu ensemble, hein, vous restiez 25 minutes. Non, mais moi... Est-ce que vous avez une dernière question à poser parce que je ne veux pas vous mettre... J'aimerais bien répondre là-dessus parce que je allez-y, répondez. Il y a des longs déroulements, mais il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous avez dit. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Mais je vois à chaque fois la posture qui consiste à se cacher derrière l'immigration de travail. Mais vous savez malheureusement qu'aujourd'hui, d'ailleurs, l'immigration de travail représente une part relativement faible de l'immigration qui arrive légalement en France. Puisque sur, de mémoire, les 3,3 millions de stocks de titres de séjour qu'il y a aujourd'hui sur le territoire, c'est à peu près autour de 7% qui relèvent véritablement de l'immigration de travail. Donc si vous voulez, moi je veux bien que vous vous arc-boutiez sur la question de l'immigration de travail pour dire que réguler l'immigration de ce point de vue-là c'est ridicule, mais en fait le vrai sujet il n'est pas là, pardon, et vous le savez je pense très bien, il suffit pour cela de lire le livre de votre directeur de campagne Patrick Stefanini qui explique ça très bien et qui voit que la première problématique aujourd'hui c'est aussi le dévoiement de filières d'immigration, notamment le droit d'asile, mais aussi d'ailleurs malheureusement les filières étudiantes, et je pense que là-dessus il y a un vrai clivage, c'est vrai, et il y a un vrai clivage, et c'est intéressant, je pense que là-dessus on peut y aller. Alors vous allez dire que je suis d'extrême droite, que je joue entre Le Pen et Maréchal, je sais pas, c'est un peu la facilité de l'argumentation ce soir, mais sur la priorité nationale. Aujourd'hui, c'est vrai que Éric Zemmour défend le fait que les contributions sociales, les aides sociales, pardon, non contributives, je vais y arriver, soient réservées aux personnes de nationalité française. Donc ça comprend les allocations familiales, les allocations logement, le RSA. Dans votre programme, que j'ai lu attentivement, vous dites « je conditionne les allocations familiales, vous m'arrêtez si je me trompe, et les allocations d'aide au logement au fait qu'il y ait une condition de résidence de 5 ans ». Et c'est vrai régulière. Que... Régulière. Régulière, évidemment, pas clandestine. Évidemment, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que, selon vous, il est suffisant que des personnes aient simplement résidé sur le territoire sans jamais avoir nécessairement travaillé, sans jamais avoir nécessairement contribué, que par ailleurs, vous excluez donc du coup le RSA, ça veut dire que demain, un étranger qui arrive sur le territoire, qui ne travaille mais pas... Mais c'est déjà le cas pour le RSA, c'est 5 ans. Non, mais d'accord. 5 ans de résidence régulière. Oui, mais justement, ce que je vous dis, est-ce que pour vous, ça vous suffit? C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, est-ce que la condition de résidence est une condition suffisante quand on voit les difficultés aujourd'hui sociales de nos compatriotes, quand on voit le coût de l'immigration à l'année, est-ce qu'il ne vous semble pas judicieux de réserver la solidarité nationale aux personnes de nationalité française? Moi, je crois que quand on vient en France et qu'on s'intègre, moi, je ne veux pas qu'on vienne en France pour toucher des allocations familiales ou des allocations sociales. Je veux qu'on vienne pour travailler, je veux qu'on vienne pour s'intégrer. Mais là, vous n'avez pas répondu sur les étudiants. Moi, je suis pour la sélection à l'entrée à l'université. Donc, je veux aussi que les étudiants qu'on accueille soient des étudiants qui puissent être très sélectionnés. Mais on ne va pas fermer nos universités aux étudiants étrangers. Mais ça, on est sur le regroupement familial. Moi, je souhaite qu'il ne soit plus automatique et je souhaite qu'il y ait des conditions de français. Je souhaite qu'on passe un examen de français parce qu'on ne peut pas s'intégrer et on ne peut pas élever ses enfants correctement et on ne peut pas travailler si on ne parle pas le français et qu'on donne des garanties d'assimilation. Donc, vous voyez, je suis très ferme. Mais je suis d'accord, simplement, parce que la condition de résidence suffit. C'est ça que je vous pose comme question. Je trouve que quand on a, pendant 5 ans, respecté les lois françaises, on a le droit d'avoir les mêmes droits que les respecter les lois françaises non, mais et contribuer
à la France. Je pense que c'est important. Mais juste vous remarquerez, Cyril Hanouna, que Marion Maréchal Le Pen ne m'a pas répondu sur est-ce qu'elle est d'accord avec Éric Zemmour sur est-ce que l'islam et l'islamisme c'est la même chose. Si islam et islamisme c'est la même chose, je vois que ça veut donc dire qu'Éric Zemmour doit fermer toutes les mosquées. Éric Zemmour doit fermer toutes les mosquées. Et je réponds sur l'islam et l'islamisme. Ah, bah, écoutez. Faisons un deal alors. D'accord. Non, parce que moi je serai au second tour. Bah non, mais oui. Mais elle ne l'assume pas. Elle n'assume pas. Alors, non, mais Valérie Pécresse. Soyons dans la fiction. C'est pas du tout alors. La même chose. Moi, je ne confonds pas les musulmans avec les islamistes. Jamais je ne les confondrai. Et c'est ce qui fait la différence entre l'extrême droite et la droite. Mais madame. S'il vous plaît. On peut repartir à quart d'heure si vous voulez. Moi, je me demande. Ah, Maréchal, après vous allez pouvoir y aller. Donc, je conclue là-dessus. Ouais, allez-y. Non, mais non, allez-y, concluez. Bah, je conclue là-dessus. Non, écoutez, moi, je vais vous dire, je suis très à l'aise là-dessus. En effet, l'islamisme est une lecture fondamentaliste de l'islam, vous le savez. Je pense que personne ici n'imagine que les djihadistes sont des bouddhistes radicalisés. Hein. Ce sont malgré tout des musulmans radicalisés. Donc, il est évident qu'il y a aujourd'hui un lien, dire que ça se confond totalement. De fait, il y a évidemment une différence, puisqu'il y a une lecture fondamentaliste. Dire que ça n'a rien à voir, ça me semble aussi... Un petit peu délicat et compliqué. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie différence aujourd'hui entre nous. Alors, vous allez dire, c'est la différence entre la droite et l'extrême droite, puisque c'est votre argument ce soir. Mais au-delà de la question de l'islamisme... C'est au moins la différence entre moi et Éric Zemmour. C'est la différence sur la question de l'islamisme, sur la lutte contre l'islamisme. Bon, je pense que de toute façon, ça fait l'unanimité globalement dans la vie politique française. Mais ce qui est vrai, c'est que ce que je crois... Et sur la question de l'immigration notamment, et c'est vrai que je n'entends pas cette dimension civilisationnelle dans votre discours, c'est que demain, si l'islam est majoritaire en France, c'est-à-dire que si nous avons une majorité de compatriotes ou de personnes qui sont de nationalité, de confession musulmane sur le territoire français... C'est un lapsus révélateur. Oui, si vous voulez. De confession musulmane sur le territoire français... Permettez-moi de me dire que le visage de la France va complètement changer. Ça me paraît évident. Et c'est pour ça qu'il faut des vraies bonnes réponses avec des quotas migratoires et beaucoup de fermeté. Mais donc la question, c'est est-ce que vous, ça vous pose un problème que demain l'islam potentiellement soit majoritaire en France ? Ou est-ce que pour vous, c'est pas un sujet ? De toute façon, les peuples sont interchangeables, c'est une question de religion, c'est du privé. Mais Madame Le Pen... Est-ce que c'est un débat d'extrême droite, ça ? Mais Madame Le Pen, vraiment, vous avez l'art de ne pas répondre à la vraie question. Si, moi, je vais répondre. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est qu'on ait une vraie politique de régulation des flux migratoires et qu'on ait une vraie politique de co-développement de l'Afrique. Si, parce que ça permet aujourd'hui... C'est pas ma question. Ah non, excusez-moi, ma question... C'est très important. Ma question, c'est que vous, est-ce que demain, si l'islam est majoritaire en France, vous considérez que c'est un sujet ou ça n'est pas un sujet, que ça ne changera strictement rien, que finalement, ce n'est pas un enjeu civilisationnel ? C'est votre théorie complotiste de la peur et de la haine qui vous permet d'exister et qui vous permet aujourd'hui d'essayer de fédérer. Vous ne voulez pas répondre à la question. Bon, bah, les choses sont claires. Mais à un moment donné, quand les gens ne répondent pas, c'est qu'ils ne sont pas à l'aise et qu'ils n'ont pas envie d'aller. C'est parce que les théories complotistes qui n'existent pas, elles sont là que pour faire peur et que pour susciter la haine. 66% des gens sont complotistes en France. 66% des Français considèrent que le grand remplacement est une réalité. Il y a aujourd'hui une vraie réalité. Il y a une vraie réalité de l'immigration aujourd'hui incontrôlée. Donc, et c'est pour ça que je lutte contre. Et c'est pour ça que Patrick Stefanini, que vous citez, est aujourd'hui directeur de ma campagne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est en train de mettre en place. On est en train de mettre Merci, en place Valérie Pécresse. Une vraie politique pour lutter contre toutes vos théories. Vous ne se réaliseront pas. Vos théories ne se réaliseront pas. Merci Marion Maréchal. Merci à vous d'avoir Merci été avec nous, Marion Maréchal. Merci. On va se retrouver dans un instant pour la suite de Face à Baba. Fabien Roussel sera avec nous, candidat à l'élection présidentielle du Parti communiste. Les riches en France, on va en parler avec Fabien Roussel, qui est, on va le dire, c'est un petit peu le beau gosse de cette élection en plus. Hein. Alors, c'est vrai. Pas riche, mais beau. Et alors, je vais vous dire, je préfère être beau que riche. Hein. C'est vrai. Ah, voilà. Merci en tout cas d'être là. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il est incroyable. Installez-vous. Puis, vais. Allez, c'est parti. On y va. Allons, on se retrouve dans un instant avec Fabien Roussel. À tout de suite.
Merci d'être avec nous. Il est 22h32, on est en direct. C'est la suite de Face à Baba. Nous sommes avec Valérie Pécresse, qui est notre quatrième invitée de Face à Baba. Et là, elle fait face à un candidat à l'élection présidentielle, Fabien Roussel, candidat du Parti communiste. Merci Fabien d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Ah bon, on est très heureux de vous voir. Ça fait longtemps que je vous invite en plus dans mes émissions. Et à chaque fois, c'est compliqué, des problèmes d'agenda. Mais là, ce soir, vous avez pu être là. Donc voilà. Merci. J'avais pris l'engagement. Engagement tenu. Je suis très heureux d'être là. Ben, merci d'être là. J'espère qu'il y en aura une prochaine. Alors, on va parler des riches en France avec Valérie Pécresse. Ce que Valérie Pécresse dit, je veux donner sa dignité à chacun et j'assume le travailler plus pour gagner plus. Ou Fabien Roussel, vous dites, les jours heureux aujourd'hui, ce n'est que pour les riches. On va en débattre parce que c'est vrai que c'est un sujet important. Fabien Roussel, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Valérie Pécresse ce soir à ce sujet ? Bon, d'abord, travailler plus pour gagner plus, on la connaît cette phrase-là. Et j'en parlais justement avec des gens dans le public. Vous savez, quand on a travaillé par exemple dans le bâtiment toute sa vie, quand on a posé du carrelage et qu'on a passé une partie de sa vie à genoux, quand on a des métiers pénibles, quand on travaille à l'usine, qu'on passe 6-7 heures debout, on a deux pauses de 20 minutes, qu'on fait 10-13 kilomètres par jour, il y a plein de métiers comme ça, hein, qu'on soit soignant, qu'on soit gardien de prison, qu'on soit ouvrier, je peux vous dire, vous pouvez leur dire, travaillez plus, on est mort, et dans sa tête et dans son corps. Ensuite, dans les 5 ans qui viennent de se passer, je vais prendre que ces 5 ans-là, on a vu que les plus riches avaient vu leur patrimoine doubler. Voilà. Les plus riches, aujourd'hui, sont plus riches, mais ils ont vu leur patrimoine doubler. Les 500 plus grandes fortunes de France, ceux qui payaient l'ISF, les 10% les plus riches détiennent la moitié du patrimoine des Français. Alors, je pose la question à ceux qui nous regardent, à vous là. Est-ce que vous, en 5 ans, vous avez vu votre patrimoine doubler ? Est-ce que vous avez vu votre salaire doubler ? Est-ce que les retraités, ils ont vu leur salaire doubler ? C'est pas ce que j'entends. Hein. Non. Moi, j'entends plutôt que non seulement on gagne pas plus, mais notre pouvoir d'achat, il a baissé. Parce que non seulement les salaires, ils ont pas augmenté, les retraites, elles ont pas augmenté, voire même elles ont baissé. Pour ceux qui ont vu la CSG augmenter. Il y a même ceux qui ont vu leur cotise Agirc Arco, ils se reconnaîtront, puisqu'il y a eu un taux d'appel plus élevé, ils ont perdu même de la retraite. Et puis, ils ont vu leur facture augmenter. Alors ça y est allé. Et ce ne serait pas juste de tout mettre sur le dos de la guerre, d'ailleurs. Parce que ça a commencé à enfler avant la guerre. Hein. Gaz, électricité, essence, les mutuelles, les loyers, les assurances, vous pouvez y aller. Hein. Et donc, le pouvoir d'achat, il a largement baissé. Alors, voilà. Comment on peut expliquer que pendant ces 5 ans, y compris avec une pandémie, comment se fait-il qu'une infime minorité de notre pays vive mieux aujourd'hui ? Ils sabrent même le champagne en ce moment parce qu'au CAC 40, c'est la teuf. Et de l'autre côté, la grande majorité de la population, c'est la ceinture. Et moi, j'entends ça quand je m'en vais voir les salariés dans les entreprises, dans le public comme dans le privé d'ailleurs. Ils sont en colère. Il y a un ouvrier de chez moi, il a dit « il y en a marre, c'est fini ». Il faut que les cigares, ils changent de bouche, comme il m'a dit. Il faut que les riches, ils payent et qu'ils payent leurs impôts comme tout le monde. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a des grandes entreprises, des multinationales qui payent leurs impôts sur les bénéfices, sur les dividendes. Ils font tout ce qu'il faut pour ne pas le payer. Et ils payent entre 4 à 8% d'impôts. Alors qu'une PME, elle paye 15%. Alors que normalement, ces multinationales devraient payer 30%. Enfin, maintenant, ça a été ramené à 27% parmi les cadeaux qui ont été faits aux multinationales. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et enfin, ils ont eu la suppression de l'ISF. Et donc, ce que je demande, moi, c'est que quand on est dans une période aussi difficile que celle que nous vivons, je demande tout simplement qu'il y ait de la solidarité, qu'il y ait du partage des richesses. Enfin, ces richesses dont je parle, celles produites par notre travail, celles produites par ceux qui sont et dans les usines, mais pas que, et puis le travail de ceux qui sont dans des services publics, mais qui sont quand même vachement utiles. Hein, les enseignants, les soignants, on les a vus, ceux qui travaillent dans les administrations, ceux qui sont dans les communes, dans les villages, qui sont allés porter les plats aux anciens pendant les confinements, enfin quand même, heureusement qu'ils étaient là, tout cela. Eh bien, moi, ce que je demande, c'est que toutes ces richesses que nous produisons, on puisse les mettre au service de tous, au service du pays, des salaires, au service des retraites pour pouvoir les augmenter, au service de la dignité et même au service du travail. Je veux une France de la bonne paye, une France des salaires. Et donc je suis pour le rétablissement de l'ISF.
l'impôt de solidarité sur la fortune. Je suis pour non seulement le rétablir, mais le tripler. Parce qu'il y a du gras quand même. Il y a de quoi faire. On peut. Ça ne leur fera pas de mal, franchement. Ils vivront pas moins bien. Je suis pour mettre en place le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales. Ça, c'est la mesure fiscale, radicale, pour lutter contre l'évasion fiscale. C'est un véritable fléau. La fraude fiscale, l'optimisation fiscale... L'optimisation surtout, c'est surtout ça. La différence entre la fraude fiscale et l'optimisation fiscale, c'est l'épaisseur d'un mur de prison. Parce qu'il y en a une qui est interdite et l'autre qui est autorisée. Exactement. Mais ça fait autant de mal au pays. C'est sûr. Mais... Il manque au budget de l'État tous les ans 80 à 100 milliards d'euros à cause de la fraude et de l'optimisation fiscale. Terminé, c'est honteux, c'est dégueulasse, c'est un coup de poignard dans le dos du pacte républicain. C'est de l'argent qui manque pour construire des écoles, des hôpitaux, pour augmenter les salaires, pour réindustrialiser la France, pour relever le défi climatique, pour permettre aux retraités d'avoir une bonne retraite, même pour pouvoir leur permettre de partir plus tôt quand ils sont cassés par le boulot. Voilà. Et donc, je souhaite, moi, qu'on mette nos richesses au service du travail, au service de la dignité humaine, au service de nos services publics, nos hôpitaux, nos écoles, la sécurité, j'en ai beaucoup parlé dans la campagne, parce que c'est important. Voilà, qu'on y mette les moyens, c'est notre argent, quand même. Alors oui, je veux m'attaquer à la fraude fiscale, à l'optimisation fiscale. Je veux même le mettre dans la campagne, dès que je peux, dès que je parle dans les médias, je le dis, la fraude fiscale, c'est un fléau, il faut s'y attaquer fermement. Et c'est comme ça que je propose le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales. Enfin, quand même, on nous le fait à nous. Nous, on nous prélève à la source nos impôts. Pourquoi on ne le fait pas pour ces multinationales? Pourquoi ne prélèverait-on pas leurs bénéfices avant que ceux-ci partent dans les paradis fiscaux? Au Luxembourg, en Irlande, aux Bahamas, aux îles Caïmans. Enfin, ça va, quoi. Fabien Roussel, moi je trouve ça... Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait une délocalisation après de toutes les entreprises? Parce que vous parlez d'optimisation. Vous savez ce qui va se passer. Ouais. C'est qu'ils vont plus pouvoir optimiser, mais donc ils vont partir ailleurs. Monsieur Hanouna, je vais vous dire, les délocalisations de ces multinationales, elles existent déjà, là. Oui. Et ils ont déjà mis leurs sièges sociaux dans les paradis fiscaux. Bien sûr, donc, bien sûr. C'est déjà le cas. Oui. Vous avez entendu parler de ce scandale des cabinets conseils que le gouvernement Macron a utilisé pour remplacer l'administration. 2,5 milliards d'euros de factures pour des cabinets privés, hein, c'est pas des cabinets de toilettes, hein, ça serait des cabinets en or, mais c'est des cabinets conseils, avec des messieurs bien habillés, qui vous donnent des conseils pour vous dire comment on peut aller gratter des sous sur les APL, comment on peut aller gratter des sous sur les hôpitaux, sur les écoles. 2,5 milliards d'euros, ce gouvernement, il aura donné à ces cabinets conseils, dont le cabinet McKinsey. Vous en avez entendu parler. Ouais, bien sûr, j'en ai entendu parler. On en a parlé tout à l'heure. Notre collègue sénatrice Éliane Assassi, sénatrice communiste, avec le groupe communiste au Sénat, qui a mené cette commission d'enquête et qui a révélé ce scandale. Comme quoi, d'avoir des parlementaires communistes, ça sert, c'est le vote utile. Sénat sert aussi, parce que c'est un rapport du Sénat et c'est tous les sénateurs qui s'y sont mis. Tout à fait. Mais là-dessus, personne ne peut approuver ce qui a été fait. Le cabinet McKinsey, qui sont les grands amis du candidat Macron, puisque Macron les avait utilisés pour préparer sa campagne. Donc il aura bien servi la soupe derrière. 2,5 milliards en tout, dont le cabinet McKinsey. Vous savez où est son siège au cabinet McKinsey? Au Delaware, aux États-Unis. Je prononce mal, je suis du Nord. Delaware, ouais, non, monsieur. Delaware. Ça marche. C'est comme les Tupperware. Vous inquiétez pas. Delaware. C'est comme Tupperware, mais avec le dollar. Exactement. Delaware. Eh bien, le Delaware est un État des États-Unis. Écoutez bien celle-là. C'est énorme. Le Delaware est un État des États-Unis où il y a 900 000 habitants, mais il y a 1 100 000 entreprises domiciliées. Vous y croyez à ça? Ça existe. Là-bas, il y a plus d'entreprises que d'habitants. Ouais. Mais on a la même chose au Luxembourg, c'est des boîtes aux lettres. Bien sûr. C'est des voleurs. Ouais. C'est des boîtes aux lettres. En fait, ils créent des entreprises offshore dans lesquelles l'argent, notre argent quand même, c'est l'argent de notre travail, les bénéfices de ce cabinet conseil et des boîtes, va dans des sociétés, ces sociétés offshore, qui sont créées dans des États ou des pays, et il y en a en Europe, le Luxembourg, bien connu. Et ils ne payent pas d'impôts. Ou ils payent un impôt marginal par rapport à celui qu'ils paieraient en France.
Mais c'est du vol, c'est du racket. Mais enfin, quand est-ce qu'on va s'y attaquer fermement? Franchement, moi, pour moi, ce sont vraiment des délinquants en col blanc. Ça rapporterait plus que de s'attaquer à ceux-là, hein, plutôt qu'aux petits. Hein. Mmh. Ceux-là, ils vont rapporter du pognon. Hein. Je peux vous dire que vous embauchez 15 000 contrôleurs fiscaux, comme moi je veux le faire, pas pour aller chatouiller les artisans et les PME, hein, mais pour aller chercher les gros. D'ailleurs, je dis, il faut que les gros payent gros et que les petits payent petits. Voilà, je ne parle pas de la taille, je parle des multinationales. Hein, on ne parle pas du physique. Mais au moins, si on s'attaque... Non, on a dit pas le physique. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Mais que les grosses boîtes payent leur juste impôt et qu'on arrête avec les petits. Mais que ces grosses boîtes, justement, on aille leur prélever l'impôt qu'ils doivent payer, et je dis même plus... Mais qu'il y ait de la solidarité même, de la solidarité nationale, du patriotisme, parlons-en, entre ceux qui ne payent plus l'ISF et qui devraient le payer, et ces multinationales qui devraient contribuer. 160 milliards d'euros de bénéfices pour ces grosses boîtes du CAC 40, et elles arrivent à délocaliser leur pognon dans les paradis fiscaux. Moi j'en connais une, c'est pas une boîte du CAC 40, mais c'est le fonds Apollo, un fonds américain qui investit dans plein de boîtes de la métallurgie, de la sidérurgie, vous devez connaître. Mais ce fonds Apollo fait des opérations boursières, fait des plus-values boursières, et cet argent, ces plus-values qu'ils font, j'ai une opération en tête, 1 milliard d'euros de plus-value, c'est parti dans leur société offshore au Luxembourg, et du Luxembourg, on a la trace, d'un virement de 500 millions d'euros aux îles Caïmans. Voilà, et ça, c'est de l'argent qui a été prélevé sur les ouvriers du groupe Veralia qui font des bouteilles en verre. Voilà, on leur a fermé un four, on leur a demandé de travailler beaucoup, et ce groupe, Apollo, anciennement, ils ont racheté Saint-Gobain, et ils se sont fait du beurre sur nous. Fabien. C'est scandaleux. Fabien, c'est scandaleux, on ne peut plus le permettre. D'ailleurs, je reviens sur l'ISF, je suis pour... Vous avez vu qu'il y avait Valérie Pécresse? Madame Pécresse, est-ce que vous êtes pour rétablir l'ISF, voire le tripler, mais au moins le rétablir, et qu'il y ait une mesure de solidarité, l'impôt de solidarité sur la fortune? Et je rappelle que quand il existait, l'ISF, en 2013, il devait y en avoir 315 000, 312 000 de redevables à l'ISF, et en 2017, il y en avait 360 000, plus... Ça a toujours été un peu croissant. Il n'y a quasiment pas de départ à cause de l'ISF. Oui. Parce qu'en France, ils se font du gras. Ils gagnent des sous, il n'y a pas de problème. Donc, ils préfèrent payer l'ISF. Et ben moi, je suis certain qu'ici, en France, il y a des riches qui sont prêts à payer l'ISF. Qui sont prêts à le faire et à porter leur contribution. Parce qu'en période de guerre, en période de pandémie, on doit tous faire un effort. Madame Pécresse, voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour établir l'ISF? Alors répondez-lui, sinon il va repartir. Alors moi, je ne suis pas pour augmenter les impôts. Voilà, je le dis. Plus riches, je non, mais attendez. Monsieur Roussel, je vous ai écouté, vous avez été éloquent et vous avez très bien défendu cette France qui travaille. Et moi, je veux la défendre aussi, parce que travailler plus pour gagner plus, c'était effectivement le slogan de Nicolas Sarkozy. Mais dans mon programme aujourd'hui, c'est je veux le travail qui paye. Et le cœur de mon projet, justement, c'est d'augmenter les salaires, tous les salaires, dès le mois de juin. Tous les salaires de tous ceux qui travaillent, de 3%, en enlevant un tiers des cotisations retraite et en prenant cet argent, et c'est l'État qui le financera. Et je veux, et ça veut dire que pour tous les Français qui travaillent aujourd'hui, qui, vous l'avez dit, ont été en première ligne, ils auront sur leur feuille de paye une augmentation dès le mois de juin. Parce que moi aussi, monsieur, vraiment, monsieur Roussel, vous êtes très sympathique, mais je vous ai écouté pendant 10 minutes. Je ne dis plus rien. Moi, je veux être la candidate de la feuille de paye. Alors, effectivement, quand on gagne 1400 euros net aujourd'hui, avec moi, on aura 500 euros de salaire de plus sur un an. Et ça commence en juin. Et puis, je ferai une grande conférence sociale et salariale avec les syndicats et avec les entreprises. Et je veux qu'on ait une vraie stratégie pour augmenter les salaires. Parce que, vous l'avez dit, le coût de la vie explose. Et aujourd'hui, le pouvoir d'achat ne suit pas. Et donc, on a besoin aujourd'hui que les Français vivent dignement de leur salaire et dignement de leur retraite. Parce que les retraités ont été aussi les grands oubliés du quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais pourquoi les retraités ont été les grands oubliés? Parce qu'Emmanuel Macron n'a pas eu le courage de faire la réforme des retraites. On va en parler. Et quand on ne fait pas de réforme, eh bien, on n'a pas d'argent.
Et quand on n'a pas d'argent, eh ben on ne peut pas indexer les retraites sur l'inflation. Donc avec moi, les retraites, elles sont indexées sur l'inflation. Et avec moi, on aura une vraie réforme des retraites et une vraie garantie pour que les retraités ne perdent pas en pouvoir d'achat. Mais sur les salaires, il n'y a pas seulement l'augmentation des salaires, il y a aussi la possibilité de payer mieux les fonctionnaires. Vous avez parlé des fonctionnaires. Les fonctionnaires, pour pouvoir les payer mieux, il faut de l'argent là encore. Donc moi, je ferai la réforme de l'État et j'aurai moins de fonctionnaires mieux payés. Combien ? Et puis, je veux qu'on puisse effectivement travailler plus pour gagner plus si on en a envie. Et donc, si on le peut, surtout comme l'a dit Fabien Roussel, parce que c'est vrai qu'il y a des métiers à une forte pénibilité. C'est vrai qu'un maçon ou une infirmière, en vrai, ils aimeraient bien travailler plus, mais ils ne peuvent pas. Ils sont tellement fatigués. D'abord, ça dépend des métiers. Et moi, c'est tous les salaires qu'on augmente. Vous l'avez bien compris, tous les salaires, je l'ai dit. Et mon objectif sur le quinquennat, c'est 10% d'augmentation des salaires nets de l'inflation. Tous les salaires. Et je veux que mes réformes, parce qu'il va falloir faire des réformes, aujourd'hui on est champion du monde des impôts. Champion du monde des impôts. Et vous savez bien que trop d'impôts, ça tue l'emploi. Ils n'ont jamais été aussi bas pour les plus riches. Ça que Emmanuel Macron ait été le président des riches, je veux bien vous le laisser dire. Mais moi, je serai la candidate qui augmentera les salaires de tous les Français. J'ai dit non. J'ai dit j'augmente pas les impôts. D'accord. J'augmente pas les impôts, je les baisse. Je les baisse de 30 milliards. L'ISF n'existe pas. Comment vous allez financer? Il y a aujourd'hui un impôt sur la fortune immobilière qui existe encore. Celui-là, je le maintiens. Vous le maintenez. Vous ne le baissez pas. Je le maintiens. En revanche, ce que je fais, c'est que je fais un certain nombre de réformes pour défoncer mieux l'argent et pour pouvoir baisser les cotisations retraite sur les salaires de façon à augmenter les salaires de tous les Français. Voilà. Merci. Allez-y. Et j'ai deux ou trois autres mesures de baisse fiscale. Important d'en parler. Non, c'est important parce que je me suis rendu compte aussi qu'on avait, une situation très injuste, c'est celle des mamans solo, des mères séparées, ce qu'on appelle les familles monoparentales. Le politiquement correct, on dit les familles monoparentales, c'est en fait souvent des mères seules. Et quand elles ont des pensions alimentaires pour leurs enfants, vous savez que les mères seules, quand on est séparé, c'est 20% de coût de la vie en plus. Parce qu'on a deux appartements, parce qu'on doit vivre, on doit payer deux fois. Eh bien, ces mamans seules, quand elles ont des pensions alimentaires pour leurs enfants, elles sont fiscalisées. Moi, je les défiscaliserai. Et que ce soit pour les ouvriers dans les usines, que ce soit pour les fonctionnaires, que ce soit pour les travailleurs de première ligne, je veux vraiment une hausse du pouvoir d'achat. Bon. Et j'ajoute une autre chose. Je souhaite qu'on donne priorité dans le logement social aux travailleurs de première ligne. Parce qu'aujourd'hui, avec la crise Covid, il y a finalement une nouvelle fracture qui s'est faite en France entre les Français qui ont la chance de pouvoir télétravailler. Et c'est une vraie chance. Parce qu'ils peuvent, de temps en temps, ne pas prendre les transports. Ils peuvent rester chez eux. Ils ont cette chance-là. Et puis, il y a les Français qui ne peuvent pas télétravailler parce qu'eux, ils sont dans des emplois postés. Ils sont effectivement dans des usines. Ils sont caissières dans des supermarchés. Ils sont agents d'entretien. Et eux, ils ont besoin d'habiter près de là où ils travaillent. Donc, je veux qu'ils aient une priorité dans le logement social pour ces travailleurs de première ligne. Et puis, moi, je rêve d'une France de propriétaires, monsieur Hanouna. Ce que vous avez dit souvent. Une France de propriétaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire aider tous les jeunes ménages, les jeunes couples, aujourd'hui, à pouvoir devenir propriétaires. Et pour ça, il y a un outil qui s'appelle le prêt à taux zéro, qui permet à des jeunes qui n'ont pas d'apport initial de pouvoir devenir propriétaires. Aujourd'hui, le prêt à taux zéro, c'est que dans les grandes métropoles. Eh bien, moi, j'aiderais ces jeunes. Mais c'est la situation des États-Unis. À avoir un prêt à taux zéro pour qu'ils puissent devenir propriétaires. Barack Obama, il a remboursé son prêt étudiant quand il est devenu président de la République. Votre système, c'est le système américain. C'est terrible. Le système américain. Ça marche très bien, le prêt à taux zéro. Et ça permet de devenir propriétaire pour le prix d'un loyer. C'est inviter les jeunes à s'endetter pour pouvoir payer leurs études. Ben, je peux vous dire qu'avec un système comme ça, si ensuite, après les jeunes, ils n'ont pas de boulot, ils ne remboursent jamais leur prêt, c'est comme ça qu'on a des crises et que les États-Unis ont peur de cette crise. Je peux répondre là-dessus. Parce que ce n'est pas du tout mon projet. Au contraire, moi, je veux mettre en place une banque pour aider les jeunes à financer leurs études, pour lutter contre l'autocensure des jeunes. Et on ne rembourse que quand on atteint un certain niveau de salaire. Donc ça veut dire qu'on ne rembourse pas si on ne gagne pas suffisamment bien sa vie. Bon. Donc ça veut dire qu'on peut faire des études avec l'esprit serein. Et c'est très important. Parce que je vais vous dire, ils rembourseront en étant obligés de travailler au RSA. Monsieur Roussel, le problème des études en France, et vous le savez bien, c'est que
On croit que l'université est gratuite, mais il y a quand même des études qui sont très chères. Et vivre dans une ville universitaire, ça coûte très cher. Et quand on est dans les Ardennes, aller vivre à Reims, ça coûte cher. Quand on est en Dordogne, aller vivre à Bordeaux, ça coûte cher. Je voudrais reparler du salaire. Parce que vous savez que là, oui, on nous reste 3 minutes. Hein, oui, bah, j'ai parlé qu'une fois. Bah, alors là, j'ai bien fait d'être venu. Mais, non, mais vous avez parlé qu'une fois 15 minutes. Non, c'est pas vrai. Mais qui oui, vraiment 15 minutes. Mais c'était très sympa, hein, mais ça fait 15 minutes. J'ai pas vu passer. Bah oui, mais non, mais c'est minutes, mais alors, plus vite pour moi. Nous non plus, on l'a pas vu passer. Bon, d'accord. Ouais, alors, je vais aller. Non, je vais aller. Mais je voudrais aussi répondre sur la fraude fiscale des grands groupes, parce que je sais pas qu'on a parlé de l'ISF, d'abord, on n'a pas parlé de la fraude quand même, fiscale. D'abord, sur les retraites, je vais pas le dire. Je sais que. On va en parler avec Adrien Quatennens va revenir dessus, et il pourra, comme ça, lui apporter la contradiction, parce que je sais pas comment. Madame Pécresse financera la hausse des retraites en allant taper dans la caisse des retraites. Mais ça, elle va en parler avec Adrien Quatennens. Voilà, la question des salaires, d'abord, 3%, 10% sur 5 ans. Mais c'est 10% tout de suite minimum. Encore, moi, je propose 20%. Mais sur tous les salaires. Débattre, mais vous vous rendez compte, 3%, c'est comment ça. Vous financez. Mais vous rendez compte. Mais comment. Mais allez demander à Stellantis, le groupe Peugeot. Allez demander aux grandes entreprises de l'industrie, justement. Vous savez qu'il y a des salariés, il y a des ouvriers. Ils font grève pendant une semaine pour gagner 10 euros, hein, parce que les NAO, là, les négociations annuelles obligatoires, elles sont bloquées. Les gars, les tauliers, ils lâchent rien. Les petites boîtes, encore, elles sont prêtes à faire des efforts pour trouver des salariés. Eh bien, ça sera donnant. Ils veulent des baisses d'impôts. Ils veulent des baisses d'impôts de production. Ils veulent des baisses d'impôts de production. Il y aura des donnants, monsieur. Même là, sur les indemnités kilométriques, alors que l'essence n'a jamais été aussi chère, ces grandes boîtes, je pense à Alstom que j'ai rencontré, ils ont dû se mettre en grève pour gagner 17 euros par an de hausse d'indemnité kilométrique. 17 euros par an d'indemnité kilométrique de plus quand on voit le prix de l'essence. C'est du foutage de gueule. Enfin, entre nous, c'est pas 3% de hausse de salaire qu'il faut, Madame Pécresse. Vous vous rendez compte ce que ça représente? C'est peanuts par rapport au coût de la vie aujourd'hui. Ou en alors, plus de l'inflation, Monsieur Roussel. Enfin, de l'inflation. L'inflation est déjà à 4% cette année. Donc, il faut que ce soit en plus, bien Mais sûr. Donc, vous allez bien devoir dire à toutes ces entreprises, vous allez bien devoir porter le SMIC et l'augmenter tout de suite, au moins 10%, tout de suite. Sinon, ça ne pourra jamais répondre aux besoins des gens. Comment voulez-vous revaloriser monsieur le travail? Anna, voyez... Donner envie aux gens d'aller travailler pour des salaires de misère qui ne rapportent pas. Comment vous allez financer vos réformes? Comment vous allez financer les besoins du pays avec un budget rikiki parce que vous allez baisser les impôts? Comment vous allez prendre en charge la question du handicap dont on parle mais peu monsieur dans Roussel, cette campagne? C'est quand même fort enfin, de café. Fort de café. La différence entre la droite et le Parti communiste que vous représentez, c'est que nous, on sait que la générosité a un coût. Donc moi, toutes mes mesures, elles sont financées. Votre programme, moi, il est à 250 milliards d'euros. Ouais, ouais, mais comment vous les allez trouver? Vous croyez que les multinationales, elles vont accepter de les payer, vos impôts? Moi, je vais mettre en place un ministère de la lutte contre la fraude fiscale. Ici, vraiment, sur l'ISF. Un vrai. Vous savez combien ils étaient à payer l'ISF dans le dernier rapport? Ça, c'est le rapport que j'ai eu à l'Assemblée nationale, je l'ai révélé. Il est sur mon site, Fabien Roussel, 2022. 250 milliards contre 3 milliards. Non, non, mais ça, vous savez ce que c'est là-dessus? Là, c'est le rapport qui indique qu'en 2018, la dernière année où il y a eu l'ISF, il y a les chiffres. Je vais vous le laisser, monsieur Hanouna. Alors, avec grand 358 000 foyers ont payé l'ISF en 2017, 358 000 foyers, et ils avaient un patrimoine taxable de 1028 milliards d'euros. 1028 milliards d'euros pour 358 000 foyers. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas un petit peu de gras à prendre pour répondre aux besoins du pays? Mais c'est bien pour ça que sur 1028 milliards d'euros, on en prendrait 10, qui leur reste un petit peu quand même de quoi voir venir. Et donc, c'est ça que je dis. Et puis, s'il y en a un parmi ceux-là, ces 358 000 foyers, qui dit « Comment ça ? Je vais devoir payer l'ISF, mais je pars m'exiler en Belgique, comme certains font d'ailleurs, à côté mais de la circonscription. » Mais ils le font tous, et vous le savez bien. Mais c'est honteux. Ils sont déjà magistrés. Je suis d'accord, c'est totalement honteux. Vous quitteriez la France si vous deviez payer l'ISF? Alors, c'est totalement honteux. Alors, je vous dis la vérité, je paye déjà l'ISF. Et non, c'est l'IFI. L'IFI, ouais, l'IFI, voilà, l'IFI. Je le paye déjà, oui. Et bien alors, donc vous restez en France. Bien sûr. Et bien voilà, il y a un truc, il y a une conscience aussi, comme a dit Fabien Roussel. Et je le dis, la France, normalement, on a, même moi, je gagne très bien ma vie, je l'ai toujours dit, je gagne très bien ma vie, mais je dois quelque chose à la France. Mais c'est normal. Voilà, c'est normal. Sinon, c'est nos écoles, l'école de nos enfants, pour financer nos hôpitaux. Donc, vous ne pouvez pas attaquer le mandat qui vient avec un budget rabougri, un budget de la France petit. Les Français, ils en ont marre qu'on leur dise qu'il va falloir faire des efforts.
va falloir travailler plus longtemps, vous allez payer plus cher, c'est comme ça, c'est la guerre, on ne peut pas faire autrement. Basta. Moi, je veux des réformes heureuses, je veux du positif, je veux qu'on vive, et je veux qu'on vive heureux. Je suis exigeant, je veux qu'on vive heureux, et heureux de son travail, et heureux en retraite aussi, et pas en retraite cassée par le travail, en retraite en bonne santé, pour pouvoir en profiter, pour pouvoir vivre. Voilà. Merci. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Merci, mais on aimerait tous, que ce soit possible. Mais ce sera pas seulement avec votre réforme de l'ISF que vous y arriverez, Monsieur Roussel. Mais on entend pour le faire, les Français pour le faire, entendre de mais. Pour le faire, ils veulent, pour le faire ils aujourd'hui. Veulent des engagements. Pour, bah, il ils faut s'engager. Et ben moi, mes engagements, je les tiens. Et moi, j'ai gouverné et moi, j'ai dirigé. Et dans ma région, quand j'ai pris un engagement, je l'ai tenu. Et le seul et moyen de prendre un engagement, c'est que les Français reprennent le pouvoir et qu'ils utilisent leur bulletin de vote. 10% de hausse des salaires. Merci Fabien Roussel d'avoir été là, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup, à la prochaine. Merci. Merci Fabien Roussel, merci. Allez, on va enchaîner dans un instant. Comment ça va Valérie Pécresse? Ça va bien. Ça vous a un petit peu mal à la gorge avant l'émission, ça va mieux là hein? Écoutez, c'est chaud. Alors, j'ai enlevé la clim. Hein. Non, c'est vrai, c'était... mais c'est surtout pour moi parce que je n'étais pas bien. Mais pas bien, mais c'est vrai que ça me fait éternuer, mais ça va, vous avez... la gorge va mieux. Tout va bien. Bon, très bien. Vous voyez, Fabien Roussel, c'est quand même un personnage incroyable. Ça, c'est quelqu'un, même s'il si partage... Monsieur 250 milliards. Oui, je sais. Mais même si vous ne partagez pas ses idées, à un moment, moi je parle aussi... C'est vrai, on se dit, le problème du communisme, c'est que si ça avait marché, ça se saurait. Quoi. Oui. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une désindustrialisation de la France. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, moi je vois encore... des usines qui sont rachetées, qui ferment, et les salariés qui sont, après 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie au travail, qui se retrouvent sans rien. Et pourquoi ça ferme? Mais... Eh ben, ça ferme parce qu'on a trop d'impôts en France de production et que quand les investisseurs ils doivent choisir entre la France, l'Allemagne, l'Espagne ou la Belgique, eh ben, ils choisissent les autres pays. Et le sujet pour moi, c'est de créer de l'emploi. Et la vraie politique du pouvoir d'achat, c'est aussi de créer de l'emploi. C'est de sauver ces emplois. C'est de réindustrialiser la France. Valérie Pécresse. Avec une politique comme celle qu'il veut mener, malheureusement, on le sait très bien, il va amener les entreprises à aller investir ailleurs. Le monde, il est ouvert aujourd'hui, bien monsieur. Sûr, mais alors oui, il faut lutter contre la fraude fiscale exactement, et sociale. La fraude fiscale. Et dans son prélèvement à la source, c'est pas con, mais vous pensez que ça va faire partie de tout le monde. Non, mais ça marchera pas. Mais c'est, j'ai pas du tout compris comment ça marchait. Alors là, pardon, mais le prélèvement à la source des impôts, je vois pas le sujet. Je vois pas ce que ça changera du tout. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est d'aller vérifier l'optimisation fiscale des groupes. Et ça nécessite une vraie police fiscale. Il se trouve que quand j'étais ministre du budget, j'ai mis en place avec Nicolas Sarkozy, on a mis en place pour la première fois une vraie police fiscale. Et on a commencé à aller chercher justement ces groupes qui optimisaient. Et l'histoire de McKinsey est totalement scandaleuse. Effectivement, Emmanuel Macron qui donne à une entreprise qui ne paye pas d'impôts en France des contrats publics pour réformer l'État, c'est un pur scandale. Et d'ailleurs, ça devrait être dénoncé par tous les partis politiques, y compris par le gouvernement. Ce que veulent tous les Français, c'est que, bien sûr, que l'État aide les entreprises. Mais son histoire de prélèvement à la source... Mais que les entreprises derrière... elle redistribue et que les salariés qui travaillent dans ces entreprises puissent être augmentés. Parce que là, on a l'impression que l'État aide les entreprises et que les grosses entreprises, on le ressent pas sur les employés de ces entreprises et qu'eux, ils sont toujours au même salaire et que l'aide, elle a pas aidé les salariés qui sont dedans. Alors, il faut vraiment distinguer. Il y a les grands groupes. Mais bien sûr. Et les grands groupes, ils ont les moyens aujourd'hui de pouvoir faire plus et davantage. C'est l'objet de ma conférence sociale. Mais il y a aussi les PME. Ouais, mais les PME, c'est le tissu des entreprises. Hein. C'est eux qui créent l'emploi en France aussi. Bah oui. Et eux, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, aidez-nous à augmenter les salaires. Donc, on va les aider en baissant leurs impôts de production. Sûr. Parce que si on baisse leurs impôts de production, mais pour ça, il faut dépenser moins d'argent public. Et je suis désolée, ça ne boucle pas. Je sais que les Français n'ont pas envie d'entendre ce que j'ai à dire. Je sais qu'il faut avoir le courage de dire aux Français que quand on dépense 56% de la richesse du pays en dépenses publiques, cet argent, c'est des impôts. Et que ces impôts, ils sont sur les ménages, c'est pour ça qu'on ne vit pas bien en France aussi. C'est parce qu'on paye des taxes sur tout. Oui. On paye des taxes sur l'essence, on paye des taxes sur l'énergie, on paye des taxes sur la taxe. Moi, je veux supprimer la TVA sur les taxes sur l'énergie. Parce qu'on est dans un pays en France où on est maintenant arrivé, alors c'est ubuesque, on paye des taxes de la TVA sur la taxe. Donc la taxe au carré. Ouais, oui, mais c'est quand même ça le pays où on vit. Donc, on est le pays champion du monde des impôts. Est-ce que nos services publics aujourd'hui
sont champions du monde? Est-ce qu'on en a pour notre argent? Est-ce que l'école va bien? Est-ce que la santé va bien? Est-ce que la justice va bien? Ben non. Donc ça veut dire qu'il faut dépenser mieux l'argent. Et cet argent, moi je sais comment mieux le dépenser. Dans ma région, j'ai fait 2 milliards d'euros d'économie. Alors je sais que M. Roussel, le mot économie, alors lui, tout de suite, pouf, ça lui fait pousser des éruptions de boutons. Mais on peut mieux gérer l'argent. Parce qu'en réalité, il y a plein de gaspillages. Il y a beaucoup de monde qui font deux fois la même chose. L'État, les régions, oui, les départements, les intercommunalités, les communes. Moi, je veux qu'il y ait un seul responsable. Un seul. Et que l'État lâche prise. Et qu'on arrête de faire deux ou trois fois la même chose. Alors oui, j'assume. Je dis, je vais supprimer 200 000 postes dans la fonction publique. Je vais faire des grosses économies. Et je vais supprimer un certain nombre aussi d'aides aux entreprises qui sont inefficaces. Je vais évaluer les dépenses. Et les dépenses qui ne sont pas efficaces, on va les supprimer. Et qu'est-ce que ça permettra de faire? Ça permettra de dépenser là où sont nos priorités. Éduquer. Protéger. Soigner. Moi, je veux 25 000 soignants de plus dans l'hôpital public. Je veux 15 000 juges de plus pour que enfin il y ait de la sécurité dans notre pays et que les juges ne soient pas noyés sous les affaires et les dossiers et qu'ils jugent vite et bien. Et puis, je veux 10 000 personnes de plus dans l'école parce que l'école de la République, qui était notre fierté, aujourd'hui, elle est en train de devenir la plus inégalitaire d'Europe. Et moi, je veux que chaque enfant de France ait les mêmes chances. Et je veux du soutien scolaire gratuit pour toutes les familles. Je veux rémunérer une réserve éducative nationale avec des Français qui voudront faire du soutien scolaire pour les jeunes, pour leur donner leur chance. Vous voyez, je pense que ces économies, on pourra les utiliser pour faire des belles choses. Mais à un moment donné, dire aux Français, les amis, on va pouvoir tout faire uniquement en taxant les multinationales, c'est pas vrai. Et les riches, c'est pas vrai non plus. Ils vont se casser. Ils vont se casser parce qu'ils ont l'argent. Et comme ils ont l'argent, ils peuvent s'en aller. Donc, ce que dit Fabien Roussel, eh ben, ça marchera pas. C'est monsieur de 150 milliards. Merci Valérie Pécresse, Fabien Roussel. Qui était avec nous il y a un instant, on va accueillir maintenant Adrien Quatennens. En revanche, il faut leur donner envie d'investir en France. Adrien Quatennens qui est avec nous, député du Nord, soutien de Jean-Luc Mélenchon. Merci Adrien d'être là, on va parler des retraites. Ça c'est un sujet important, un sujet qui intéresse énormément de Français qui nous regardent ce soir en direct à 23h04. Vous êtes bien installé Adrien Quatennens? Ça va, je crois. Très bien, alors installez-vous bien parce qu'on va se retrouver dans un instant avec Valérie Pécresse et après on ira tout droit jusqu'à la fin de l'émission avec Nadine Morano qui va venir nous rejoindre également, qui a été prévue juste après-midi, comme ça. Voilà, comme ça, elle était dans le quartier, on lui dit bah passe. Et voilà. Presque. Et bah, très bien, à tout de suite. L'hybride selon Honda, c'est beaucoup plus que l'alliance de l'électricité et de l'essence.
Merci d'être avec nous, les 23h11, on est en direct. Et nous sommes avec Valérie Pécresse, candidate à l'élection présidentielle, le Parti Républicain. Merci d'être là, Valérie. Tout se passe bien, vous êtes contente d'être avec moi ? Oui, absolument. N'oubliez pas les centristes parce qu'ils sont toujours malheureux quand on les cite pas. Je sais, on les cite. Si vous voulez, on cite qui vous voulez. Maintenant, là, on est parti. Il est 23h11, là, je peux citer tout le monde à ce temps-ci. Nous sommes avec Adrien Quatennens. Merci d'être là, Adrien. Député du Nord, soutien de Jean-Luc Mélenchon. On va parler des retraites. Et c'est vrai que ça, c'est un grand sujet. À chaque fois, on l'évoque dans cette émission. Ce que Valérie Pécresse dit, disons la vérité, la seule manière de garantir vos futures retraites, c'est de mettre l'âge légal à 65 ans. On sait ce que dit Jean-Luc Mélenchon, 60 ans, si vous voulez la retraite à 60 ans pour tous. Le seul bulletin de vote qu'il permet, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Mais à chaque fois, la question qu'on se pose, c'est est-ce possible, Adrien Quatennens, la retraite à 60 ans ? Bien, d'abord, je veux profiter de l'occasion, si elle est là, pour remercier Valérie Pécresse d'avoir accepté le débat de ce soir. Parce qu'on peut dire que la semaine dernière, à cette même place, Mme Le Pen n'a pas souhaité débattre avec un insoumis. Voilà, je le dis. Donc bravo, parce qu'il faut de la contradiction, il faut de la confrontation politique. M. Macron ferait bien de s'en rappeler, Mme Le Pen aussi. Il y a un avantage à débattre avec Valérie Pécresse, c'est qu'il y a de nombreuses convergences entre son programme et celui de M. Macron. C'est vous d'ailleurs qui avez dit depuis quelques jours, depuis qu'il nous a présenté enfin son programme, que c'était une contrefaçon, qu'il vous avait beaucoup copié. On sait, ça a été dit précédemment, que certains élus de votre parti appellent encore à cette heure à des convergences avec M. Macron. Et quand je regarde votre programme, que vois-je ? Dans ce pays, il y a 5 personnes, 5 milliardaires qui possèdent autant que 27 millions. Et comme M. Macron, on comprend ce soir que vous n'avez pas l'intention de mieux partager les richesses. Moi, je crois que les assistés de ce pays sont les plus riches qui se sont beaucoup gavés. Or, comme M. Macron, vous avez l'intention, vous, d'aller frapper celles et ceux qui sont les plus précaires. Je pense par exemple à l'exigence que vous portez du temps de travail imposé pour des allocataires du RSA. De la même manière, comme M. Macron, vous avez l'intention de continuer à verser des aides aux entreprises sans aucune contrepartie. C'est vous qui avez d'ailleurs fait le crédit d'impôt recherche, dont on voit le résultat. Ce crédit a bénéficié essentiellement à la distribution, à la finance. On ne voit pas trop qu'il y ait besoin de beaucoup de recherches fondamentales dans ces milieux. Il y a, Mme Pécresse, dans ce pays, 300 000 emplois non pourvus pour 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Mais plutôt que de vous attaquer au chômage, comme M. Macron, vous voulez vous attaquer aux chômeurs. Enfin, et pour terminer sur les convergences, M. Macron a l'intention, en effet, comme vous, alors que le nucléaire est de plus en plus coûteux et dangereux, de construire des EPR. C'est aussi votre choix, alors que, par exemple, Flamanville, c'est 10 ans de retard et une facture qui a été multipliée par 6. Alors, ce soir, je pourrais vous demander pourquoi ne pas voter pour lui, mais il y a un point de convergence, en effet, sur lequel je souhaite débattre avec vous, c'est cette question des retraites. Madame Pécresse, vous dites, on n'a pas d'autre choix que de porter la retraite à 65 ans, comme le dit M. Macron. La vérité, c'est que dans ce pays, on produit beaucoup de richesses. La France produit 2300 milliards d'euros à peu près par an, et la productivité a considérablement augmenté ces dernières décennies. Par exemple, un travailleur de 2022, il produit 3 fois plus de richesses à lui tout seul que ce que produisait un travailleur d'il y a 50 ans. Par conséquent, on peut financer plus de retraites et de retraités avec autant de travailleurs. Quand M. Macron, comme vous, dit aux Français « il n'y a pas d'autre solution que de travailler plus longtemps », c'est une autre manière de dire que vous n'avez pas l'intention de partager. Madame Pécresse, à 62 ans, vous le savez, il y a un quart des plus pauvres dans ce pays qui sont déjà morts. Entre un cadre et un ouvrier, il y a 6 années d'écart d'espérance de vie. Entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches, c'est 13 années. On peut, si l'on partage, financer la retraite à 60 ans. Pour cela, il faut créer de l'activité et de l'emploi pérenne, pas des statistiques de baisse du chômage sur fond de précarisation de l'emploi comme le propose Emmanuel Macron. Par exemple, vous voyez, on a beaucoup parlé des dividendes versés aux actionnaires. 54 milliards l'an dernier. Avec 54 milliards de dividendes, on pourrait en réalité payer 1 million de salariés à 2000 euros par mois pendant un an. Ça ferait autant de cotisations en plus pour financer les retraites. Si on faisait l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui est aujourd'hui inacceptable et qui persiste, les cotisations supplémentaires permettraient de financer la retraite à 60 ans. Et puis on pourrait aussi admettre qu'en augmentant les salaires et les cotisations en proportion, on la finance. Je veux juste dire en fait que c'est ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent. Madame Pécresse, comme Monsieur Macron, en proposant la retraite à 65 ans, veulent nous faire faire un bond en arrière de 40 années, nous ramener 40 années en arrière. Le progrès, c'est plus on produit, plus on peut se libérer du temps. Ça a toujours été cela, les grandes conquêtes sociales dans notre pays. Et on peut le faire parce qu'on produit beaucoup de richesses. Il suffit simplement de partager.
Alors d'abord, j'accepte évidemment de débattre avec M. Quatennens. Je n'ai aucun problème avec ça, mais je voudrais, avant qu'on parle des retraites, vous dire, M. Quatennens, que j'ai vu le passage de l'émission de Cyril Hanouna dans lequel Jean-Luc Mélenchon s'est adressé avec une très grande violence à un policier. Et moi, je voulais vous dire que ce passage-là, je ne l'ai pas trouvé acceptable. Vous n'avez pas... Parce que nos policiers nous protègent. Et nos policiers ne peuvent pas être traités comme Jean-Luc Mélenchon a traité ici sur ce plateau les policiers. Mais c'est très important parce que je pense quand même qu'il y a une vraie divergence effectivement avec entre Emmanuel Macron et moi. C'est que moi je suis une femme d'ordre, je veux rétablir l'autorité, je serai indéfectiblement au soutien des forces de l'ordre. Comme lui, et je ne dirai jamais que il y a des violences policières parce que certes il y a des brebis galeuses dans tous les métiers du monde. Et il y a dans tous les métiers du monde des fautes qui sont commises. Mais on ne peut pas dire que notre police est une police violente. Ça n'est pas vrai. Bon. C'est l'un des corps les plus contrôlés de France. Et donc je le dis. Vous êtes visiblement gênée, Madame Pécresse. Non, c'est important. On discute de vos convergences économiques et sociales avec M. Macron. On va parler. Et que je vous ai demandé pourquoi vous n'alliez pas. Juste, pardon, M. Quatennens. Est-ce que je peux répondre sur la mise en cause ? M. Quatennens. Valérie Pécresse, vous avez soulevé le sujet avec ce policier de la BAC qui était venu en face de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais M. Quatennens veut supprimer la BAC. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a regretté d'avoir été un petit peu fort sur ce policier ? Mais écoutez, vous avez été sur ce plateau comme moi à cet instant. J'y étais, oui, c'est vous pas ça, Baba. Juste avant, vous avez fait témoigner. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Oui. Vous avez été témoin comme moi de l'ensemble de la scène. Juste avant, il y avait le témoignage de la fille de Cédric Chouviat. Exactement, oui. Et je pense que, comme tous, nous étions saisis d'effroi. Et oui, Madame Pécresse, nous ne confondons pas les policiers avec les donneurs d'ordre et la hiérarchie. Contrairement à vous, nous pensons que la police républicaine de ce pays a besoin d'être intégralement refondée. Oui. On a même un extrait dans l'émission, un moment où Jean-Luc Mélenchon se retourne vers son clan et leur dit « j'ai pas été un petit peu trop fort avec le policier ». Je crois que même lui, il a été pris par l'émotion du témoignage de Sophia Chouviat. Vous avez même rediffusé les images, la photo de M. Chouviat. Vous savez, moi, Mme Pécresse, je ne dis pas que tous les policiers soient des violents, mais par contre, vous avez tort de refuser de dire qu'il y a des violences policières. C'est là que vous faites une confusion grave. Parce que, madame, quand quelqu'un est plaqué au sol et a le temps de dire « cette fois, j'étouffe » et finit par mourir, ça s'appelle un meurtre. Mais violences policières, madame Pécresse, n'ayez pas de fausse pudeur. Non, parce que quand, par exemple, vous incriminez une institution intégralement. Qu'avez-vous à dire contre les techniques de maintien de l'ordre ? Je pense qu'on pourrait faire autrement, vous en serez d'accord, qui font que des gens qui ont manifesté pour des causes dont on va peut-être, j'espère, discuter, la question de la justice fiscale, les salaires, se sont retrouvés éborgnés avec des mains arrachées. Est-ce que ce ne sont pas des Adrien Quatennens. Mais en disant cela, Madame Pécresse, je ne confonds pas ces violents et les donneurs d'ordre qui en sont responsables avec l'ensemble de la police. Donc la façon dont vous avez traité ce vaqueux était une belle façon. Madame Pécresse, c'est nous à l'Assemblée nationale qui avons été les premiers à demander une commission d'enquête sur les causes des suicides dans la police et demander à ce qu'on remette en état tous les commissariats de ce pays qui sont délabrés. Et quand je vois la purge que vous vous apprêtez à faire sur les services publics, on se demande bien comment vous allez faire parce que c'est votre gouvernement. 5 milliards d'augmentation du budget pour la police et la gendarmerie. 5 milliards d'augmentation. Sinon, on n'aura pas le temps de parler des retraites, Adrien Quatennens et Valérie Pécresse. Madame Pécresse, vous n'avez pas très envie. Valérie Pécresse va vous répondre sur les retraites tout de suite. Allez-y. Pardon, Monsieur Quatennens, à un moment donné, je peux peut-être répondre. Le sujet qu'on avait prévu d'évoquer, mais on peut en évoquer d'autres si vous voulez. Non, voilà, tout ce que vous voulez, madame. Alors, non, tout ce que je veux, surtout, parce que c'est les retraites. Bon, on y va. Aujourd'hui, les retraites, c'est un pacte social. C'est un pacte social qu'on prend avec les nouvelles générations. C'est de leur dire, on va vous garantir, effectivement, que quand vous aurez travaillé toute votre vie, vous aurez une retraite qui vous permettra de vivre dignement jusqu'à la fin de vos jours. Et que cette retraite, s'il y a des hausses des prix, s'il y a de l'inflation, eh bien cette retraite, elle augmentera et elle vous garantira vos vieux jours. C'est ça le pacte social qu'on met avec les générations à venir. Moi, je vous rejoins sur une chose, Monsieur Quatennens. Moi, dans mon programme, il y a l'ambition d'augmenter l'espérance de vie des Français en bonne santé de 3 ans. Parce que je veux refonder notre santé. Et je veux une politique de santé. Elle stagne depuis 10 ans, à 64 ans. Et nous avons 10 ans de moins d'espérance de vie en bonne santé que, par exemple, un pays comme la Suède. À la retraite. Non, moi, ce que je propose, c'est de refonder. Pardon, Monsieur Quatennens, je ne vous ai pas interrompu.
Moi, je propose de refonder une vraie politique de santé avec de la vraie prévention, y compris au travail, y compris dès l'école, et de pouvoir augmenter cette espérance de vie en bonne santé. Et là-dessus, je vous rejoins, ça doit être un de nos objectifs prioritaires de notre politique de santé. Pourquoi faut-il travailler plus longtemps ? Pardon. Le sujet aujourd'hui, c'est est-ce que les retraites, pendant ces 5 dernières années, ont baissé ou pas en pouvoir d'achat réel, oui ou non ? Bien sûr. Pourquoi ? Mais parce qu'on ne consacre pas l'argent nécessaire à financer les retraites, Madame Pécresse. Donc, en France, on a inventé quelque chose de formidable, ça s'appelle la sécurité sociale. Chacun cotise selon ses moyens, reçoit selon ses besoins. Et ce qui a permis que la France ait un des taux de pauvreté des retraités les plus faibles, même si, et peut-être on en sera d'accord, il reste beaucoup à faire, c'est qu'à mesure que la part des seniors dans la population a augmenté, on a en proportion toujours augmenté la part de notre richesse consacrée aux retraites. Et vous, ce que vous voulez faire, c'est une rupture historique avec cela. Vous voulez dire aux Français, c'est vous qui allez vous payer vos retraites uniquement en travaillant plus longtemps. De la même manière, vous venez de parler à l'instant d'augmentation des salaires. Je comprends pourquoi Marine Le Pen ne veut pas débattre avec vous, c'est parce qu'en fait, on ne peut pas en placer une. Donc je peux, s'il vous plaît, vous expliquer quand même. Je peux vous expliquer quand même. Je crois qu'il y a d'autres raisons que ça. Valérie Pécresse, allez-y, parce que c'est déjà fait. Pardon, j'aimerais bien expliquer le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a trois paramètres. Le nombre de retraités, le nombre d'actifs et le taux de cotisation, c'est-à-dire ce qu'on va cotiser. Aujourd'hui, avec votre système de retraite à 60 ans, c'est 33 milliards d'euros à trouver en plus d'aujourd'hui. Moi, mon système, c'est 20 milliards d'euros qui seront donnés aux retraités supplémentaires par rapport à aujourd'hui. Donc on a 53 milliards de différence entre nous. C'est une question de partage de Non, c'est pas du tout une question de partage. C'est très simple, les Français vont me comprendre. Aujourd'hui, une personne qui gagne 1 400 euros net, moi je veux lui baisser ses cotisations retraite de 30%. Je veux lui baisser ses cotisations retraite pour lui augmenter son salaire de 3%. Non, je veux baisser ses cotisations retraite, c'est l'État qui les prendra à la charge et je lui augmente son salaire net. Donc les impôts. Vous voulez. Vous allez raser gratis ? Non, mais c'est ce qu'elle dit depuis le début, pas d'augmentation d'impôts. Vous voulez faire 33 milliards de dépenses supplémentaires. Ça veut dire que la personne qui gagne 1 400 euros net, il devra payer 600 euros de plus de cotisations retraite pour permettre qu'on maintienne le pouvoir d'achat des retraités. Alors moi, je vous explique ce que je veux faire. Je veux que le pouvoir d'achat des retraités soit indexé sur l'inflation. Je ne veux plus, comme cette année, voir des retraités qui ont une inflation à 4% et qui se retrouvent avec 1% de revalorisation. Je veux l'indexation automatique, comme pour le SMIC, dès qu'il y a 2% de hausse des prix. Je veux que les retraites complémentaires puissent être aussi revalorisées à l'inflation. La GIRC-ARRCO cette année, c'est 1%. Et puis, grâce à ma réforme, elle s'appliquera évidemment pas aux Français qui sont usés par leur travail, parce qu'il y aura une négociation avec les partenaires sociaux, il y aura un dialogue social pour parler des carrières longues, pour parler de la pénibilité. Mais en revanche, ce que je souhaite, et c'est très important, c'est que je souhaite que grâce aux ressources de cette réforme, toute personne qui a cotisé toute sa vie parte avec une retraite au moins égale au SMIC net. C'est-à-dire je fais un nouveau pacte avec la jeune génération. Aujourd'hui, je vous dis, si vous travaillez jusqu'à 65 ans, vous partirez avec une retraite digne, une vraie retraite, un SMIC net. Et ça vous permettra de faire face aux vrais besoins de votre vie et du grand âge. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte combien ? Une place en EHPAD, en reste à charge pour une famille, ça coûte très cher. Donc on a besoin de revaloriser aussi les retraites. Et pour les revaloriser, il n'y a pas 36 solutions. Si. Il faut travailler plus longtemps. Et c'est la seule solution. Non. Et avec non, mon... Ah, pardon, c'est votre pardon, option politique. Avec c'est, mon option, c'est votre pardon. Option politique. Oui, mais je peux option. Finir. C'est pas la seule je voudrais finir. Pas ça. J'admets que vos propositions Monsieur soient Quaternin, je voudrais finir, s'il vous plaît. Oui, mais finissez, mais dites pas n'importe quoi. Ne dites pas c'est la seule solution. Vous faites du Macron une fois de plus. Parce que M. Macron dit que c'est la seule solution. Non, vous dites que c'est ma solution à moi, Valérie Pécresse, je veux qu'on travaille plus longtemps. Eh bien écoutez, c'est la solution de l'Allemagne, c'est la solution de l'Espagne, qui sont aujourd'hui en train de passer à 67 ans. Une majorité de Français. C'est la solution de la Belgique, c'est la solution. Mais vous savez, c'est pas populaire de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Mais de temps en temps, on est obligé de le faire. Mais pardon, M. Quaternin, s'il vous plaît, soyez, ayez un peu de respect. J'ai beaucoup de respect. Je voudrais, avec cet argent. Je ne suis pas d'accord avec vous, c'est autre chose. Oui. Je voudrais, avec cet argent que je vais récupérer, je voudrais aussi prendre deux mesures qui sont importantes pour les veufs et les veuves. Mais ce sont
davantage des femmes, et je le tiens à le dire, qui n'ont pas eu de carrière complète, parce qu'elles se sont arrêtées pour élever des enfants, ou parce qu'elles se sont arrêtées, parce qu'elles étaient conjoints collaborateurs. Vous savez, ces femmes de commerçants, ces femmes d'agriculteurs, ces femmes d'artisans, qui ont travaillé en réalité toute leur vie, mais qui n'ont pas cotisé. Il y aura une pension de reversion qui leur sera versée. Je crois qu'il y a Nadine Morano qui est sur Tinder, là, sur son tel, là. C'est pas là, je la vois depuis tout à l'heure, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Pardon. Non, mais ça va, non, mais ça va. Ça vous intéresse pas, les veuves, monsieur? Non, pas du tout, mais non, parce que je la vois sur son tel, Nadine. Donc je lui dis, Nadine, vous êtes en train de voir les commentaires sur l'émission? Même pas. Ah, d'accord. Très non, c'est technique, mais on en parlera tout à l'heure. Bon, très bien, d'accord. Okay. Pardon, je peux. Vous vérifiez. Ne lui coupez pas la parole. Non, vous étiez sur Google en train de vérifier un truc. Monsieur Hanouna, pardon, mais la situation de ces veuves qui n'ont pas de carrière complète est importante. Donc leur pension de reversion passera de 54% à 75%. Mais je voudrais. Non, pardon. Je voudrais aussi parler du handicap. Parce que c'est important. Oui. Vous allez, Nous avons aussi. Bah, c'est important de savoir ce que je vais faire avec cet argent. Pas de débat, en fait. Mais monsieur Quaternins, elle peut nous expliquer ce qu'elle va faire. Moi, pourquoi je demande aux Français de travailler plus? Bah oui. Je leur demande de travailler plus pour quelque vous chose. Pourriez leur demander pour qu'ils aient des meilleures retraites. Vous pourriez mieux partager, pour ils n'auraient pas besoin de travailler. Pardon, plus. Pardon. Ils travaillent déjà beaucoup, les Français, madame Pécresse. Et ils produisent. Je beaucoup. Voudrais aussi que. Parce qu'il y a des Français qui ont des enfants handicapés. Et qui ont peur. Et qui ont peur parce qu'ils se disent qu'ils vont partir avant leur enfant handicapé. Eh bien, moi, je souhaite que ces Français, on les rassure. S'ils n'ont pas de bien, pas d'héritage, eh bien, leur enfant, grâce à ma réforme, il touchera toute sa vie, en plus de son allocation adulte handicapé, il touchera la pension de reversion de son dernier parent survivant. Et je le dis pour toutes les personnes en situation de handicap, je ferai une grande réforme sociale. Une grande réforme sociale qu'Emmanuel Macron n'a pas faite. Donc vous voyez, il y a beaucoup de différences entre Emmanuel Macron et moi. J'augmente les salaires de 10% et je fais une grande réforme sociale. Je déconjugaliserai l'allocation adulte handicapé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Français en situation de handicap... Vous éloignez un peu des retraites. Parce qu'il faut de l'argent pour faire tout ça. Il nous reste deux petites minutes. Je permettrai à tous les Français en situation de handicap de toucher l'allocation adulte handicapé. Et même s'ils se mettent en couple, on ne prendra pas en compte les revenus de leur conjoint ou de leur compagnon. C'est très important parce que sinon, certains ont cette injustice de perdre cette allocation. Sur ce point, je vous rejoins. Et bien voilà. Et vous voyez à quoi sert mon argent. Ma réforme, elle sert à apporter des réformes sociales. S'il vous plaît, Adrien Quatennens, votre réponse en deux mots, parce que c'est vrai qu'on a fait, on a explosé le temps. Encore une fois, vous dites travailler plus, c'est la seule solution. Moi, je vous dis que non, c'est votre refus de partager. Madame Pécresse, vous ne m'avez pas répondu. Mais on est à combien de taux d'impôt? Laissez-moi là développer mon argument. Je vous explique qu'un salarié aujourd'hui produit 3 fois plus qu'il y a 50 ans. La productivité a beaucoup augmenté. Les salariés de ce pays qui m'entendent n'ont pas vu en proportion ni leur salaire augmenter, ni le temps de travail diminuer. Avant, on diminuait le temps de travail à mesure que la productivité augmentait. On a diminué le temps de travail dans la semaine. On a diminué l'âge de départ à la retraite. Et on essaie même d'améliorer le niveau de vie des gens. Vous, ce que vous proposez, c'est un retour en arrière en faisant travailler les Français plus longtemps. Madame Pécresse. Moi, ce que je veux, c'est augmenter les salaires et faire un vrai pacte pour garantir aux retraités et aux jeunes générations des retraites. Un dernier mot, Adrien Quatennens. 71% des Français veulent qu'on rétablisse la retraite à 60 ans. Monsieur Macron a présenté son projet, c'est le même que vous, j'en suis d'accord, il vous a en effet piqué votre programme, et lui, il veut que ce soit 65 ans, comme vous. C'est rejeté par une majorité de Français. Il y a, en quelque sorte, si nous parvenons à chasser l'extrême droite dès le premier tour, dans les urnes, avec le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon, on aura aussi, dans cette élection présidentielle, un référendum social. Ça, c'est le gros truc en ce moment de la France insoumise. Est-ce que c'est 65 ans avec Monsieur Macron ou Madame Pécresse, ou est-ce que c'est 60 ans? Et quand Madame Pécresse dit... Est-ce que c'est la faillite, ou est-ce que c'est un vrai pacte social refondé? Mais si, bien sûr que oui. Mais attendez, monsieur Hanouna, moi je voudrais répondre à monsieur Quaternins. Non, mais parce que... En 10 ans, Madame Pécresse, ces 10 dernières années, écoutez ça. Laissez-le finir, après vous finirez, parce qu'on est... Je vous ai laissé parler, Madame Pécresse, ces 10 dernières années, les dividendes versés aux actionnaires ont progressé de 70%. Dans la même période, les salaires, eux, n'ont augmenté qu'en moyenne que de 10% et l'investissement productif a reculé. Ce que je vous dis depuis tout à l'heure, et vous êtes une femme intelligente, vous le savez, c'est que ce pays produit déjà beaucoup de richesses, que les travailleurs de ce pays sont très productifs, sauf que la valeur qu'ils produisent est très mal partagée. Et diminuer le temps de travail ou augmenter les salaires, c'est deux manières de faire une même chose partagée. Madame Pécresse ment quand elle dit qu'elle va augmenter les salaires. Que fait-elle? Elle dit « j'augmente votre net » en baissant vos cotisations. Mais Madame Pécresse, le salaire brut tout entier est la propriété des salariés. Et vous savez très bien que et l'État le prendra la sécurité sociale, d'ailleurs,
c'est de moins en moins compensé. C'est vous qui faites les trous et après qui appelez les Français à travailler plus longtemps pour combler les trous. Madame Pécresse, c'est là où vous êtes coincée. C'est que vous savez qu'on produit suffisamment de richesses. Et ce que vous ne voulez pas faire, c'est mieux partager. Eh bien, les Français ont l'occasion, dans quelques jours, de faire un choix qui permet en effet d'avoir la retraite à 60 ans comme ils le souhaitent, parce que c'est simplement rendre leur dû aux travailleurs qui bossent déjà dur dans ce pays. Surtout quand il y a bon, de tels écarts. Merci Adrien Quatennens. Moi, j'espère simplement que les Français qui nous entendent comprennent que si je leur dis des choses qui ne sont pas populaires, si je leur dis des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre, parce que évidemment, voilà, c'est tellement facile. Non, c'est pas tellement facile de te promettre qu'on travaillera 32 heures, qu'on partira à la retraite à 60 ans et qu'on pourra gagner plus d'argent. C'est-à-dire et que ça, c'est plus inventif que vous qui passez votre temps à dire qu'on va baisser les impôts. Ça, c'est le programme de Monsieur Mélenchon. Mais franchement, ne votez pas pour ça. 250 milliards d'euros à trouver, mais ils ne les auront pas. Y ont intérêt. Ils ne les auront Madame pas. Pécresse, c'est un vote pour rien. C'est un vote pour rien. La vérité, c'est qu'il faut aujourd'hui voter pour ceux qui ont le courage. 92% des Français. C'est bon, merci. Arrêtez de parler les uns sur les autres. Merci Adrien. Il faut dire la vérité aux Français. Et moi, j'ai ce courage, Monsieur Quatennens. Merci. Je veux sauver les retraites. Allez, merci. On va accueillir maintenant. Merci Adrien Quatennens, merci encore. On va accueillir Nadine Morano. Merci Nadine Morano d'être là, ancienne ministre et eurodéputée. Nadine Morano. Nadine Morano qui a une petite cote dans le public, hein, je le vois. Hein, franchement. Ah, c'est ça. On a l'impression d'être aux chiffres et lettres quand ils ont retrouvé un bon compte, là. Non, mais c'est la famille. Je sais, Nathalie Morano. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Alors, Cédric, merci d'être là parce que, franchement, vous êtes venu au dernier moment. Oui, c'est vrai. Vous êtes un petit peu l'invité surprise. Oui, exactement. Ben, très bien. Alors, Nathalie Morano, vous avez dit sur Valérie Pécresse, on n'a jamais été les meilleurs amis du monde, mais Valérie Pécresse est la meilleure candidate pour la France. Et Valérie Pécresse a dit, s'il y avait eu un prix du courage politique, elle l'aurait. Donc, il y a du respect entre vous. C'est vrai que vous avez dit que... J'ai pas donné un César, hein, j'ai rien donné. Nadine Morano, est-ce que vous soutenez Valérie Pécresse? Bien sûr. Ben, vous avez lu la phrase que j'ai dite. Oui. Donc si je suis là, c'est parce que j'apporte mon soutien total à Valérie Pécresse. Non, parce que vous, oui, mais Nicolas Sarkozy, on l'a pas entendu apporter son soutien mais à Valérie moi, Pécresse. Moi, je vous invite à regarder l'excellente émission d'M6 chez votre consoeur Karine Lemarchand. Je regarde jamais ça. Ben, vous avez tort. Merci. Parce qu'il y avait un portrait des candidats, oui. Des candidates, pardon, oui. Pour mieux les connaître dans leur intimité. Et à cette occasion, Nicolas Sarkozy a apporté son témoignage sur ce qu'il pense de Valérie Pécresse. Mais moi aussi, j'ai apporté mon témoignage à des gens il y a 10 ans. Mais là, est-ce qu'il a apporté son soutien? Non, c'est il y a quelques semaines. Non, mais il n'a pas apporté son soutien à Valérie Pécresse. Il y a quelques semaines, il a parlé en des termes élogieux de celle qui a été sa ministre. Ça n'a rien à voir de parler en des termes élogieux. De sa solidité et de son efficacité. Bien sûr. Mais oui, mais voilà. Mais oui. Bah pour moi, moi aussi, je il y a des gens que j'aime beaucoup, mais que ça vaut une forme de soutien. Non, non. Et puis, j'ajoute que c'est dommage, vous n'étiez pas là quand il est venu lui remettre la Légion d'honneur. Lorsqu'il est venu lui remettre cette décoration, il a fait un discours, je pense, plus qu'élogieux. Pourquoi il va soutenir Emmanuel Macron, alors, peut-être c'est ce qu'on se dit. Monsieur Hanouna... Non, il faut dire les choses, Nadine Morano, on n'est pas là pour se mentir. Toutes les deux, nous connaissons très très bien Nicolas Sarkozy, nous avons eu l'honneur d'être dans son gouvernement. Oui. Ensemble. Dans son gouvernement et ensemble. Toutes les deux. Nous avons été élus toutes les deux en 2002 à l'Assemblée nationale. Et donc, je connais Valérie depuis l'Assemblée, donc lorsqu'elle était parlementaire. Elle est devenue ensuite ministre, comme je l'ai été. Nous avons travaillé ensemble. Je connais son courage et surtout son efficacité, son pragmatisme. Alors, on a eu des différends. Hein. Vous savez qu'on a eu des différends. On n'a pas été d'accord sur tout. On a eu des conflits en interne. Et ça a été public. Hein. Et je portais la même veste. Et vous voyez, je ne l'ai pas retournée. J'aurais pu lui dire la même chose. Très belle, d'ailleurs. Très belle. J'aurais pu lui dire la même chose de cette émission que j'avais dite quand j'étais passée sur Europe 1, parce que je ne voulais pas qu'elle parte de notre famille politique. Et je peux vous dire une chose, c'est que je suis très contente qu'elle soit revenue. Parce qu'elle a compris que l'unité de notre famille politique, c'était la seule possibilité pour nous de pouvoir l'emporter. Alors aujourd'hui, s'il y a une candidate qui peut battre Emmanuel Macron et qui se prend tous les coups dans la figure, c'est Valérie Pécresse. Parce qu'elle incarne cette droite républicaine avec un programme extrêmement solide, à la fois sur l'économie, sur les retraites. Écoutez, moi j'entendais ce qui se disait sur les retraites. Valérie pourrait vous dire que lorsque nous étions aux affaires,
Malgré la crise économique et financière, nous avons fait la réforme des retraites pour sauver notre régime par répartition. Parce que la réalité, c'est que si nous ne l'avions pas fait, aujourd'hui, on ne serait pas en situation de payer les retraites à tout le monde. Nous n'avons pas assez d'actifs pour le nombre de retraités qui sont aujourd'hui à la retraite. Il faut dire la vérité aux Français. Donc nous avons eu ce courage de le faire. Monsieur Macron, qui a présenté pendant 3 heures sa conférence de presse, nous explique qu'il n'a pas été en situation de mener à bien la réforme des retraites qu'il avait promise aux Français parce qu'il y a eu la crise du Covid. Si c'était vrai, il aurait présenté pendant son projet la même réforme des retraites. Or, quand il a présenté sa réforme, il dit « Non, mais je vais changer, je vais augmenter l'âge du départ à la retraite progressivement. » C'est-à-dire qu'il nous copie parce que sa réforme qu'il avait présentée aux Français, qu'il n'a pas été fichu de mettre en œuvre, c'était une usine à gaz qui n'aurait pas fonctionné et que les Français ne voulaient pas. Donc la réforme des retraites, vous l'avez faite sous Nicolas Sarkozy ? Bien sûr. Et à chaque fois, la droite a fait la réforme des retraites. Et là, Emmanuel Macron, vous dites qu'il a... Il ne l'a pas faite, il a eu 5 ans pour la faire. Pardon ? Maintenant il revient sur sa réforme des retraites, il essaie de faire un peu... Il en fera une autre. Oui, c'est ça. Il dit, j'en ferai une autre, mais il n'aura pas l'occasion d'en faire, parce que j'espère que les Français qui nous écoutent... Vous y croyez vraiment ? Moi, je vais vous dire, j'y crois vraiment. Parce que vous aviez fait la campagne avec Nicolas Sarkozy, je me rappelle, vous étiez toutes les deux très présentes. Ouais. Franchement, il avait une équipe d'ailleurs, vraiment, qui était derrière lui. Et nous sommes, mais avec Valérie Pécresse, il y a une équipe solide aussi. Hein. Oui, ouais, mais on les voit moins. On les voit moins. Ah, oui. Ciotti était sur TF1 il y a quelques jours. Xavier Bertrand, Michel Barnier. Plus de 200 parlementaires. Oui, mais je sais, mais c'est vrai que, je vous le dis, à l'époque, en 2007... Des présidents de région. Nicolas Sarkozy, on sentait vraiment une équipe derrière lui. Et non, je me rappelle, vous étiez sur... En 2012, il n'y avait plus grand monde. Hein. On y était avec Nadine, il y avait sur pratiquement personne. Mais aujourd'hui, est-ce que, justement, parce que c'est important que vous soyez là, Nadine, aujourd'hui, est-ce que les gens de votre camp n'attendent pas un mot de Nicolas Sarkozy, que Nicolas Sarkozy dise clairement ou je soutiens Valérie Pécresse, ou bien on entend énormément de rumeurs disant qu'il va soutenir Emmanuel Macron? Écoutez, arrêtez avec les rumeurs. Personne n'est le porte-parole de Nicolas Sarkozy. Oui, mais si, personne ne le fait qu'il parler. Le fait qu'il ne dise rien, c'est pas bon pour Valérie Pécresse. Vous savez qu'en 2017, il a soutenu François Fillon la dernière semaine. Oui. Donc là, on est à 19 jours. Oui, bah oui. Mais laissez Nicolas Sarkozy. D'abord, non, mais. Ah oui, parce que si c'est pour le faire le 11 avril, c'est pas la peine. Non, pardon, mais. Non, mais. Je pense que Nicolas Sarkozy, vous savez, d'abord, c'est un homme de conviction. Oui, mais il a un statut particulier. Il est l'ancien chef de l'État. Justement, c'est important. Nous sommes dans une période très difficile avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui lui donne dans son statut un statut en plus qui est différent, puisque... Nous sommes dans une démocratie. Dans une démocratie, moi, je ne suis pas choquée quand le président de la République actuelle consulte l'ancien président de la République pour avoir son opinion sur ces sujets. Bien sûr. Je trouve que c'est le fondement même du respect démocratique et de la continuité de l'État. Et donc, pour l'instant, Nicolas Sarkozy, c'est notre président de cœur de notre famille politique. Et j'espère... Justement, c'est pour ça que son avis est important. Écoutez, son avis est important. S'il avait à choisir, je le dis, il est adhérent de notre famille politique à jour de cotisation. S'il doit choisir entre le programme de Valérie Pécresse, qui est dans la continuité de ce qu'il a fait, Et celui d'Emmanuel Macron. Celui d'Emmanuel Macron. Mais franchement. Mais pourquoi il ne le dit pas alors? Mais Emmanuel Macron, enfin, honnêtement. Mais pourquoi il ne le dit pas? Non mais, excusez-moi. Mais Emmanuel Macron, vous savez, à Hollywood, il serait très bien. C'est un expliqueur en fait. C'est l'homme de Netflix. C'est l'épisode 1, épisode 2. C'est photos noir et blanc, hyper sexy, hyper. Il vous plaît. Mais moi, ce que je veux. Vous savez, moi, je suis mère de famille et je suis grand-mère aussi. Ah ben, voilà. Et je sais que nous avons la responsabilité pour 5 ans de porter un programme pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Parce que, vous savez, gouverner, ce n'est pas gouverner que pour 5 ans et à court terme. C'est gouverner pour un long terme, pour les générations futures. On parlait des retraites, on parle des impôts. On parle de l'école, Valérie a parlé des personnes handicapées, on parle de la dette, quand elle met dans son programme qu'elle veut mettre en place la règle d'or budgétaire, parce que sa qualité aussi, je suis désolée, mais
Valérie Pécresse, elle a été élue présidente de la plus grande région d'Europe. Oui. Non, c'est vrai. D'Europe. Ben, je sais, je connais un peu l'Europe. Bien. Elle a été élue présidente de la plus grande région d'Europe. Et surtout, vous savez, monsieur Hanouna. Oui, madame Morano. Elle a été réélue. Oui, c'est vrai. Réélue. Donc, quand vous êtes réélue, c'est que les gens pour qui vous avez travaillé vous donnent à nouveau leur confiance. Et donc, moi, je considère que la manière dont elle a géré cette région Île-de-France est une preuve de sa capacité à être une excellente gestionnaire et à porter une vision pour la région. Et donc, moi, je voudrais que cette vision qu'elle a, cette force qu'elle a, cette pugnacité qu'elle a, parce que c'est pas facile, hein, d'être candidate à l'élection présidentielle. Vous auriez pu le faire, vous ? Je me sentais pas en situation. Ouais. Non. D'accord. Voilà. Donc, moi, je lui reconnais ce courage. Et c'est pour ça qu'on doit tous être derrière elle, parce que c'est trop facile de se dire, tiens, si on pouvait jouer la défaite, ça, je supporte plus, là. Ah oui. Ça me tue, ça m'énerve. Vous y croyez encore, alors ? Ah, moi, j'y crois, mais plus que jamais. Arrêtez. Non, mais moi, je me fous des sondages. Non, mais moi, je ne parle pas de Valérie Pécresse, c'est autre chose. Non, aujourd'hui, il y a une Cyril, petite... ça vous dérange qu'elle y croit? Non, mais je me fous des sondages. Moi, j'y crois pas. Non, mais je peux aujourd'hui, pas comprendre aujourd'hui, que les Français... Il y a une musique qui dit... C'est fait, Emmanuel Macron sera président. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors d'abord, moi, je voudrais revenir sur deux choses qui sont très importantes qu'a dit Nadine. Parce que, et c'est aussi ce qu'a dit Quatennens. C'est très important. La réforme des retraites. C'est vrai que dans le programme de Macron, il y a un peu de recopiage. Un peu, très peu. Hein, parce que sur la sécurité, il n'y a rien. Sur l'islamisme, il n'y a rien. Sur l'immigration, il n'y a rien. Sur le travail et la revalorisation des salaires, il n'y a rien. Mais je reconnais qu'il a repris la réforme des retraites. D'ailleurs... débauchage, recopiage, c'est un peu sa stratégie. Mais pourquoi il ne va pas le faire ? Pourquoi il ne va pas le faire ? Mais parce que pour le faire, il faut du courage. Nous, on a fait, avec Nadine, quand on était au gouvernement, des réformes très courageuses. Moi, par exemple, j'ai fait la réforme des universités. Pendant 9 mois, il a fallu tenir pour faire l'autonomie des universités contre des manifestants gauchistes, les amis de M. Quatennens et de M. Roussel, qui ne voulaient pas de l'autonomie des universités. Aujourd'hui, tout le monde est très heureux. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Il faut se méfier des réformes où on dit « les Français n'en veulent pas ». Ben, l'autonomie des universités, il y avait beaucoup de manifs, il y a eu beaucoup de manifs, 9 mois de manifs. Et tout le monde m'a dit « oh là là, c'est terrible, vous êtes en train de détruire l'université française ». Et ben aujourd'hui, grâce à cette réforme, aujourd'hui, on a des universités dans les 10 premières. Donc je vous le dis... Pourquoi Emmanuel Macron ne fera pas la réforme des retraites ? Et parce qu'il cède à la rue. Il cède à la rue. Regardez ce qui se passe en Corse. En Corse, pendant 5 ans, il a méprisé la Corse, les Corses, les territoires. Là, il y a des mouvements en Corse. Pouf ! L'autonomie. Donc, il cède à la rue. Pour faire la réforme des retraites, il va falloir beaucoup de courage. Vous avez vu que M. Roussel et M. Quatennens, ils sont déjà en train de préparer leurs arguments. Il faudra beaucoup de courage. Mais il faudra le faire pour sauver les retraites. Oui. Et pour garantir aux jeunes générations que quand ils partiront à la retraite, eh ben, ils pourront financer leur grand âge. Et ce sera très important. Est-ce que vous croyez que les Français veulent à nouveau un bis repetita ? C'est-à-dire revivre Macron, Le Pen, dont la nièce de Marine Le Pen ne croit pas en sa victoire. Qui va le battre alors, Emmanuel Macron ? Je suis désolée, il n'y a que Valérie Pécresse qui peut le battre. C'est pour ça que moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait de dispersion des voix de la droite, vous voyez. Et Éric Zemmour est mon ami. Je le dis et je le réaffirme ici. Sauf que ce qu'il propose ne sont pas des bonnes solutions. Même sur la question migratoire, ce n'est pas une bonne solution. Son ministère de la rémigration, je suis désolée, ce qu'il faut, c'est un service public de la reconduite au sein d'un ministère de l'immigration. Parce que l'immigration zéro, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, la France est ouverte à tous les vents. Et là, on aurait une France qui est fermée à tout le monde. Non, mais est-ce qu'on a envie de ça ? Non. Non. Donc, moi, je dis à tous ceux qui se sentent de droite... qui ont envie d'une vraie politique ferme sur le régalien, efficace sur l'économie, et qui permette une bonne gestion des deniers publics, c'est le programme porté par Valérie Pécresse et par toute l'équipe qui l'entoure. Alors, c'est un beau message de Nadine Morano. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un soutien de Nicolas Sarkozy dans les prochains jours pourrait avoir une petite impulsion ? Valérie ? Mais vous savez, aujourd'hui, moi j'étais très fière d'être ministre avec Nadine de Nicolas Sarkozy et il m'a beaucoup appris. Mais aujourd'hui, ce que je crois, c'est que les Français, ils veulent un ou une présidente de la République.
Et donc, ils veulent juste savoir ce que j'ai dans mes tripes, ce que j'ai dans le cœur. Et pourquoi je leur dis les choses, pourquoi je leur dis courageusement un certain nombre de choses. Et est-ce que je vais le faire? Et Nadine l'a très bien dit. La différence entre Macron et moi, elle est aussi, pardon, dans le tempérament. Emmanuel Macron, c'est un beau parleur. Ça, c'est vrai. C'est un beau parleur. Church, hein. C'est beaucoup, beaucoup de belles paroles. Il a fait toutes les promesses aux Français. Et il va continuer. Mais qu'est-ce qu'il a fait au fond? Et est-ce que la France va mieux aujourd'hui qu'il y a 5 ans? Moi, ma région, elle va mieux aujourd'hui qu'avant que j'ai été. Valérie Pécresse. Et je l'ai fait. C'est une question. Tout ce que je dis, je le fais. C'est une question importante. Pour les Français. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy va soutenir Valérie Pécresse? Moi, non, je sais qu'une seule chose, c'est que j'entends, je défends le programme. J'entends les je défends de Valérie Pécresse dans le public qui disent on s'en fout, on ne s'en fout pas. Monsieur Hanouna, désolé. Non, si la dans vraie une question... semaine, on entend que Nicolas Sarkozy apporte son soutien à Emmanuel Macron, ce serait une catastrophe pour vous. Arrêtez. Mais franchement. Bah oui, arrêtez de broyer le poisson. Non, mais pardon. Mais tout le monde le sait. Arrêtez. Arrêtez de se mentir. Arrêtez de faire des plans sur la comète. Ah ben, on verra. Alors vous reviendrez ici. Monsieur Hanouna, moi j'ai une seule conviction. Vous réagir. Monsieur Hanouna. Vous reviendrez. On en reparlera. Monsieur Hanouna. Moi, j'ai une seule conviction, c'est que je pense que Nicolas Sarkozy trahira jamais sa famille politique. Parce d'accord. que c'est sa donc famille politique. Alors, moi, j'ai une conviction. Non, mais s'il vous plaît. Je vais y aller, Moi, j'ai une conviction, c'est qu'en ne disant rien, il trahit sa famille politique. Je vous le dis. C'est tout. Si on ne dit rien, c'est qu'on ne soutient pas. On ne va pas se mentir, c'est vrai. C'est pas tout à fait pareil. Ah, bah si. Ah bah non, si. Parce qu'il est, il a quitté la politique, non, il est en dehors. Non, arrêtez, c'est bon. Non, mais c'est vrai. En tout cas, moi, je suis une femme qui trace sa route. Bah, très bien, bah, bravo, vous avez bien raison. Merci Nadine d'être venue. Merci à vous. Alors, vous reviendrez, j'espère. Oui. Allez, on va accueillir Florence Portelli, maire de Taverny, dans le 95, dans le Val-d'Oise, amie de Valérie Pécresse. On est très content d'avoir Florence avec nous ce soir. Et là, on aimerait aborder avec Florence, c'est ce que je le dis depuis le début, Valérie Pécresse, dès qu'on rencontre quelqu'un, il nous dit que Valérie Pécresse est une bosseuse exceptionnelle, qu'elle travaille énormément, qu'elle est très sympathique dans la vie, voilà, qu'elle est... Non mais c'est vrai, tout le monde nous dit ça, et les téléspectateurs veulent en savoir plus sur Valérie Pécresse. Je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on connaît très bien les autres candidats, pour la plupart. Qui est Valérie Pécresse? Florence Portelli, vous êtes donc maire de Taverny, hein, dans le Val-d'Oise, vous la connaissez depuis plus de 10 ans, et ouais, elle est devenue, vous êtes devenue comme une petite sœur pour Valérie Pécresse. Bah oui, puis en plus on est deux blondes, hein, ça oui, se voit. Vous êtes très jolies toutes les deux. Il n'y a pas un concours de blondes, hein, parce que comme il y a Nadine aussi, c'est pour être chez Valérie. Nadine est partie, elle avait un petit rendez-vous à la fin. Mais en tous les cas, je vous dis ça parce que, blague à part, en fait, régulièrement sur les marchés, dans les gares, c'est arrivé qu'on croit que je sois Valérie Pécresse. Et c'était un peu comme Mélenchon, et vous savez, son hologramme. Oui. C'est vachement pratique, en fait. Ah ben ça, ben vous pouvez le faire. Elle est partout, Valérie Pécresse. Ah oui. Elle est super. D'ailleurs, demain, elle sera sur France 2, en plus, Valérie Pécresse aussi. Dans, voilà. Bah, elle sera sur France 2, elle sera à Taverny, elle sera partout. Elle sera partout. Non, en fait, il y a un petit air de ressemblance. C'est vrai que ça nous a beaucoup amusés. Et en dehors de ça, on a quelques points communs. On a des papas professeurs, avec le poids parfois que c'est, parce qu'on va être digne du papa, de la maman aussi, le côté aussi méditerranéen, parce que vous ne savez peut-être pas, mais on est deux méditerranéennes. Oui. Ah oui? Ouais. Alors, ça a des conséquences, parce que, par exemple, moi, je ne saute jamais un repas. Le repas, c'est sacré, la famille, c'est sacré. Et pour Valérie, c'est pareil. Et ce qu'elle vous dit peut-être pas non plus, c'est que elle rechigne pas sur un petit verre de vin rouge, hein, parce que dans la famille Pécresse, eh ben, il y a le goût du vin. Je suis désolée, je balance un peu. Non, mais c'est... Alors, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, il y a du vin dans son mug. Non, je rigole, bien entendu. Non, c'est de l'eau, bien entendu. Non, mais mes beaux-parents sont viticulteurs, en fait. Ah oui. Ils font du canon Pécresse, en fait. Ouais. Et t'as un frère. Hein. Et mon frère aussi. Chez toi. Chez moi, voilà. Chez Florence. Elle a aussi. Qui est marchand de vin, pardon. Oenologue. Voilà. Donc, et d'ailleurs, quand on a été pendant les primaires en Alsace, ils ont dû sentir qu'il y avait un truc. Ils nous ont fait vendanger un petit peu. Avant qu'on aille manger une choucroute. Donc voilà, il y a des. C'est une bonne vivante. C'est ça. Ouais. Valérie Pécresse, c'est quoi? C'est une confidente pour vous? Vous lui dites? Alors c'est une source d'admiration déjà, parce que parfois quand on aime quelqu'un, moi j'ai besoin d'admirer. Bien sûr. Ouais. Et admirer, c'est pas une question de diplôme, hein. C'est une question d'humanité. Si c'était une peau de vache, je serais pas avec elle. Voilà, pour parler franchement. Vous aimez son abnégation à Valérie Pécresse? Non, ce que j'aime, c'est son empathie. Ah d'accord, ouais. Elle m'a beaucoup émue. Elle avait été voir une pièce de théâtre d'une femme qui était SDF, Elina Dumont. Et ça a été une gifle, en fait, cette pièce, parce que bah, ça t'a bouleversée. Elina Dumont qui nous suit d'ailleurs ce soir.
Et c'était de la rue à la Seine, ouais. C'est ça. C'était son autobiographie. Et elles sont devenues proches. Parce qu'en fait, elle est même rentrée à la région, elle a dit, bon, c'est sympa, hein, tous les rapports que j'ai sur les femmes à la rue, mais moi, j'en connais une vraie. Elle m'a remué les tripes et on va tout changer. On va l'écouter et c'est elle qu'on va faire venir. Et Valérie, elle est comme ça. Parce qu'en fait, sous ses airs sages, oui. Elle écoute beaucoup. D'ailleurs, une fois, je me suis fait avoir comme ça. On était dans le train, elle était à moitié endormie. J'ai commencé à raconter ma vie. Et puis, en fait, elle me l'a ressorti à une remise de décoration. Oui. Donc, en fait, elle s'intéresse vraiment aux gens. Oui, parce qu'elle a fait le coup de Cendrillon à son mec. Ah oui, c'est-à-dire ? Racontez-moi. Un jour, elle était dans une... Elle adore la culture. Florence, elle adore la culture. Et on échange sur les concerts qu'il faut aller voir, sur les films qu'il faut voir. Puis comme on a toutes les deux des filles, on a un rapport mère-fille assez... assez fort. Assez méditerranéen. Assez méditerranéen. Donc, on échange beaucoup sur ces sujets. Et effectivement, un jour, elle me dit, en fait, je suis tombée dans les bras. J'ai perdu ma chaussure. Comme Cendrillon. Ouais. Et alors, et ensuite, elle m'a dit, mais comme j'étais déjà dans la campagne en train de parler politique, je lui ai parlé politique pendant tout le temps. Et je lui ai dit, j'étais la seule fille qui drague, un artiste. En lui parlant politique. Voilà, mais c'est Florence, elle est à fond. Vous êtes toujours avec la personne ? Oui, il n'est pas parti. C'est très bien. Sympa. C'est déjà ça. Courageux. Hein. Et vous achetez des chaussures depuis ? Oui, bah, ce matin d'ailleurs. Ah bah oui, bah, ouais. Sans rire. Parce que c'est mon anniversaire, du coup, il m'a offert. C'est votre anniversaire, bon anniversaire. Mais j'étais la première à la lui souhaiter, j'y tenais parce que, comme elle a accepté de venir ce soir, elle a sacrifié sa soirée d'anniversaire pour venir ce soir. Donc ce matin, à 8h du matin, je me suis dit, je vais être la première à lui souhaiter son anniversaire. Donc j'ai réussi. Tout à fait. Florence, pourquoi elle s'offrait une bonne présidente, Valérie ? Ce que je vous disais, déjà l'empathie, aimer les gens, ça a l'air bête dit comme ça, mais moi j'ai pas l'impression qu'on a eu quelqu'un qui aimait beaucoup les gens pendant 5 ans, et les respecter aussi, parce que moi je trouve que les gens, ils se sentent parfois hyper abaissés. Moi je le vois dans ma ville, dans une ville de banlieue, où les gens ont parfois l'impression d'être des sous-citoyens, d'être frappés d'indignité, parce qu'ils entendent des phrases méprisantes. Et j'ai besoin d'une femme, certes, qui agit, qui fait, mais surtout qui a du cœur et qui respecte les gens. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et elle a ça dans les tripes. Et puis, peut-être aussi, une femme qui a dirigé une collectivité, parce que du coup, on a les mains dans le cambouis, on sait ce que c'est, on est à portée de baffe. Et puis, une maman, parce que je trouve que c'est un regard particulier et c'est intéressant. Bah, merci, Florent. Vous avez quelque chose à... Valérie, vous avez quelque chose à lui dire ce soir que vous ne lui avez jamais dit ? Parce que c'est comme votre petite sœur. À Florence ? Oui. Moi, je pense que Florence, elle ira très, très loin. Elle ira très, très loin. Et c'est une femme qui a un tempérament de folie et un cœur gros comme ça. Et moi, je pense que si elle continue son engagement en politique, elle ira très, très loin. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Florence Portelli, d'avoir été là. On va enchaîner en parlant... Ça va, Florence ? Alors... Ouais. Merci, c'est bon Florence, ça va, tout va bien. C'est vrai qu'il y avait un petit truc, parce que là, elle voulait aller très très loin, mais là, si elle tombe ici, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Merci en tout cas, Florence, d'avoir été là. Voilà. On va parler banlieue et sécurité avec un animateur radio sur Génération, un ancien détenu, Lamal et le Pistolero, qui vient souvent m'y voir et qui voulait être face à Valérie Pécresse ce soir. Bonsoir, mon Lamal. Bonsoir. Valérie Pécresse dit « Je suis une femme d'ordre, avec moi ce sera impunité zéro », ce que dit Lamal. Quand on n'a jamais été dans un quartier, on évite de parler car on ne sait pas ce qui s'y passe. Merci Lamal d'être avec nous. On va parler banlieue et sécurité. C'est important pour moi que Valérie Pécresse soit en face de vous ce soir. Vous êtes un ancien détenu, vous êtes maintenant animateur radio, vous avez une reconversion incroyable. C'est vrai que ce soir, on parlait de la deuxième chance tout à l'heure, ensemble, et c'est vrai que Lamal, il a purgé sa peine et aujourd'hui il vit de sa passion, il vit son rêve, voilà, et donc aujourd'hui, il avait envie de vous parler aussi de ces banlieues qu'on stigmatise souvent. Bonsoir, Lamal, allez-y. Bonsoir. 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 Déjà, moi, ce qui me fascine c'est chez les politiques, c'est qu'ils ont une faculté à parler des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est ce que je disais, en fait, sur cette phrase. Parce que ce qui me marque, c'est que vous parlez des quartiers et des banlieues, mais je doute réellement votre implication dans les quartiers. Est-ce que vous ne me connaissez pas ? Est-ce que vous y allez constamment ?
Bah écoutez, moi je sais que vous avez grandi dans les Tourmarons de La Haye-les-Roses. Mmh. Et je sais que vous étiez un petit peu plus jeune que le nouveau maire aujourd'hui de La Haye-les-Roses, Vincent Jeanbrun, qui est un de mes très très proches et qui m'emmène avec lui dans les quartiers de La Haye-les-Roses. Florence Portelli, vous voyez, elle est élue de Taverny. Et quand j'étais jeune députée, j'étais députée des Yvelines, elle m'a emmenée prendre le thé chez les mamans de son quartier populaire pour justement discuter avec elle, égalité des chances, comment est-ce qu'on aide leurs enfants à réussir à l'école, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on implique les mamans dans l'éducation des enfants, comment on fait de l'aide à la parentalité. Othman, qui est derrière vous, Othman Nasrou, moi je l'ai repéré un jour, alors il manifestait contre moi. Excusez-moi. Bon, il vous racontera. Non mais il est de Trappes, il est de Trappes. Et il m'emmène à Trappes. Boire le thé. Mais je ne vais pas seulement... Je vais pas mettre un pied dans les quartiers. Mais attendez. C'est comme si moi je vais à l'Assemblée nationale et je dis eh bah, je peux prendre la buvette. Et installer. Non, aujourd'hui Cyril il m'a invité pour parler de banlieue, il sait très bien qu'il ne m'a pas invité pour parler politique parce que ce n'est pas un sujet que donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que j'y habite pour pouvoir en parler, sinon je n'ai pas le droit? Pas du tout. Bah si, pas un du peu tout. Quand même. Ce que je dis c'est qu'en fait, vous dites par exemple il faut ressortir les Karchers, il n'y a plus de droit à une deuxième chance, je ne sais pas. Ah non, je n'ai pas dit ça. Bah, droit à une deuxième chance. Mettre une peine plancher, c'est quoi? Bah, mettre une peine plancher, c'est mettre une peine automatique. Effectivement, quand on est multirécidiviste, bah, il y a un moment, il faut que ça s'arrête la violence quand même. D'accord. Parce que les habitants des quartiers, moi je les vois, moi je les rencontre. Mmh. Vous savez, j'ai pris une décision quand même, vous dites les quartiers. J'ai pris une décision. Le siège de la région, Île-de-France, ma région, vous savez où il était avant? Il était en face de l'hôtel de Matignon, en face de là où est le Premier ministre. D'accord. Moi j'ai déménagé tout le monde, hein. J'ai déménagé 3000 personnes. Vous habitez dans les quartiers maintenant? À Saint-Ouen, on est à Saint-Ouen, on est à 300 mètres d'un quartier qui s'appelle un quartier de reconquête républicaine, c'est-à-dire en réalité bah, un quartier de deal, de fourgue, bon, et un quartier dans lequel il y a de la violence et où on a aussi des personnes qui meurent chaque année, des victimes de ces trafics, parce que dans les trafics, bah, y a des guerres de gangs et on le sait. Donc pourquoi j'ai reçu les mamans combattantes pourquoi banlieue et tout de suite qui se mobilisent. Pourquoi banlieue et tout de suite? Ah non, j'ai pas dit banlieue et tout de suite. Bah, vous me parlez du deal là tout de suite. Je suis installée à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, avec toute la région. Pourquoi? Parce que j'ai voulu pas des gens qui sont là, qui soutiennent, qui sont ensemble, unis dans tous les quartiers. C'est comme ça. Eh ben c'est pour ça. Certes, il y a du deal. Vous savez. Moi, ce que je dis souvent, c'est que dans les banlieues, c'est comme la politique. Il y a des bons et des mauvais, en fait. Mais bien sûr. Et c'est partout. Mais bien sûr. Et c'est la même chose, sauf que dans les quartiers, il y a plus de bons que dans la politique. Vraiment, non, mais réellement. Parce que, en fait, non, c'est réel. Vous pouvez dire, oh, mais franchement, c'est réel, parce que nous, on a vraiment cette entraide, on a vraiment cette solidarité, on a vraiment un cœur, on veut vraiment donner sans attendre en retour. Et le problème de la politique, c'est vraiment... On a l'impression vraiment que tout est calculé. Qu'est-ce que vous avez fait pour les quartiers? Eh bien, écoutez, moi, aujourd'hui, c'est ce que je trouve ça fou, c'est le fait de mettre la région, ça vous parle pas, en Seine-Saint-Denis, c'est quand même dire que je les respecte. Ça veut dire que je les aime, ça veut dire que je veux être au milieu des quartiers les plus populaires. Je veux qu'ils soient fiers, que le siège de la région, ce soit plus dans Paris, que ce soit avec eux. Qu'est-ce que j'ai fait pour les quartiers? J'ai une politique aujourd'hui pour rénover les quartiers. On a mis 250 millions d'euros sur la rénovation urbaine. Qu'est-ce qu'on fait? On amène des commerces, on amène des espaces verts, on reconstruit. Moi, j'ai un plan, je veux qu'en 10 ans, tous les grands ensembles, on puisse les transformer en vrais quartiers de ville. En vrais quartiers de ville, avec des espaces verts. En vrais quartiers de ville, avec des services publics. Parce que malheureusement, bah on le sait bien, dans les quartiers populaires, il y a des déserts médicaux. Dans les quartiers populaires, il y a moins de commerce. Donc moi, je veux ça. Et je veux aussi faire un plan pour l'égalité des chances. Je vais vous donner un exemple très concret, parce que on parle, mais vous allez me dire, c'est pas assez concret. Moi, je me suis rendu compte, en allant dialoguer avec les jeunes, dans les quartiers populaires et dans les lycées des quartiers populaires, qu'il y avait des filles qui, parce qu'elles n'avaient pas les moyens, ne venaient pas en cours quand elles avaient leurs règles. Ben, elles ne venaient pas en cours parce qu'elles n'avaient pas de quoi se payer les protections périodiques nécessaires. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place, dans tous les lycées d'Île-de-France, des distributeurs gratuits de protections périodiques. C'est un exemple très concret de ce qu'on fait pour l'égalité des chances. Mais de la même façon, moi j'ai mis en place tout un système de bourses. Je veux 100 000 logements pour les étudiants. Je veux que
tous les jeunes de France aient la même chance de réussir dans la société française. Et je le fais, avec les jeunes des quartiers populaires, comme encore plus. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous me dites là ? Pourquoi ? Je suis en train de vous dire qu'est-ce que vous avez fait pour les banlieues, vous me parlez. Rénovation urbaine ? Rénovation urbaine ? Égalité des chances ? Non, mais. Égalité des chances concrète ? Non, concrètement. Situation concrète des filles ? Je vous parle de la vie quotidienne aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendiez comme réponse, Lamal ? Bah, j'attendais concrètement. En fait, entre la politique et la banlieue, il y a vraiment un fossé. Tout à l'heure, Cyril l'a très bien dit, c'est Macron et on ne sait pas qui y aura en face. On va prendre le moins pire, on va dire. Nous, en banlieue, pourquoi on n'est pas affilié avec la politique et on ne comprend rien en fait, de la politique ? Parce qu'il n'y a personne réellement qui nous représente. Il n'y a personne réellement. En fait, oui. Les politiques, généralement, ils parlent, mais ils ne font pas, ils n'agissent pas. Ils viennent dans nos quartiers quand c'est les élections. Ils viennent, ils font les beaux. Ah, moi, c'est pas le cas, moi, c'est tous les jours aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, on va vous mettre un City Stade. Vous aimez le foot ? On vous met un petit City Stade, il n'y a pas de problème. Hop, votez pour moi. 1000 équipements sportifs. Fini, moi, j'ai financé 1000 équipements sportifs pour lutter justement contre le fait qu'il n'y en avait pas dans les quartiers. Mmh. Sur les entrepreneurs des cités, j'ai demandé qu'il y ait vraiment une focale. Dans toutes les aides aux entreprises, à la création d'entreprises qu'on met, qui est une focale sur les quartiers populaires, parce qu'il y a une dynamique entrepreneuriale extrêmement forte dans les quartiers. Et j'ai demandé aussi qu'on aide les femmes des quartiers, parce qu'elles aussi, elles doivent être plus aidées. Donc, franchement, sur ces sujets de quartiers populaires, la région Île-de-France a mis 2 milliards d'euros pour faire en sorte que les habitants des quartiers se sentent considérés et respectés autant que les habitants des centres-villes. Quand vous dites et on a amené aussi la culture. Lamal, t'as dit un truc intéressant il y a un instant. Pour toi, c'est vrai qu'il n'y a pas un candidat qui parle au bon lieu. Politique ne va dans pas tous les avec... candidats, dans tous impossible. Les candidats, il n'y a personne. Parce qu'ils sont tous pareils, en fait. Toi, aujourd'hui, tu ne sais pas pour qui tu vas voter. Je suis en hésitation. Je ne sais pas. Peut-être que je vais voter blanc. D'accord, c'est ça. Ouais, je vais voter blanc. Non, mais réellement. Parce que... En vrai, sincèrement, des fois, quand j'entends des fois Mélenchon qui parle, je me dis « Ah, c'est pas mal !» Après, je vois, il fait une dinguerie, je dis « Bon, truc, je peux entendre des fois Valérie humainement, tout, je me suis dit « Bon, mais en fait, après, j'entends qu'il faut ressortir, par exemple, ressortir les Karchers. » Je me dis, mais qu'est-ce que... Mais c'est contre les voyous, c'est pour aider les habitants, parce que les habitants, ils ont droit à la sécurité aussi. Mais... Moi, j'habite en banlieue et j'habite dans un quartier. Et je vous garantis que tous les habitants... Non, je ne vais pas dire tous les habitants, ça serait mentir. La majorité des habitants, ils s'y plaisent, on les aide. Quand je dis, moi, je suis un jeune de quartier, j'ai traîné en bas des halls, etc. Pourquoi vous avez fait de la prison déjà, Lamal ? Pour trafic de stupéfiants. D'accord, ça se... Un très gros trafic de stupéfiants. Vous êtes resté incarcéré combien de temps ? 4 ans. 4 ans, d'accord. Voilà. Donc, en vrai, nous, on est là... Voilà. Trafic de stupéfiants, très bien. Trafic de stupéfiants, j'étais un dealer, mais ça ne fait pas de moi une personne qui n'aidait pas, une personne qui habitait dans le quartier. On lui aidait à porter ses courses, on faisait plein de choses, on lui tenait la porte, plein de choses comme ça, plein de petites choses qui peuvent paraître anodines et banales. Bah justement, on en parle. Les ascenseurs dans les HLM, moi j'ai mis en place un plan parce qu'aujourd'hui les HLM, les ascenseurs étaient cassés. J'ai mis en place. Mais c'est pas nous qui les cassons. Non, c'est pas vous. J'ai pas dit. J'ai pas du tout dit que vous les cassiez. J'ai dit que les quartiers étaient souvent abandonnés et que la région a dû venir pour aider à réparer les ascenseurs. Comme la politique abandonne la banlieue. Donc moi j'ai fait des choses. Comme la politique abandonne la banlieue. Et réellement, pourquoi je dis ça ? Parce que concrètement, dans tout ce que je vois, Cyril, tu le disais tout à l'heure, dans tous les candidats que je vois, quand j'écoute leur programme ou autre. Je ne vais pas trop parler de politique parce que je ne maîtrise pas ce sujet, donc je ne vais pas m'inventer de vie. Mais en vrai, quand je vois la majorité des politiques, soit c'est l'islam, soit c'est... en fait, ils ont tous un truc que ça ne nous parle pas. Il n'y a aucun... Donc ça va être... Donc, et quand si, je vous dis... Si je vous dis ce que vous dites, Lamal, c'est par élimination, c'est ou blanc ou le président ? Bah en vrai... J'aime bien Mélenchon quand même. Ah oui. J'aime bien Mélenchon, ouais. J'aime bien Mélenchon parce que... En fait, pourquoi j'aime bien Mélenchon ? Parce que j'ai l'impression, j'ai bien dit l'impression, mais ça reste un politique. Donc en vrai, j'ai pas confiance. Mais j'ai l'impression que lui va sur le terrain.
J'ai l'impression. Il n'a pas un euro hein, pour faire ses promesses. Pas un euro. Il promet tout à tout le monde. Je ne parle pas de son programme. Mais moi, j'y suis allé. Je parle de ce que je vois. J'ai des gros yeux. Je vois mieux que tout le monde en plus. Donc, quand je vois Mélenchon aller sur le terrain, parler, peut-être qu'après, c'est un très beau comédien et qu'il arrive à. Peut-être qu'il pourrait jouer dans une pièce de théâtre. Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand je le vois aller sur le terrain, je le vois. Tu vois, il parle avec ses tripes, il parle avec. J'ai l'impression. Lamal, moi, il y a un sujet. Puisqu'on parle de prison et de deuxième chance, moi, tout mon projet, il est basé sur l'école et l'égalité des chances. Tout mon projet. Moi, mon objectif, c'est de lutter contre les inégalités scolaires. On a l'école la plus inégalitaire. Et ça, c'est un vrai sujet, notamment pour les quartiers populaires. Mmh. Donc, moi, je mets les fondamentaux au cœur, le français, les maths. J'aide les jeunes qui décrochent. Je les appelle au téléphone. C'est ça que j'ai mis en place. J'appelle tous les jeunes décrocheurs pour les raccrocher, pour trouver une solution pour chaque jeune, pour qu'ils ne soient pas décrocheurs et qu'ils n'aillent pas tenir les murs ou se retrouver dans des réseaux. Je veux aujourd'hui qu'il y ait un soutien scolaire gratuit pour toutes les familles. Et je veux aussi que les régions fassent l'orientation des jeunes. Je mettrai en place un revenu jeune actif pour que les jeunes puissent aller dans les métiers qui recrutent et qu'on les forme à ces métiers qui recrutent parce que je veux qu'ils réussissent. Donc c'est au cœur de mon projet. Et puisque vous avez été en prison, ben, moi j'ai fait pour les prisons un plan de formation des détenus. Parce que quand je suis arrivée à la tête de la région, il n'y avait pas de vrai droit à la seconde chance. Il n'y avait pas de vrai droit à la seconde chance en prison parce que l'éducation nationale, elle n'avait pas les diplômes faits pour. Donc, on n'avait pas de vrai programme de réinsertion des détenus. Et moi, je voulais de la formation pour les jeunes détenus, pour qu'ils aient un droit à la deuxième chance. Parce que la réinsertion, c'est vous avez réussi votre réinsertion parce que vous êtes devenu célèbre. Mais pour une personne qui devient célèbre et qui se réinsère, combien il y a de jeunes qu'on n'arrive pas à sortir une fois la prison? C'est là où il faudrait insister sur les banlieues et justement pour les emplois, pour les inciter à trouver du travail. Parce que je vous dis la vérité, un Lamal, il y en a combien? Il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis la formation. Lamal, avant de te libérer, est-ce qu'aujourd'hui, en rencontrant Valérie Pécresse, tu peux changer d'avis? En fait, je ne pourrais pas changer d'avis sur les politiques. Parce que, comme je t'ai dit, c'est compliqué. Après, tu nous as dit que tu aimais bien Mélenchon. Est-ce que tu peux changer d'avis ou pas du tout? En vrai, j'ai rien vraiment contre Valérie Pécresse ou autre. Mais ce que j'entends, quand moi, je suis chez moi et que j'entends « faut ressortir les Karchers, faut faire ceci, faut faire cela ». Donc ça a été éliminatoire pour toi pour... Mais tout de suite. Je me dis, moi, je vis dans les banlieues. Donc elle me parle de Karcher. Je me dis, attends, je suis dans les banlieues, je suis une bonne personne. Mais j'habite en banlieue, parce que malheureusement, je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Ça peut arriver, j'habite juste en banlieue, c'est pas un truc de ouf. Mais ce que j'ai l'impression vraiment, c'est que les politiques, vos programmes ou autres, parlent à la France, mais une autre France. Alors que pour moi, chaque Français est important. Merci Lamal. Pour moi aussi, chaque Français est important, et c'est pour ça que je veux un plan sur 10 ans, pour qu'on refasse des quartiers, et des beaux quartiers. Moi je veux du beau, du bon. Et je veux de l'espoir partout en France, donc, y compris dans les quartiers populaires. Donc sur 10 ans, vous priez donc deux mandats, deux quinquennats. Pour construire et détruire des tours, des bars, et pour reconstruire des immeubles à taille humaine, pour remettre des espaces verts, pour remettre de l'emploi et de la réussite, il faut se projeter sur 10 ans. Lamal, une dernière chose après. Il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, entre la politique et la banlieue, il y a vraiment un fossé. Et ce qui serait bien aussi, si vous êtes élu, chose que je vous souhaite aussi quand même, parce que je souhaite le bien, je suis un mec de banlieue, mais je souhaite le bien pour les gens. Donc en vrai, ça serait de raccorder, comme dans une course de l'athlétisme un peu, un passage de témoin. Oui. Exactement. Donc en vrai, raccorder la politique avec la banlieue pour que la banlieue s'intéresse un peu plus à la politique, parce qu'il n'y a personne vraiment... Alors là où vous avez raison, Lamal, c'est qu'il faut aussi qu'on ait des élus qui ressemblent à la France. Oui, oui, oui. Et moi, j'ai vraiment voulu faire ça dans mes équipes régionales. J'ai voulu essayer de faire monter des jeunes de quartier populaire pour qu'ils puissent représenter vraiment la banlieue en politique. Merci Lamal, merci mon Lamal. Othmane Nasrou est avec nous, c'est le dernier invité de la soirée. Merci. Merci Lamal. Allez. Merci Othmane Nasrou d'être avec nous. Vice-président de la région Île-de-France, porte-parole de Valérie Pécresse. Othmane, on va finir l'émission avec vous. Othmane,
comment vous avez rencontré Valérie Pécresse? Vous savez, ça me fait quelque chose d'être là, Cyril, face à Valérie, parce que si on m'avait dit il y a 10 ans, quand je l'ai interpellée dans une conférence où elle était venue sur mon campus où j'étais étudiant, je lui ai posé une question. Elle m'a dit, vous viendrez me voir à la fin et puis on va voir ce qu'on peut faire. Et non seulement je l'ai vue, je l'ai rencontrée, je lui ai dit que j'avais envie de m'engager, elle m'a pris sous son aile. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'on parlait à l'instant de la jeunesse. Moi, elle a fait de moi, à 28 ans, vice-président de la première région d'Europe. Et il y a 10 ans, quand j'ai rencontré Valérie, je venais à peine de devenir français. Et donc moi, tous ceux qui disent, comme parfois on l'entend chez Jean-Luc Mélenchon, que la France est un pays raciste, ou ce genre de choses, je ne peux pas l'entendre. J'ai vécu ça, elle m'a donné cette chance, et c'est grâce à elle que cette promesse républicaine, elle peut aussi exister. Ça, j'oublierai jamais. J'oublierai jamais parce que, en plus, ce jour-là, je l'ai interpellée sur un sujet, elle m'a dit, je vais faire le nécessaire. Et elle me l'a dit, elle l'a fait. Et moi, je veux témoigner de ça aussi, parce que ça fait 10 ans que je la vois faire ce qu'elle dit. Et c'est vrai, on vient de l'entendre à l'instant avec Lamel, les gens ont un doute maintenant sur la capacité des politiques d'agir. Il y en a une, quand elle dit quelque chose, elle le fait. Et moi, j'ai vraiment vécu ça avec elle, et elle m'a donné ma chance, parce que j'avais envie de m'engager, parce que j'avais l'amour de la France, parce que je trouve que ce pays est magnifique, je suis devenu français. Mais s'il n'y avait pas eu Valérie, je ne serais pas aujourd'hui engagé en politique. Elle m'a confié la responsabilité du groupe à la région, ce n'est pas n'importe quelle responsabilité. Hein. C'est un groupe de 80 élus, Monsieur. J'en étais le Benjamin, le plus jeune. J'en suis devenu le président, parce qu'elle l'a voulu. Vous connaissez beaucoup de politiques qui prendraient ce risque? Ce n'est pas les élus qui manquaient. Ça a été une prise de risque, une audace incroyable de sa part. Non, c'est peut-être parce que vous êtes bon, tout simplement. Ah ben, j'y viens. Oui. Ah oui, c'est j'y vrai. Viens. Ah oui. Non, mais j'y viens. C'était pas du casting. Cyril Hanouna. Merci. C'était pas du casting, c'était pas du chiquet, c'était pas du casting, c'est du repérage de talents. Parce qu'il fallait aller chercher les talents. Ah oui. Ben, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est que c'est quelqu'un qui, et ça s'est vu à l'instant, j'espère, elle ne juge pas les gens en fonction de leur origine ou de leur apparence. Vous savez, il y a un candidat dans cette élection présidentielle qui s'appelle Éric Zemmour et qui, en gros, vous explique que si vous n'avez pas le bon prénom, vous ne pouvez pas être un bon Français. Et vous en avez d'autres, comme Jean-Luc Mélenchon, qui, au contraire, utilisent un peu c'est sûr que les autre... origines pour en faire une boutique électorale, pour en faire un électorat captif. Eh bien, elle juge les gens sur leurs actes, ouais. Sur leurs mérites, sur leur travail. Et je crois qu'on a besoin de ça aujourd'hui dans notre pays. C'est sûr. Haussmann ne serait pas passé. C'est pas dans le calendrier. C'est pas dans le calendrier. Mais voilà, mais je pense que ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on ait effectivement une présidente de la République qui fait ce qu'elle dit. Qui considère que la jeunesse, c'est pas une population à laquelle il faut juste faire un chèque. Haussmann, pourquoi? Alors, Valérie est là ce soir, et j'en ai parlé dès le début de l'émission. Pourquoi on sent que vous la connaissez bien, vous en parlez. Mais les Français n'imaginent pas Valérie Pécresse comme vous en parlez. Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour qu'on les détourne de cette élection. Non, mais voilà. Non, il n'y a pas que ça. Bah, y a quand même pas que ça. Ils ont regardé des différentes émissions avec Valérie Pécresse, et là, j'espère que ce soir, ils vont le ressentir. Mais ce que vous dites là, les Français ne le ressentaient pas. Pourquoi? Mais je vais vous donner un exemple précis, parce qu'aujourd'hui, on a un président de la République qui distribue beaucoup de chèques. Elle a dit tout à l'heure, Nadine Morano, elle a dit un truc. Elle a dit, il a la tchatche, le président de la République. Oui, oui. Valérie, est-ce que vous, on se parle franchement, est-ce que vous n'êtes pas trop franche? Vous dites vraiment les choses, quand vous dites, voilà, vous dites ça, on ne pourra pas le faire, ça, c'est pas possible, je ne peux pas faire rêver les Français. C'est très important ce que vous dites, Cyril, c'est très important. Parce que le problème, c'est qu'on a aujourd'hui une dette colossale, double dette, écologique et financière, double dette. Et on est en train de la léguer à nos générations futures. Et tout le monde s'en fiche. Ce n'est pas un débat de la campagne. La dette, oh, ça passe à la trappe. Aujourd'hui, Emmanuel Macron devrait... Valérie Pécresse. Oui, mais c'est important. Moi, je ne veux pas léguer de dette à nos enfants. Moi, je suis la candidate des générations futures. Je vais vous parler comme un... Et Lamal, je suis sûr qu'il est d'accord avec moi. On ne comprend pas ça, les Français. Mais Cyril, vous comprenez quand même... Si, les Français sont beaucoup plus intelligents. Moi, je comprends, mais pas du tout. Je comprends. Lamal, est-ce que tu comprends cette histoire de dette? Dis la vérité. Ça te parle ou pas? Rien du tout, on ne comprend pas. Je vous dis que tous les cadeaux qui sont faits aujourd'hui, toutes les annonces, toutes les dépenses, c'est les jeunes, c'est les nouvelles personnes. Mais oui, mais oui. Emmanuel Macron est en train de dépenser aujourd'hui des impôts de demain. Haussmann, je... C'est la seule qui a le courage de le dire. Mais oui, mais je vais vous dire. Mais les yeux à un moment. Oui, mais justement, est-ce que Valérie Pécresse, vous ne devriez pas plus mentir? Non, mais c'est vrai. Mais non, parce que justement, c'est pour ça que je vais être élue. Je vais être élue parce que moi, je sais que les Français, ils sont très politiques. Et je sais qu'à un moment donné, ils vont rentrer dans cette élection. Et ils vont se dire, qui est-ce qui... Ils vont se dire, qui est-ce qui nous dit la vérité? Et qui est-ce qui aura le courage de réparer ce pays? Qui est-ce qui aura le courage d'aller casser les ghettos? Qui est-ce qui en parle?
des quartiers populaires aujourd'hui dans cette campagne. À part Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est de la clientèle. Hein. C'est je vous promets tout et le reste, mais de toute façon, c'est lui, monsieur 250 milliards. Hein. Il n'a pas l'argent pour le faire, donc il ne le fera pas. Moi, j'aurai l'argent et je le ferai, comme à la région Île-de-France. Et je voudrais que les Français... Alors, c'est vrai que les Français, il y a eu la crise Covid, j'ai peut-être été un peu enfermé dans ma région. Ils me connaissent moins en dehors de la région. Mais ça, c'est pour ça aussi que je viens avec quelques témoins qui peuvent raconter. Rodman, pour finir, parce qu'on va conclure là-dessus, est-ce que vous y croyez vraiment ? Ah, mais j'y crois dur comme fer. Mais comment Je vous le dis franchement, comment ça se fait ? Mais parce qu'on n'a pas le choix. Si on continue comme ça, on va dans le mur. Regardez, les gens sont contents aujourd'hui moi, j'aimerais qu'on se dise. Vous faites un déjeuner avec un pote, voilà, un de vos potes. J'en ai quelques-uns. Ah oui. Vous dites vraiment. Ils sont tous là, d'ailleurs. On le voit dans tous les déjeuners, dans tous les dîners, les gens qui parlent des élections. Les élections, même, je vous le dis, s'intéressent de moins en moins. On le voit, les audiences à la télé, les émissions, s'intéressent de moins en moins parce que dans la tête des gens, c'est joué. Emmanuel Macron sera président. Qu'est-ce que vous dites à ça, Cyril? Les gens sont en train d'ouvrir les yeux. Mais arrêtez, non. Mais je vais vous dire pourquoi. Moi, je la connais depuis 10 ans. C'est une combattante. Oui, mais qu'est-ce que vous allez dire le 11 avril si vous n'êtes pas au second tour ? Tout ce qu'on vit là, toutes ces attaques, ces débauchages individuels, ces tentatives de déstabilisation, ça la renforce. Oui. Elle est capable de créer la surprise. Parce que, encore une fois, on peut pas continuer comme aujourd'hui. Je vous le dis, hein, le quoi qu'il en coûte, c'est pas possible. C'est le quoi qu'il nous coûte, c'est pas financé. Et vous allez faire quoi ? Et vous allez faire quoi si Emmanuel Macron repasse 5 ans ? Vous allez faire quoi ? Ben, attendez, s'il repasse 5 ans et qu'il nous refait ce qu'il a fait sur ce quinquennat, c'est une catastrophe pour le pays. Moi, je peux pas croire qu'après tout ce qu'on a vécu sur ce quinquennat, avec un président de la République qui dit qu'il faut déconstruire l'histoire de France, qu'il n'y a pas de culture française. Moi, ça me choque, hein, qu'un président de la République de mon pays, donc je suis devenu français, dise qu'il n'y a pas de culture française ou qu'il faut déconstruire l'histoire de France. Ça me choque. On a besoin d'elle, les amis. On a besoin d'une femme qui fait concrètement les choses. On a besoin d'une femme qui va avoir le courage de prendre les bonnes décisions pour l'avenir du pays, pour la jeunesse, pour les nouvelles générations, parce que 1000 milliards de dettes en un an, ça veut dire qu'un enfant qui naît aujourd'hui, il a 45 000 euros de dettes sur la tête. Oui. Vous trouvez ça bien, Cyril ? Vous croyez que les Français vont réélire ce système-là ? À mon avis, oui, mais... Moi, j'y crois pas, je ne m'y résume Cyril, pas. Non, mais... Cyril Hanouna, moi, je pense une chose, je pense que les Français, ils sont libres, ils sont totalement indépendants et ils sont frondeurs. Et ils n'aiment pas les matchs écrits d'avance. Donc quand on leur dit, allez les amis, c'est plié, n'allez pas voter. De toute façon, les sondages vous ont déjà dit, le résultat de l'élection, ça les rend dingues. Donc ils vont nous regarder, ils vont nous juger et ils vont se poser des questions. Et moi, alors c'est vrai que cette campagne, elle est vraiment très très dure. Hein. Et parce que je suis la femme à battre, parce que la droite républicaine, c'est la seule qui peut battre Emmanuel Macron. Non, mais c'est, vrai mais c'est ça, c'est la seule. C'est un Ils en prennent plein la gueule. Ah oui, mais alors là, des torrents de boue. Mais vous savez, vous vous souvenez ? Il y avait, alors c'est les moins de 20 ans ne peuvent pas trop connaître, hein, mais il y avait une émission qui s'appelait les Guignols. Bien sûr. Les Guignols de l'info. Oui. Et il y avait une marionnette de Chirac. Bien sûr, à l'époque, moi j'ai dit. Et à l'époque, il était vraiment pas du tout favori. On avait décidé que l'élection était pliée, c'était Balladur, il était sortant, il allait être. Exactement. Et Nicolas Sarkozy avait soutenu Balladur à l'époque. Il avait soutenu Balladur. Mais Chirac avait gagné. Oui. Monsieur Hanouna, je finis, mais cette marionnette, elle avait un gimmick. À chaque fois qu'elle prenait un coup de poignard, elle disait « Ah, ça pique !» Alors c'est vrai que cette campagne, elle pique un peu. Oui. Voilà, elle pique un peu. Mais il y a une belle phrase, puisque vous aimez Nicolas Sarkozy, une belle phrase de Nicolas Sarkozy, il dit « Pour devenir président de la République, il ne faut plus avoir une partie de son corps qui n'a pas une cicatrice. » Eh ben moi, mon corps aujourd'hui, il est couvert de cicatrices. Mais je suis une combattante. Et ce combat, on va le gagner. Et on va le gagner à la fois pour les territoires ruraux et pour les quartiers populaires. Merci. Valérie Pécresse, Othmane Nasrou, il est 19h. Valérie Pécresse, vous espérez un beau roman, une belle histoire, parce que c'est votre chanson préférée. On va se quitter avec ça. Michel Fugain, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance aujourd'hui. C'est la vie. Voilà. Et ben, la vie, c'est des rencontres. Et ben, des belles rencontres, comme ce soir. Ah, c'était une belle rencontre avec Othmane. Hein. Ah ben, tous. La Malle, c'est un type extraordinaire. Non, la Malle, on en reparle, mais on ira ensemble dans les tours marrons. Apparemment, vous lui avez tapé dans l'œil. Merci, Jean. Merci à tous d'avoir été. Merci, Valérie Pécresse. Ça touche pas à mon poste, bien entendu, en direct. Merci, Othmane. Merci. Merci à tous. Et n'oubliez pas la télé, c'est que la télé. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Bienvenue dans TPMP XXL, quel bonheur d'être avec vous. On lâche les fauves. On lâche...